pour voir si le son est bon. Est-ce que quelqu'un peut parler pour voir si le son, votre son marche bien? Ba 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 Buren. Ba ba. Ouais. Allô. C'est bon. Les niveaux sont oula, bons. Par contre, le léger délai, ça fait mal. Est-ce que les niveaux sont bons là? Est-ce que ma voix et la vôtre est au même niveau? Si vous parlez, c'est mieux. Oui, pardon. Oui, c'est bon. D'accord, ok.
Coucou, bonne soirée, enfin bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les trois viewers qui sont nous-mêmes. Je crois qu'il y a Kirok dans le tas, peut-être. Ouais, mais il faut dire bonsoir pour la rediff YouTube, quoi. Ah, effectivement, ouais. Pour les trois viewers qui sont nous-mêmes. Qui sont moi-même, qui regardent le stream pour me préparer. Bonjour, écoute, ça me fera... regarde le stream. Ça me fera sourire. Bonjour, Ed du futur. Dans 6 mois, quand on fera la prochaine session. Du coup, comme d'habitude, Pathfinder ce soir, on continue nos aventures. Donc, pour résumer vos aventures jusque-là, vous êtes rencontrés et vous avez commencé à partir à l'aventure ensemble à Omble Régalé, qui est un petit village. Tu reviens au début, toi. Bah oui, mais j'accélère, hein, je vais pas résumer chaque session à fond, mais c'était un petit village donc qui a été attaqué par un culte qui s'appelait le Sang Versé. De fil en aiguille, vous avez un peu enquêté sur ce culte et suivi des pistes. C'est là que je dis je vais accélérer un petit peu, je vais pas détailler le tout, mais votre enquête vous a mené à suivre un certain Twig qui se serait enfoncé dans les Terres Sombres. Les Terres Sombres, comme j'ai expliqué, c'est un réseau de souterrains géants qui se trouvent sous terre et dont personne ne connaît vraiment l'ampleur. Vous avez voyagé pendant une journée et quelques sous terre, vous avez affronté de nombreux dangers, des espèces de gros insectes, des inondations éclairs qui ont failli vous emporter, des précipices et plein de bestioles. Et vous êtes également tombé sur un dénommé Dravi, qui est un mongrelman. C'est un humanoïde qui est à moitié insecte, qui a une apparence très asymétrique, un peu effrayante, que Draximus a reconnu comme une espèce qui n'est pas forcément... mauvaise, c'est une espèce qui est plutôt neutre. Ça ne veut pas dire que les individus ne peuvent pas être mauvais en eux-mêmes ou ne peuvent pas être bons, mais c'est pas une espèce qui est connue pour être particulièrement mauvaise ou particulièrement bonne. C'est pas un orque, Voilà, en gros, les orques. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très problématique que le fait que les orques soient une race maléfique, parce qu'il y a des parallèles avec la vie réelle, etc., avec des peuples de la vie réelle, et c'est pas raisonnable de dire qu'un peuple peut être maléfique, c'est des individus. Bref, il y a une grosse polémique là-dessus. Moi, dans mon univers, les orques sont plutôt méchants. Je sais pas, c'est problématique, j'espère que non, j'aime bien la dichotomie. On s'en fout. Exactement. On va pas revoir ce qu'a écrit Tolkien. Voilà. Du coup, cet individu vous a expliqué dans un langage commun assez approximatif qu'il avait besoin de votre aide et que son village était en danger. Vous avez discuté un petit peu avec lui. Petit à petit, il a imité vos voix et il a pris un peu plus de confort dans son dialecte, etc. Il vous a expliqué en gros qu'il a vu des orques patrouiller autour de son village, que lui c'est un chasseur éclaireur et que quand il a vu ça, il a paniqué, il a pris la fuite pour essayer de trouver de l'aide. Et il vous a expliqué notamment que les Mongrelmen, son village, étaient très pacifistes
et avait tendance à refuser de combattre et à se soumettre très facilement à l'agresseur. Pour cette raison, il a cherché de l'aide extérieure et il est tombé sur vous. Et il compte sur vous pour essayer d'aider à protéger son village, parce qu'il ne pense pas que son village sera en mesure de se défendre de lui-même. Sur la route, Draximus, tu t'es rendu compte que les traces de pas de Twig que vous suiviez, que vous pensez être une créature massive, peut-être un ogre, peut-être quelque chose du genre, semblaient suivre à peu près le chemin que Dravi vous a emprunté. Vous avez voyagé pendant un peu plus d'une journée en direction du village et vous êtes retrouvé plusieurs fois sur ce qui semble être ces traces de pas. Et du coup, vous avez le sentiment que Dravi vous envoie dans la même direction que Twig. Alors que vous approchez juste du village, vous avez échoué, je crois que c'était Raj qui avait échoué un jet de discrétion, qui avait fait un grand bruit et vous avez attiré des créatures vers vous, ce qui s'avérait être des orques et également des dark crawlers qui sont des espèces de. Comme la créature Explodiboom que vous aviez croisée au tout début, mais en plus petit avec une forme un peu plus de nain. Donc ces deux races qui étaient ensemble, qui semblaient effectuer une patrouille, Et et qui font selon de ce la que vous lumière disiez. quand ils meurent, si je me souviens bien. Alors ouais, ils avaient des sortes d'ombres et au moment de mourir, ils ont explosé dans une espèce de gerbe de lumière. En voyant ça, Dravi est assez paniqué, vous explique que vous êtes juste à côté de son village maintenant et que c'est très inquiétant de trouver sur des orques juste ici. Est-ce qu'on est bon? Et j'ai une nouvelle dague. Oui, tu as une nouvelle dague. Draximus Elle a des s'appelle gants Revient. pétés, Sam il a une lance et Amadeus elle a des dents très acérées. Elle s'appelle Un Revient. bon nom pour ta dague, Revient. Reviens, c'est pas mal, ouais. Draximus, Ça vaut mieux que le pupus de Draximus. merci Amadeus. Du coup, vous êtes tous passés niveau 6, vous avez Est-ce débloqué. qu'au moins c'est pupus en elfique? Bah oui, pupus en elfique, Mélone. ça veut dire poison, ça veut dire corrosif. Bien sûr, pupus. Non, je veux dire, c'est l'équivalent de pupus, mais dit en elfique. Non, 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 c'est dit Oh en merde. commun, ça dit pupus. En elfique, ça veut dire corrosif. D'accord. Du coup, comme je vous expliquais, Dravi est assez paniqué. Il s'adresse à vous et il vous fait vous suivre. Village pas loin, vous suivre. Et il sent vraiment vous attendre et il se met en route. Comme je l'ai expliqué, c'est quelqu'un qui est donc c'est un ranger, un peu comme Draximus, mais qui est beaucoup plus orienté sur la discrétion, etc. Et qui a tendance à avoir beaucoup de facilité à Comment se ça, je faufiler suis dans pas les ombres. discret? J'ai pas dit ça, je dis qu'il est plus axé dessus. Disons que là où toi tu mets des patates, lui il va plutôt se cacher et se faufiler. Et donc sans vraiment vous attendre, il se faufile dans les ombres et il s'avance. Bon ben, moi je propose qu'on se repose pour la nuit, hein. Mais attends, on n'était pas en Ça combat peut. la dernière fois, on avait fini les combats? Non, on avait Vous avez fini. tué. Ouais, vous avez tué. D'accord, Je ok. peux vous remettre sur la carte On avait tout looté? vite fait. Je crois que oui. Il Alors, semble. Il la semble dernière, que oui. les dernières notes que j'ai, c'est on essaye de se faire discret, mais Raj fait une cacophonie pas possible. Un groupe de trois orques utilisant des sorts de ténèbres se ramène. Amadeus réussit à sentir des machins qui rappellent Explody Boom Boom et les affrontent. Drax signale que les orques semblent être une horde plus martiale et bourrine que ceux de la surface, même si C'est ceux-là vrai. ne sont pas spécialement entraînés ou nobles ou guerriers. Et c'est tout. C'est vrai que les orques que vous avez croisés sont effectivement plus dangereux que ceux que vous avez vus sur la surface. Du Ceux de la coup, surface, vous les aviez affrontés quand vous étiez niveau en gros 2 ou 3 et c'est pas vraiment une difficulté. Là, ces orques-là vous présentent un petit challenge à votre niveau actuel. on n'a pas noté de loot. Vous n'avez pas noté de loot, en effet. Ok, Il y a dans ma ce dague cas-là, qui revient. Je te faites-moi fais dans ce ça. cas-là un jet de perception. Perception. Je te fais Tout le ça. monde? Oui, tout le monde, oui. Et... T'inquiète pas, le mien va passer. Pareil. Oh là là. J'ai Oh là rien pour là. ça, c'est pas normal. Mais c'est incroyable. J'ai fait un 18 pendant ça. Voilà, on a tout vu. 16, Tout j'ai fait pour 18, l'instant, mais 17. ça va pas être. Ouh, j'ai fait un 20. 20. Oh Oh, là là. nice.
Ok. Je fais quand même moins que vous, hein, donc. Ouais. Ok, ça marche. Alors, comme. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait donc des orques qui étaient des combattants, et il y avait un orque qui avait l'air d'être un général, un orque un peu plus haut gradé, qui se battait notamment avec un arc. Draximus, tu tombes sur quelques flèches spéciales qu'il a dans son carquois. Est-ce que c'est quoi encore pour identifier les objets magiques? C'est un jet de spellcraft. Est-ce que tu peux m'en faire un, Guillaume, pour Crimson et Rage, s'il te plaît? Monsieur. Ouais, je peux faire aussi. Enfin, j'ai fait un 20. Pretty. Ok. Il y a une dizaine de flèches spéciales ou. Il y en a 3. 3 Je vous les envoie. Attendez, donnez-moi juste 2 secondes. Alors, vous tombez sur les flèches magiques, il y en a 3. C'est des flèches Dwarf Bane. C'est des flèches qui sont faites pour tuer les nains. Non, okay. Si. Bah, des flèches magiques que tu tombes sur un orc, tu vas pas tomber sur des flèches anti-orc. Oh merde! Ou un petit mort-vivant. Écoute, soit tu peux les garder pour plus tard, soit tu pourras les revendre éventuellement. D'accord. Tu tombes sur une dizaine de flèches normales, une armure de peau Masterwork. Et un falchion plus 1. Une armure de peau, Masterwork, c'est bien. Falchion, ça, c'est une espèce de grosse. C'est une armure de peau, c'est assez basique, hein, c'est pas des trucs incroyables, mais ouais, Masterwork, c'est juste une qualité légèrement supérieure à la normale. C'est en dessous de ce qui est magique, c'est bien, bien en dessous de ce qui est magique, mais c'est. Et falchion, c'est une espèce de grosse épée, si je ne m'abuse. Imagine un cimeter à deux mains. Ah. Ouais, voilà. Ouais, donc tout ça on vend quoi, à part les flèches normales. Un falchion plus 1 ça peut valoir, les flèches magiques tu peux les vendre et les flèches normales tu peux les garder. Ouais. Ok, quelqu'un les note quelque peau, part je l'ai noté. L'armure de peau Masterwork, c'est le seul qui doit mettre qui peut pas mettre d'armure métal, c'est Amadeus il me semble, non? Ouais, je pense qu'elle doit avoir meilleur, mais je suis pas sûr. Il me semble pas, non? Non. Amadeus, elle a une armure de peau. Ah non, une armure de peau plus 1. Ok. T'as à peu près la même chose, mais en magique. Et en plus de ça, vous tombez sur 138 pièces d'or. Ok. Ouh. Encore une fois, je considère que c'est soit 138, c'est peut-être 130 pièces d'or, 100 pièces d'or et un petit bijou et des pierres précieuses qui en valent une trentaine, ce genre de choses. Dans le souci de simplicité, vous pouvez les acheter directement. Bah du coup. Combien divisé par 5. Ça fait 27 pièces d'or et il y en a 3 qui se baladent. Parfait. Ouais, elles se baladent dans ma poche, ça t'inquiète pas. oubliez pas, comme je vous disais, de les ajouter sur votre flèche manuellement, sinon ce sera pas fait. Donc faites bien ça, sinon ça sera perdu. Ouais. Ok, après ça, est-ce que vous voulez faire quelque chose ou vous mettez en route? Je considère que, bien sûr, Dravi vous attend et c'est dès qu'il voit que vous avez fini, il vous fait signe de le suivre. Ben, moi je dis, on va camper pour la nuit. Hein, je récupère mes sorts. Vous pouvez choisir de camper. Il est assez tard pour qu'on puisse faire ça, en gros. On sait pas. Vous pouvez, en soi, vous pouvez camper quand vous voulez, surtout dans les sous-terres, ça fait pas vraiment de différence. Vous avez une petite idée de l'heure qu'il est, Amadeus, avec précision, non, mais vous savez que ça fait que 2 jours, enfin, même pas 2 jours que vous êtes là, donc votre rythme de vie est encore à peu près adapté à ça. Vous êtes couché, il y a peut-être, vous êtes levé, il y a peut-être 3-4 heures, quelque chose comme ça, donc il est probablement autour de midi, début d'après-midi peut-être. Si vous voulez, vous pouvez absolument passer 8 heures à vous reposer, il n'y a pas de restriction là-dessus, mais bien sûr, le temps continue d'avancer, etc., si vous faites ça. Ça se trouve, le village est en train de se faire massacrer. Ouais, oui, mais... Je plaisantais. Du coup, je considère que vous suivez Dravi. Ouais. On avance. Ok. Je pense, ouais. Donc Dravi s'engouffre dans les ombres et vous fait signe de le suivre. Encore une fois, il vous fait signe
d'utiliser les torches qu'il vous a données, qui sont beaucoup plus discrètes que les torches que vous aviez. Ouais, les torches à base de cafard qui vous émettent une petite lumière rouge qui est très discrète, qui vous permet de voir beaucoup moins loin, mais qui vous rend moins repérable. Comme je l'ai expliqué dans les souterrains, ce genre de lumière, ça correspond généralement à des individus de la surface qui sont généralement vus comme des proies faciles. Et du coup, ça a tendance à attirer pas mal de bestioles et de saloperies. Donc, c'est plus conseillé quand c'est possible d'utiliser des torches rouges. Oui, Draximus. Petite question pour la bête. Tu as ajouté les skills totaux pour. Je crois pas que j'ai ajouté ces skills dans la bête. C'est d'ailleurs. On a gagné 15 skill points. Donc D'accord, 5 sur 6, donc c'est peut-être pour ça qu'Inka a dû l'ajouter, du coup, non? Non, elle a gagné un skill point. D'ailleurs. En fait, quand la Roll20 le fait automatiquement, quand tu passes un niveau, il te met automatiquement tes skills. Okay. Donc c'est peut-être pour ça, ouais. Donc n'hésite pas à lui mettre un skill en plus. Si ok. Syrah. Crimson, t'es toujours blessé ou pas? Un petit peu. Parce que t'as 40 sur 56. Ouais. Je peux me soigner, c'est pas un souci, mais c'est juste. Je le fais pas tout de suite. J'ai quand même cramé quelques sorts dans le combat, donc je préfère. Je suis pas blessé suffisamment pour que ça vaille le coup que je crame mes sorts maintenant. Fair enough. Ok, donc on suit de ravi. C'est ça? Et Draximus, ouais. Pour la bête, je conseille que tu mettes en perception parce que c'est ce que tu lui as déjà fait monter. Je voulais peut-être lui mettre en stealth. C'est pas mauvais non plus. Parce que j'ai pris dans les tricks, j'ai pris attack, stealth. Sneak et track. Attends, j'ai pris sneak ? Non, je voulais prendre stealth. Stealth, pardon, oui. Attends, j'ai pris. Ouais, non, sneak, non, c'était sneak. Sneak, excuse-moi, sneak. Ouais. Oh, ok. Non, c'est pas une mauvaise idée. Bah surtout qu'en général, quand vous, en tant que groupe, vous voulez sneaker quelque part, ça va être celui qui a la sneak la plus basse qui va vraiment être pris en compte. Du coup, c'est pas mal que tout le monde en ait au moins un petit peu, parce que sinon, si Sierra elle a un plus 25 en sneak, s'il y en a un derrière qui a un moins 2, bah, ça fout la merde, quoi. Mais surtout que... Je vois pas de quoi tu parles. On a dû oublier de gérer la bête correctement, parce que techniquement, elle peut pas sneak comme ça, si elle a pas le trick. Elle peut, alors je crois que le trick lui permet de faire de sneak là où son instinct lui dirait de fuir ou ce genre de choses. Bon. Après, les tricks, je suis pas trop fan parce qu'en fait j'ai l'impression que si tu veux vraiment jouer avec les tricks, c'est-à-dire que ton animal compagnon il va avoir vraiment une intelligence artificielle qui va te gérer par le MJ et du coup, par exemple. Ouais, mais du coup, par exemple, il y a un trick qui s'appelle flank et qui fait que si tu n'as pas ce trick, tu ne peux pas demander à ta bête de se mettre à un endroit précis pour donner le flanc à un allié. Et je suis sûr que ça, on l'a utilisé plein de fois aussi. On a mis la bête d'une certaine façon. Bah même attaqué, hein. Sierra, etc. Ouais, même attaqué. Du coup, bon, je suis pas archi fan de ça. On va jouer comme ça pour l'instant, mais je vais considérer qu'en gros, les tricks, tu vas les utiliser si tu veux faire quelque chose qui est vraiment contraire à ce que, par instinct, elle ferait. Donc si tu veux lui faire affronter une créature qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus imposante qu'elle, peut-être que je te ferai un jet là-dessus. Si tu veux la faire attendre à un endroit qui est inconfortable pour elle, peut-être qu'il faudra un trick ou tu feras un jet. En gros, si t'as le trick, tu fais pas le jet. Si t'as pas le trick, je te ferai sûrement faire un jet. C'est un peu ça l'idée. Bref. Crimson qui lève la main. Ouais, un truc que tu pourras faire au niveau 8, si tu montes l'intelligence de la bête à 3, elle a une intelligence humaine. Donc elle est capable de comprendre le langage. Une intelligence humaine à 3, c'est une intelligence humaine pas valide. C'est l'intelligence d'un enfant. Contact ouais. Support technique, mais. quel support. What? Bon, c'est l'intelligence des gens de mon équipe, tu préfères? D'accord. Oh, wow. C'est si mauvais que ça. Non, je m'échange. Pour rappel, la moyenne c'est 10. Hein. Attends, je me rappelle pas qui est l'équipe. Je vais pas le dire là-dedans, mais je vais regarder. Non, voilà. Ils sont bien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans Pathfinder, c'est considéré que 3, c'est l'intelligence minimale pour être capable de comprendre un langage. Ouais. Donc si tu montes l'intelligence de la bête à 3, tu peux communiquer avec elle normalement. Voilà. Même si t'as même des sorts qui te permettent de directement parler aux animaux, mais ouais. Du coup, si elle a pas au moins 3, elle va avoir un. Oui, mais pourquoi lancer des sorts pour parler aux animaux? Tu peux faire en sorte que les animaux te comprennent. Ouais, mais il faut qu'ils répondent quand même, c'est mieux.
La réponse, bref. Ça va juste être... Est-ce que tu as faim? Squeak, 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 squeak. Exactement. Merci d'avoir ruiné mon drama. Il y avait aussi un trick qui permet à l'animal de comprendre certains mots que je lui donne. Ouais. Bref, maintenant qu'on s'est bien éloigné de la situation dramatique et du village en danger, etc. On s'en fout de... On s'en fout, on a envie de parler de la bête, là. Elle est pas belle, elle est pas belle. Qui c'est le bon raptor? Qui c'est le bon? Du coup, vous suivez Dravi et vous faites discret. Vous guettez les bruits autour de vous et vous remarquez que... Ouais. Un autre truc pour ne pas être repris au dépourvu. Un des cailloux qu'on avait sur le... Je vais garder un caillou dans ma besace sur le côté et je vais régulièrement lancer lumière dessus, mais le laisser dans la sacoche. Ok, après vous avez déjà récupéré les torches d'ailleurs. Parce qu'il y en a une oui, qui traîne au fond de ma pièce. Si on se retrouve dans une situation de combat, je pourrais juste ouvrir ma sacoche et lancer le caillou sans avoir à relancer le sort et à me casser les pieds. Ouais, ok, ça marche, c'est une bonne idée. Et en plus, si t'es assez adroit, tu peux lancer le caillou directement à un ennemi. Donc il va se prendre la face. Mais tant que le caillou est dans le sac, la lumière ne se voit pas. C'est ça aussi ça l'intérêt. Donc c'est juste une source de lumière rapide à avoir parce que ça m'a énervé un tour à faire de la lumière. Ça dure combien de temps, lumière? Ça dure 10 minutes, il me semble. Ok, ça marche. Pas de soucis. Avant que je repasse dans le toutes les 10 minutes, je mets la main dans la besace et je fais blablabla, lumière. Est-ce que tu peux donner un nom à ton caillou et l'appeler Aziz? 10 minutes par niveau, donc en fait ça dure une heure. Ah oui, ok, peinard. Donc toutes les heures, je vais faire ça. Voilà. Je me transforme en loup, je me souviens plus si j'étais en loup ou pas. Sûrement pas, je vais considérer ok. D'ailleurs, pense à noter le nombre d'utilisations de ta forme de loup, hein, parce que je te l'ai mis sur ta fiche dans Additional, si tu regardes tout en bas. Tu as aspect du loup mineur, aspect du loup majeur et aspect du loup-garou. Aspect du loup majeur et aspect du loup-garou, ça partage le même temps. Donc tu peux l'utiliser 6 fois par jour. Je vais considérer, tu l'as utilisé au moins une fois aujourd'hui, donc je vais te mettre à 1 sur 6. Et comme je te disais, à chaque fois ça dure une heure. Donc si tu l'utilises une fois, ça dure au moins une heure. Si tu veux l'utiliser une heure et 5 minutes, ça va consommer 2 charges. Du coup, n'hésite pas à le mettre à 2, mais ouais, essaye de traquer ça et ça se reset à chaque fois que tu te reposes pendant 8 heures. À chaque fois que tu fais une nuit de sommeil, ça se reset. Elle va gagner des utilisations en plus, plus elle gagne de niveau. Elle gagne une heure. Ouais, je crois que c'est ça. Et plus son wisdom, mais son wisdom il est à plus 0. Grosso modo, au niveau 20, elle peut rester en forme de loup toute la journée. Voilà. Nice. C'est vrai. Ok, vous le suivez et alors que vous avancez, vous remarquez que la grotte a l'air de changer un petit peu d'apparence légèrement. Vous remarquez que le milieu, il a l'air d'être un petit peu creusé, comme s'il y avait plus de passages. Il y a des signes d'activité et de passage et vous comprenez que vous arrivez vraiment proche du village. Après 5 minutes de marche à peine. Vous entendez des voix devant vous et Dravi vous fait signe de faire silence. Je vous fais pas de jet pour ça, mais vous approchez discrètement. Je considère que c'est Sierra qui prend les devants. Sierra, Amadeus ou Draximus peut-être, avec Crimson un peu derrière. Et tu remarques que devant vous, à quarantaine de mètres peut-être, il y a ce qui semble être l'entrée du village. Il y a des espèces de poteaux de bois, de piliers de chaque côté, et ce qui semble être des barrières un peu improvisées qui peuvent poser pour comme barricade ou en protection. Ces barricades ont été posées devant pour éviter un passage facile, donc c'est assez facile de contourner ou de sauter au-dessus, mais en situation de combat ou ce genre de choses, ça serait définitivement quelque chose qui vous bloquerait un petit peu. Derrière cette barricade, il y a... laissez-moi juste vérifier. Derrière la barricade, il y a 4 orques et un Darkstalker. Donc, Darkstalker, c'est les Explodimum. C'est la version grande de ce que vous avez fait. Arrête de dire Darkstalker, appelle les Explodimum. Des Explodimum. qui sont clairement en train de monter la garde
de bloquer l'entrée et de surveiller ce qui se passe aussi bien par chez vous que de l'autre côté. D'accord. Ils sont armés, ils sont équipés, ils ont leurs armes dégainées, ils ont l'air prêts à combattre. Et prêts à combattre, c'est peut-être pas le mot, ils ont pas l'air. Ce qui vous marque, c'est qu'ils ont pas l'air paniqués du tout. Ils ont pas l'air d'être en train de combattre. Ils ont vraiment l'air d'être là, campés, en attente. Ils ont la situation sous contrôle. We need a plan of attack. C'est l'impression que ça te donne. Ils sont tous dans personne à la référence, bordel. Désolé. We need a plan. Attack. Shut up. Ok. We have a plan. Attack. Ok. Mais est-ce qu'ils sont tous dans, regroupés dans un coin ou est-ce qu'ils font des... Est-ce qu'ils ont un patrol walk ou je sais pas quoi? C'est une petite entrée qui fait peut-être 4 mètres de large maximum. Et du coup, non, ils patrouillent pas, ils sont en attente. Il y en a quelques-uns qui font un peu les 100 pas, qui se... Comment dire? T'as l'impression qu'ils se détendent un peu les jambes, qui se déplacent juste de quelques pas pour se détendre un peu les jambes, mais pas vraiment qui patrouillent. Le village est occupé, donc. Et pas par des irréductibles gaulois. C'est un peu l'impression que ça te donne. Tu as pas l'impression que les orques sont là pour rendre d'assaut le village. Tu as l'impression qu'ils sont là pour soit empêcher d'entrer ou soit empêcher de sortir. Oui, donc ils ont kidnappé un village, c'est bien. Donc, on s'y prend comment? Sneak? Quand Dravi voit ça, il a l'air vraiment paniqué. C'est... Trop tard, Trop tard, c'est... Et il se prend la tête dans les mains et il est... Attends, Dravi, ils ont peut-être fait des prisonniers, il y a toujours une chance de les sauver. On va fomenter un plan. Ah, d'un seul coup, je me sens plus rassuré. Et t'inquiète pas que ces orques qui vont en baver. Parce que ce sont des orques. Ah, et là, ils voient l'étincelle dans mes yeux. Évidemment. Moi, je dis en charge. Ah, y a Avant. Est-ce qu'on pourrait... Reconnaissance, un peu. Ouais, voilà. Un peu d'entrée, il y a des gardes. Il n'y a qu'une entrée, pour sûr. Il y a deux entrées. Je connais autre entrée secrète. Très secrète. Mon père l'entrée m'a appris... L'entrée de ton père, ouais. Même mon Grelman ne connaissent pas Orc. Orc, probablement pas être là. Moi pouvoir vous montrer. Est-ce que, juste avant, est-ce qu'il y a un endroit où les Drelman, les insectoïdes là, votre peuple se réfugie en cas d'attaque? Ou c'est seulement votre village? Est-ce qu'il y a un plan B en fait quand vous faites attaquer? Pas vraiment. Courage, Fion. Plan B, mon Grelman, c'est se rendre. Moi, vous dire tout à l'heure, mon Grelman, être esclave. Il y a longtemps, être esclave elfe, être esclave nain, et mon Grelman habitué à ça. Mon Grelman, pas courageux. C'est pour ça, moi, besoin de vous. Il vous signifie. Vous suivre, moi montrer chemin secret. D'accord. Et il s'éloigne. Bon, on le suit. Non. Ok, ouais. Kika s'y oppose. Non, j'ai pas envie de charger du coup. Vous remarchez pendant un peu moins de 5 minutes encore une fois, et il vous indique un passage pas très loin. D'ailleurs, je vais dévoiler un tout petit peu plus la carte. Mais vous arrivez. Juste ici. Simpson a une question. Vous êtes même pas sur le. Je vous êtes pas sur le. Oui. Sur la bonne carte. Ouais, c'est pas non, très grave. On est pas sur la bonne carte, je pense. Ouais. C'est pas très grave. Mais en gros, je vous ai avancé un tout petit peu et vous êtes arrivé là. Donc vous voyez un peu la route que vous avez fait et vous en êtes là. Il vous fait monter. C'est une espèce d'escalier un peu caché derrière des stalagmites. Oui. Avant qu'on se fasse attraper par des ennemis ou un truc comme ça. Je viens de me souvenir qu'on avait des points d'héroïsme.
Oui, vous pouvez les utiliser. Il me semble que moi j'en ai 3, 2, je sais plus. Je suis censé en avoir 3 par personne, c'est ça? Non, vous êtes censé en avoir. Alors, vous êtes censé en avoir au début et il y en a certains qui en ont utilisé, je peux vous les dire. J'en ai utilisé Guillaume un. Guillaume en a 3, Geoff en a 2, Cheyenne en a 3, Gwen en a 1 et Marion en a 2. Je crois que Gwen en avait utilisé un la session dernière quand Marion avait failli finir en noyer pour lui sauver la vie, un truc du genre. Donc les points d'héroïsme, c'est pour donner un bonus à un jet bien particulier. Je crois que j'ai mis les règles dessus. Mais ouais, vous les avez là. J'ai un peu arrêté d'en distribuer parce que c'était pas vraiment utilisé, mais ils sont toujours là, ouais. Bah justement, je me disais, j'y pensais depuis un moment, c'était l'occasion. J'aimerais en utiliser 2. Pour la fonction de récupérer des sorts. Ok, c'est pas une mauvaise idée. Après ça, c'est si je ne m'abuse, c'est pas une action, donc tu peux toujours le faire en combat. Je vais pas te compter que. Ah bon ? Donc tu peux le faire. Attends, on peut vérifier. Recall, you can spend. Ouais, j'ai pas parlé d'action ou quoi que ce soit, donc a priori tu peux l'utiliser en combat si tu en as vraiment besoin. Bon, dans ce cas, j'attendrai. Mais bien sûr. J'avais oublié que je peux utiliser mes sorts, donc voilà, je suis heureux. Ok. Donc il vous fait monter par une espèce de petit escalier naturel qui est très très abrupt, un peu difficile d'accès. Vous entraidez les uns des autres et vous arrivez sans trop de difficultés, mais c'est définitivement pas quelque chose de confortable. Ça rappelle un peu l'entrée secrète du Mordor de Gollum. Vous voyez le genre d'escalier très très abrupt, quasiment de l'escalade. C'est ce genre de chemin où vous pouvez passer juste un à la fois, etc. Vous arrivez dans une petite grotte et après centaines de mètres, quelque chose comme ça, ou à certains moments vous avez besoin presque de vous accroupir, etc. Vous débouchez d'un seul coup sur une petite alcôve et sur devant vous une géante grotte. Je vais vous mettre ici, parce que vous voyez la carte. La carte de c'est flou. Ah, c'est ouais, c'est flou, c'est en train de changer. vous êtes toutes ici, tout au sud. Oh, ok. C'est très pixelisé. Au point G. Ouais, c'est en train de charger. Ça va. C'est vrai que c'est très loin à charger, mais ça devrait arriver. Moi, ça vient de se charger. Bon, ça va charger. Donc, on est en G, c'est ça ? Tout en bas, tout au sud, là où il y a en la G? Petite zone violette. Ouais, juste à côté du G, ouais. Et du coup, la grotte débouche soudainement sur cette immense caverne et vous vous retrouvez sur un rebord assez large qui est caché par des grosses stalagmites. Donc vous pouvez un peu observer sans trop être vu et vous pouvez tous vous tenir à peu près ici. C'est pas très confortable, mais vous pouvez. Sur le coup, vous distinguez juste des vagues formes au loin et au fur et à mesure que vos yeux s'habituent un petit peu à l'obscurité et à la distance, vous distinguez un petit peu plus. La caverne fait à peu près 300 mètres de profondeur. Entre vous, le point où vous êtes, et le point tout au nord-ouest, il y a à peu près 300 mètres, vous estimez. Et la caverne fait peut-être 50 à 60 mètres de plafond. Il y a des nombreux piliers de pierre que vous voyez un peu partout qui relient le sol et le plafond. Il y en a certains, c'est des stalagmites géantes ou des stalactites géantes qui descendent pas complètement, qui touchent pas complètement les deux, mais la plupart sont des espèces de gros piliers. Et au milieu, il y a une énorme crevasse qui coupe la cave en deux, et sur laquelle il y a de nombreux points, comme vous le voyez. Et la crevasse. Oui, c'est quoi sur le A là Alors le A, c'est le gouffre de A, exactement. Les lettres, c'est juste des repères que j'ai mis pour moi, bien sûr, vous ne les voyez pas, mais c'est des repères pour moi pour me repérer plus facilement sur la carte. Ça a l'air plus profond que le reste, quoi. Oui, donc là c'est vraiment profond. C'est oui, le trou voilà. De la merdaille. Tout là c'est une espèce de petite. Ça va jusqu'en Australie. C'est crevasse qui va. Vous avez voilà. Vous n'arrivez pas vraiment à voir. Et celle-là c'est vraiment une crevasse. De toute façon, de là où vous êtes, vous ne pouvez pas distinguer complètement. Mais ouais, ça a l'air de descendre vraiment beaucoup plus profondément à ce moment-là. Bonsoir Kyriog. Bonsoir Kyriog. Bonsoir Kyriog. Les bâtiments que vous apercevez, vous les prenez d'abord pour des espèces de gros champignons. Ils ont l'air d'être fabriqués avec des matériaux que vous connaissez pas vraiment. Ça ressemble un peu à du bois de loin, mais dans des couleurs un peu violacées, un peu différentes. Et le tout est éclairé par des torches. Donc il y a des torches avec des vraies flammes, et il y a aussi des torches avec des flammes rouges, comme celles que vous tenez. Elles sont où les torches, pardon ? Un peu partout dans la ville, il y a des torches sur certains bâtiments, etc.
C'est une ville. C'est un grand village, ouais. Comme j'ai dit, ça fait à peu près 300 mètres de diamètre. Donc, c'est pas très très grand, mais il y a pas mal de bâtiments. 300 mètres de diamètre? 300 mètres, ouais, 300 mètres de diamètre, à peu près. Ok, j'ai une très mauvaise vision. De là à là, ça fait 300 mètres. Oui, d'accord, mais c'est justement, ça me paraît plus grand que ça. Mais c'est juste moi, c'est rien. Après, c'est une carte que j'ai récupérée sur internet, c'est pas forcément exactement l'échelle, c'est pour vous donner un peu une idée. Je me suis pas amusé à refaire moi-même tout ça, j'ai modifié 2-3 trucs, mais c'est pas amusé. Dans la ville en elle-même, ce que vous repérez, c'est qu'il y a de nombreux orques qui patrouillent. Vous voyez des silhouettes et vous les identifiez assez facilement, surtout Draximus qui a une meilleure vision que les autres et qui est très bon pour reconnaître les orques. C'est définitivement des orques qui se baladent parfois avec des torches, avec leurs armes en main et qui ont l'air de patrouiller, qui de temps en temps donnent un coup de pied dans une porte, rentrent à l'intérieur quelques secondes et ressortent. Vous voyez aussi quelques mongrelmen qui se promènent, qui ont l'air de porter des charges, et les orcs qui leur crient des instructions. Et qui... Basé sur ce qu'on voit, j'imagine nos connaissances, est-ce qu'on peut déterminer la taille approximative des forces armées orcs dans le village? En sachant, en disant, ouais, est-ce que c'est un détachement, est-ce que c'est... Fais-moi un G2. Alors, qu'est-ce qui pourrait coller dans les connaissances? Dungeoneering ou... Ouais. Local, je pense, sachant, attends, est-ce que j'ai mis mon... Local, plutôt, ouais. Local, ça pourrait être pas mal. Fais-moi un jet de connaissances local, Draximus, si tu veux. Alors, attends. Et je sais même pas si j'ai mis mon... Si, il doit être actif. Mon bonus de Dungeoneering. Oui, il est... Ah tu l'as mis, oui, il est actif, dans ton initiative. Et dans tout ça, mais je sais pas s'il est dans... Je revérifie juste vite fait si j'ai d'autres bonus que j'ai pas marqués. Underground, plus de initiative check, knowledge, géographie, perception, stealth... Ouais, on a déjà tout mis. Un jeu de connaissances locales. Ouais. Local. Bah, c'est bien, j'ai mis un point dedans. Bon, en plus, c'est au total. 21. Ok, c'est pas mal. Tu vas pas vraiment pouvoir estimer combien d'or qu'il y a précisément ici. Tu vois, au total, tu vois 4-5 patrouilles, t'as l'air de distinguer. Vous êtes assez loin de... Vous pouvez distinguer assez facilement ce qui se passe dans la partie sud de la ville. Dans la partie nord, c'est un peu plus difficile. Dans la partie sud, tu vois au moins 3-4 patrouilles qui sont composées à chaque fois de 2 à 4 orques. Certains ont l'air mieux équipés que d'autres, probablement des plus hauts gradés, ce genre de choses. Tu sais que s'il y a autant d'orques qui patrouillent cette partie de la ville, tu peux faire une bonne estimation que en comptant les entrées qui vont être bloquées, etc. Il y a entre peut-être 20 et 60 orques dans la ville, de ce que t'en sais, mais tu n'as vraiment aucune idée. Peut-être qu'il y a des entrées qui vont être beaucoup plus sécurisées que d'autres. Peut-être qu'il y a certains bâtiments qui vont être remplis d'orques. Tu n'as pas trop d'idées précises, mais tu peux être à peu près sûr qu'il y a au moins une bonne vingtaine d'orques qui se baladent dans la ville. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. 20-30. Alors que tu es en train d'examiner ça, vous voyez au loin, vers la moitié de la caverne, sur le pont ici, juste à côté du pont, il y a une silhouette qui se découpe. On peut voir d'ici. Parce qu'il n'y a pas des pilotes de roche entre les deux. Il y a des pilotes de roche entre les deux. Comme j'expliquais, il y en a certains, c'est plus des stalactites, etc. Ah, d'accord. Ta gueule, c'est magique. Tu vois, toi, t'es tout en règle, tu vois à travers. Tiens, je vois à travers les murs maintenant, c'est bien ça. Ok, c'est juste c'est pour la tension dramatique. Exactement, parfait. Merci. Il y a un individu qui est beaucoup plus grand qu'un orc qui se découpe. Il est... Un golem de cire. C'est... Ce serait drôle. Ce serait rigolo. Non, c'est la silhouette d'un ogre. Vous avez déjà vu des ogres par le passé. Rest in peace, Chafon et Vignon. Oh, oh, t'aurais pu mettre un troll, comme ça aurait été vraiment à la Moria, quoi. contrairement à ces ogres que vous aviez vus,
musique est peut-être un petit peu... Et surtout, ouais, le troll de la Moria ressemble aux ogres de Pathfinder. Ah ouais. Les trolls ont une gueule différente. Ils ressemblent plus à des genres de mix de d'orques et de sangliers. D'ailleurs, je viens de penser... Ils ont... Ouais. Ils ont des gueules plus allongées. Alors, je ne l'ai pas... J'aime beaucoup le changement de musique. Ouais. J'essaye de musique. C'est faible. Oh là là. C'est assez faible. C'est vous qui êtes faible. Oh. Ah, c'est parce que je l'ai baissé de base, en fait. C'est sûr que ça aide pas. Je vais vous les mettre sur Discord, tant pis pour le stream. À moitié. Ça ressemble un peu à ça. Je pensais que j'avais une autre illustration. Juste un instant. Ouais, voilà. On va très bien, Kyriok. Et toi, comment vas-tu? Ah, très bien. Voilà, je vous ai mis... Ah mais non, bah, je l'envoie pas du bon côté, je suis nul. Bon, c'est pas grave. Je l'ai envoyé sur la conversation avec Kyriok, justement. Wow. N'importe quoi. Ouais. Il ressemble à peu près... Il ressemble à peu près à ça. Contrairement à... Contrairement aux ogres que vous aviez vus jusque-là, qui sont plutôt des espèces de tas de gras, etc. Celui-là, il est plutôt fait en muscles. Il se tient beaucoup plus droit, avec les épaules encore plus larges. Et il a une armure assez longue. C'est pas une épée qui tient la main, c'est une espèce d'énorme crochet avec un long manche. Et autour de lui, il y a plusieurs orques qui luttent pour maintenir au sol un lézard et ce qui semble être un mongrelman. Vous reconnaissez le même lézard que celui que vous avez affronté la veille, qui a failli manger Syrah. Vous vous souvenez les gros lézards que vous avez affrontés, qui avaient failli, failli défoncer Syrah ? C'est ce genre de machin. Oui, mais j'avais un homme lézard dans la tête. Non. Non, c'est un gros lézard. Il se tourne autour de lui, il porte sa main à sa bouche, comme ça, et à ce moment-là, vous entendez tous sa voix qui résonne, ce qui semble être par magie dans la grotte. Il dit « Je vois que malgré votre récente défaite, je dois encore faire mes preuves. Constatez la puissance de Twig. » Et il lance un signe aux orques. Les orques non, c'est lâchent... Twig, mec. Les orques lâchent le lézard et le lézard se jette sur l'ogre. Twig saisit son crochet et d'un seul coup, il met un coup brutal dans le flanc du lézard. Avec une vitesse surprenante pour sa taille, il enchaîne et il met un deuxième coup et il arrache une des pattes du lézard. Le lézard tombe au sol et essaye de se débattre, et alors que le lézard essaie de se relever, l'ogre lui met un coup de la paume de sa main et lui éclate le crâne sur le sol. En 3 secondes à peine, le lézard a été tué. Certes. C'est très triste pour tous ces villageois, mais bon... Les orques pousse un cri de guerre et le mongrelman qui était avec eux se prend un coup d'épée dans le dos. Twig reprend la parole, à nouveau il met sa main à côté de sa bouche et il fait « Voilà ce qui vous attend si vous cherchez à me faire face. Le gouffre !» Et en disant ça, il fait signe à ses orques qui balancent les cadavres du lézard et du mongrelman dans le gouffre. « Dans ma grande bonté et malgré votre défaite, je ne vous demande qu'obéissance et labeur. » Vous savez que c'est votre rôle et ce pourquoi vous êtes né. Servez Twig et ses troupes, vous serez saufs et nourris. Maintenant, retournez travailler ou finissez dans le gouffre. Et en disant ça, il se retourne et il part dans l'autre direction. Dravi est en larmes, il est terrorisé, il tient à nouveau sa tête dans sa main et il n'arrive pas à prononcer un mot. There. On peut le tuer, lui. Quoi, ton avis? J'ai un plan. Alors, le juste... branche, là. La branche. On peut la tuer? Twig, juste hors roleplay, ces informations que je vous donne en tant que MJ aux joueurs, Twig qui one-shot le lézard, c'est des vrais jets. C'est vraiment ce qu'il est capable de faire. C'est pas juste du cinématique. Twig a littéralement one-shot un des lézards qui a failli vous buter la veille. Donc le common sense nous dirait qu'on pourrait pas l'affronter, en fait, c'est ça?
Je dis pas ça, je dis, je vous donne, je vous, ça c'est le MJ qui vous donne, en train de le planquer en gros. C'est le MJ qui vous donne explicitement une indication de sa puissance. C'est pas une, ce n'est pas une menace que vous voulez sous-estimer. Draximus, tu lui mets 4 flèches dans la tête, il est mort, c'est bon. Comment ça ? Confiance. Ouais. Non, mais il va falloir utiliser de stratagèmes. Peut-être que la grand-mère de Twig était une naine et dans ce cas-là, tu peux utiliser Dwarfpay. Oui, ça se tente, franchement ça se tente. Ça se tente, allez, on fait ça. Non, mais il faut commencer par. Alors, je propose qu'on se recule un peu pour qu'on puisse discuter. Et qu'on rentre à Valmontade. La porte magique, c'est bon, on va prendre une bière chez Sir Bougie, ça va aller. Ok. Bon, bah. Mon plan va faire. Ferait utilisation des talents de comédien de Rage. C'est un peu dommage que. Ouais. Rage qui lève un sourcil. Je t'écoute. Bah, tu peux te transformer pour ressembler à un orc. Oui. Certes. Moi, ce que je proposerais, c'est que. Là, Draximus estime qu'il y a au moins une vingtaine d'orcs. Les affronter tous ensemble, ça va pas être possible. Et pour l'instant. Juste pour clarifier, autour de Twig, il y avait encore 4 ou 5 orques, dont des orques mieux équipés que le reste. Ça fait des dents en plus pour mon collier. Hein. Ouais. Et donc, moi, ce que je proposerais. Vas-y, Draximus. On est dans un coin un petit peu isolé où on est. Et si, Rage, tu te déguisais en orque et encourageais une patrouille par patrouille à venir ici parce que tu as vu un brouillard suspect. Et on les décime un peu groupe par groupe quoi. On fait venir les orques dans le brouillard, on voit à travers et on les massacre groupe par groupe jusqu'à ce qu'on ait fait suffisamment un peu de place pour voir si on peut rassembler quelques mongrelmen pour une contre-attaque. Qu'est-ce que t'en penses, Dravi? Pardon, Amadeus. C'est juste qu'on entendait bien le mec au milieu qui parlait. Du coup, je pense que si on fait venir des patrouilles petit à petit, au bout d'un moment, ils peuvent crier et en fait, ils peuvent ramener tout le monde. Alors, j'ai pas trop insisté dessus. Vous avez l'impression quand l'ogre au milieu a crié, vous entendez sa voix très, voilà, très très clairement, comme s'il était à une dizaine de mètres de vous. Il y a probablement une espèce. 150 mètres. Non mais c'est pas juste que vous l'entendiez à 150 mètres, c'est que vous l'entendiez vraiment comme s'il était à une dizaine de mètres. Donc il y a probablement une forme de magie à l'œuvre. C'est pas forcément. Il y a des enceintes Bluetooth partout dans la caverne. C'est ça. Et il va falloir être prudent, mais si au pire on peut battre en retraite dans le chemin des escaliers ou. Alors. Est-ce qu'il y a un endroit assez étriqué aussi? Le chemin des escaliers justement, pour quitter cet endroit, c'est encore une fois une descente très très abrupte. Ça vous paraît presque dangereux dans le sens où vous pourriez vous faire repérer si vous descendez. Il va falloir être un petit peu prudent. Ça devrait aller, c'est plus facile à descendre qu'à monter. Mais il va sûrement faire falloir un petit peu attention à patrouille. Remonter ce chemin, ce sera sûrement plus dur et un petit peu. Ça va prendre un peu de temps. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Vous pourrez pas fuir pendant un combat par ce chemin-là, pour sûr. Alors, Sierra, tu as du matériel d'escalade? Yes. Est-ce que tu te... Il va falloir de toute façon qu'on mette 2-3 choses en place avant ça. Est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour... faire un espèce de passage pour que... Un chemin de corde pour nous permettre de descendre en quatrième vitesse. Yeah. J'ai une autre suggestion. Déjà demandé à Dravi un peu la géographie où est quoi dans cette caverne. Et, oui, non, et trouver... Non mais c'est surtout trouver un endroit avec une sorte de couloir où on peut les éliminer facilement. Alors je vois qu'il y a des couloirs par exemple juste à notre droite par exemple là. Ou alors tout à gauche. Là où on est, c'est parfait. Mais du coup... Là où on est, c'est parfait. Oui du coup... Et c'est quoi là sur le G? Enfin on vient de G ou on vient d'un autre chemin Vous venez de là. G c'est une espèce de ferme à champignons. C'est assez isolé, c'est assez protégé du reste. Et il y a des énormes champignons qui poussent et tu... Vous voyez avec la façon dont ils sont positionnés, etc., que ça ressemble à une ferme. Ça a l'air d'être cultivé.
C'est des champignons hallucinogènes Si c'est des champignons hallucinogènes, c'est des champignons hallucinogènes de 2 mètres, parfois plus. Et on a peut-être drogué les gardes. Non mais, si on attire les orques dans cette forêt de champignons, on peut probablement se débarrasser d'eux très très rapidement. Ouais. Du coup, faut déjà regarder dans cette... Avec du brouillard, Syrah qui se cache dedans, qui les attaque par derrière, Draximus qui se met au-dessus d'un des champignons et qui les tabasse à coups de flèche, Amadeus qui fait ce qu'elle fait de mieux. Miam, il mange. Rage qui nous les attire patrouille par patrouille grâce à son charisme légendaire et à ses talents d'acteur. Et toi, tu fais quoi, Crimson? Moi, je vous encourage. T'es pas pomme girl. Allez, c'est bien. Écoute, cerveau de l'opération. Du coup, faudrait essayer de voir si il y a pas des orques déjà dans cette zone-là. Faire le ménage s'il y a besoin et ensuite on fait ton plan. Okay. Et ben, Syrah, tu nous juste jettes un coup d'œil à la ferme de champignons et ensuite tu nous fais le. Un rapport complet. Tu essaies de nous faire un petit chemin de corde. Un rapport complet. Alors, j'ai vu un champignon qui faisait 1 mètre, et puis t'en avais un autre qui faisait 2 mètres de haut, et puis t'en avais un autre qui était tout petit, puis t'avais des fleurs. Des fleurs, putain. Syrah, elle va vouloir faire des beignets de champignons, tu vas voir. Pendant ce temps-là, on interroge un peu Dravi sur. Moi, j'ai du papier. Attends, est-ce que j'ai du papier? Oui, normalement j'ai du papier. Je considère que ça a du papier sans un problème. On va juste lui faire dessiner une carte grossière du village. On la tatoue sur le dos de Dravi. Non mais histoire, voilà, on fait une carte grossière du village qui ressemblera plus ou moins à ce que tu nous as fait là. Plus ou moins. Et ensuite, il faudra juste faire quelques préparations de sorts. Est-ce que vous avez d'autres idées qu'on pourrait préparer J'aime bien l'idée d'être en hauteur. Alors après, sur un champignon, peut-être, mais est-ce qu'il n'y a peut-être pas aussi des endroits encore plus hauts en hauteur dans cette zone-là? Là où vous êtes assez en hauteur, vous êtes peut-être une trentaine de mètres du sol, mais c'est pas forcément. C'est peut-être presque trop loin pour tirer confortablement, sauf juste en dessous de toi. C'est histoire d'avoir une position. La ferme à champignon est surélevée Non, non, là où vous êtes. Là où vous êtes, c'est en hauteur. Je parle dans la zone où on va massacrer les gens. De par là, quoi. Alors, dans cette zone-là, tu vois. Je comprends pas très bien la géographie en fait de ce que tu nous as expliqué. En fait, on vient des murs du bas. On est sur le mur. Vous êtes en hauteur, vous êtes très très haut par rapport à la grotte. La grotte fait peut-être 50-60 mètres de haut et vous êtes à peu près 30 mètres du sol. Hein, donc il faut redescendre. On est en hauteur, il faut qu'on descende. Ok. Ouais, voilà. C'est pour ça que je disais, ça va être assez difficile de remonter là très facile, très rapidement en cas de combat. Ouais. C'est pour ça donc qu'on va demander à Syrah de nous mettre des cordes pour pouvoir remonter. Et par contre, peut-être les placer un peu plus près de comment? Ouais, des champignons plutôt que près de l'entrée. Ouais. Et si tu peux nous faire un nœud de marin tout en haut? Sur quoi? Pour que la dernière personne qui monte, elle tire, et que si jamais il y a des orques qui sont en train de monter... Bye bye. Ouais, non, mais je veux dire sur une stalactite, je l'aurais posé, quoi. Enfin, où je l'aurais attaché. Voilà. Oui, oui, non. Bah, au plus haut où tu mets la corde, juste faire un nœud qu'on puisse détacher très rapidement. Que si jamais il y a quelqu'un qui est en train de monter derrière nous en quatrième vitesse aussi, et ben ils aient une jolie petite chute. Ouais, bien sûr. Je vérifie juste que ma corde est assez longue. Super fun comme environnement de combat. Du coup, oui, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'il y a un point en hauteur en fait dans cette zone-là où je pourrais. Tu remarques pas, il y a des champignons qui font 2 mètres et un peu plus, comme j'avais dit. Tu sais pas vraiment dire de là où t'es, à quel point ces champignons sont solides, etc. À quel point c'est souple, à quel point tu pourrais grimper dessus et te tenir dessus confortablement. Ouais, c'est, il faut 2 mètres de haut, À part ça, il y a une espèce de grange qui a l'air d'être abîmée, qui a l'air d'être presque en ruine. Tu pourrais peut-être grimper sur le toit, mais encore une fois, t'es pas sûr d'à quel point ce serait confortable de se tenir dessus. Mais la grange fait probablement 3 mètres de haut. Sur les roches qui sont autour, il n'y a pas moyen de grimper et d'avoir un point d'appui là-bas.
Il n'y a pas de, il va pas y avoir de chemin, enfin de, comment dire, de trucs assez faciles d'accès, mais tu peux définitivement essayer de grimper un peu et de te caler entre une stalactite, etc. Mais tu vas te retrouver un peu bloqué. C'est pas un endroit qui pourra. Tu peux sûrement te bloquer tes jambes et te mettre dos au mur et tirer des flèches de là, mais tu pourras pas trop te déplacer dans ce cas-là. Tu vas être un peu figé sur place. De ce que tu en vois de là où tu es, en tout cas. Et du fond de la caverne des champignons à, on va dire, la moitié du couloir, c'est quoi la distance à peu près? Alors vous pouvez utiliser la règle vous-même normalement, mais il y a à peu près 80 Je sais mètres. jamais comment on utilise la règle. C'est alors pour moi, chez moi, c'est le 1, 2, 3, c'est le quatrième outil, c'est l'espèce de cercle avec une règle dedans. Et tu fais snap to Ok. center ou snap to corner, je sais plus. L'un des deux, D'accord. tu Et mes peux flèches, je peux utiliser, les ouais. tirer jusqu'à 100 mètres, un truc comme ça. Alors. Arc long. Peux te dire ça. En fait, tu vas avoir. En soi, tu as une très très grande portée, mais c'est juste que dès que tu vas atteindre une certaine portée, tu vas avoir des malus. C'est 100 pieds. 100 pieds, ça fait combien? 100 pieds, ça Ça fait fait. beaucoup. Ça fait 30 mètres. Donc en gros, jusque 30 Ça mètres, fait tu peux pas tirer beaucoup. sans malus. Au-dessus de, si tu vas de 30 à 60 mètres, tu auras un malus de moins 2 ou moins 4, je crois. Et encore au-dessus, tu auras le double de ce malus. Donc tu peux tirer très loin en soi, mais à chaque fois, tu vas avoir des malus un petit peu plus grands. Du coup, bah limite là où on est là, en hauteur. Donc du coup, on est à combien de mètres du sol? Comme j'ai dit, une trentaine de mètres. Donc Trentaine de mètres. tu pourrais tirer sans difficulté juste en dessous de toi. Si les ennemis sont un petit peu plus loin, ce sera un petit peu plus difficile. Le carré de l'hypoténuse. Ça donne pas justement un Utiliser. avantage si je suis en hauteur justement. C'est quoi le carré de l'hypoténuse? Il est égal, si je ne m'abuse, la somme des carrés des deux autres côtés. Ah, d'accord. Théorème de Pythagore. Exactement. A au carré égale B plus C au carré? B au C'est carré ça. plus C au Oui, carré? c'est ça. Mais je pense que. Enfin, t'en fais pas, Draximus. Si tant que tu restes derrière Amadeus, Non, tu pourras je les. pense à ça, en fait, c'est pour s'il y en a qui fuient et qui veulent donner l'alerte, en fait. Vous aviez demandé à Dravi de vous dessiner une carte. Donc, il va vous dessiner en gros ce que vous voyez là, bien sûr, et il va vous indiquer quelques points importants. Donc, il vous explique que là, il y a en effet une crevasse qui descend très profondément. À part ça, il y a tout au nord ici, c'est là qu'il y a l'hôtel de ville. Ça va être là qu'il va y avoir les dirigeants, etc. C'est un peu un bâtiment où il peut y avoir potentiellement des rassemblements en temps normal. À part ça, il n'y a pas grand chose. Il y a beaucoup d'habitations, il y a quelques espèces de petits magasins, il y a ce genre de choses. Mais le seul truc qui vous indique vraiment, c'est le gouffre ici, l'hôtel de ville ici et la ferme aux champignons là-bas. Et sa Le maison et la reste. maison de sa famille? Sa maison, elle est ici, en Ok. C. Je vérifie ça. Ouais, c'est là qu'il habite. Ok. Et à l'opposé. Bon, est-ce qu'on a d'autres préparations à faire? Bah, du D'autres coup, idées? comment on gère comment on les attire? C'est-à-dire, c'est par exemple Rage qui prend le. Si elle arrive à convaincre une patrouille de venir, par exemple, est-ce qu'elle marche en premier et elle les attire comme ça, ou est-ce qu'elle prend ou elle les pousse entre guillemets à aller là-bas? L'idée moi que j'ai, c'est que je crée un nuage de brouillard ici, à l'entrée de la ferme aux champignons. Pourquoi Là où il y j'arrive a le pas? G, Ah c'est oui. ça? Là où il y a le point Et G? t'as mis voilà. Là. D'accord. À l'entrée de la ferme aux champignons, je fais un nuage de brouillard. Et Rage leur dit venez voir, venez voir. Et entre dans le nuage de brouillard. Et dès que eux rentrent, kill zone. D'accord. Du coup, on n'a pas un système où on peut limite aussi les prendre par derrière, en fait, les prendre en tenaille. Alors, l'idée ce serait que si Sierra se cache dans un coin, les laisse passer devant elle et poignarde dans le dos, Oui. se cache dans un coin dans le brouillard, tu seras quasiment invisible avec ça. Et comme ça, hop, tu leur sautes dessus, tu les poignardes dans le dos, ça nous donne le signal que nous on commence à juste D'accord. faire un feu Et croisé. s'il y en a un qui est réfractaire à entrer dans le truc de fumée? Eh ben, c'est pour ça que t'as un arc.
Mais du coup, d'accord, donc moi je serais dans la zone ou je serais là? Là où tu sens que tu feras le plus de dégâts. Honnêtement, c'est à toi de voir. Il y a Reste un en truc. hauteur quand on est à 30 mètres de... Ah non, ça fait trop loin pour Il y a un truc additionnel auquel je pensais. Sierra, t'as des caltrops? Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Comment? Je les laisse passer, Tu mets des je les pièges lance derrière. sur le chemin derrière et comme ça, quand s'ils doivent retourner en arrière, ils vont s'en prendre plein les Il y pieds. a Raj qui se racle la gorge un peu. Oh, pardon, Et monsieur. Il a toujours été aussi grand, Rage? donc l'idée c'est que je me transforme en orque, que je vous les ramène et que vous les tuiez, c'est ça? Possible. Attends une Le seconde, problème. justement, les orques qui sont pas très petits. Elles se transforment. Non, non, les orques sont à taille humaine, elles se transforment en orques, c'est à peu près la même taille, etc. Elles peuvent le faire sans problème. Le problème, c'est que je peux le faire que deux fois ce sort, et ça va durer quelques minutes à peine. Point d'héroïsme. Ah, quelques minutes avant. Je peux le faire, mais si je reste avec les orques, ne serait-ce qu'une ou deux minutes de trop, ça peut être dangereux. Et je vais pas pouvoir le faire très longtemps. Le but, ça va juste être Au de... pire, on peut demander à Dravi d'aller foutre la merde et les attirer là-dedans, genre hey, viens me chercher, là, et genre. Non, plutôt que Oui, de mais. foutre la merde, étant donné qu'ils ont une réputation Et de les Romains, vous êtes des carpettes, les... Romaines! Non, bah, vu qu'ils sont censés être hyper serviles et tout, il a juste à leur dire, oh, j'ai trouvé un truc bizarre là-bas et en plus je suis presque sûre que j'ai vu des gens qui voulaient essayer de monter une insurrection ou quelque chose. Donc Mais non, ça leur allez-y. dirait de monter de donner l'alerte, en fait, de dire ça. Ah bon? Bah oui, ils vont dire, on va mettre toutes les troupes et on va leur calmer la tête. C'est pas une patrouille qui va s'occuper de ça. On a d'autres, enfin, il y a d'autres façons dont on peut le faire. Ah mais non, Raj parle pas orc. Non. Moi, je parle orque. C'est vrai. J'avais Non, oublié ça. je ne parle pas. Il parle le gobelin, il parle pas l'orque. Ouais. C'est vrai que c'est aussi. J'avais pas J'avais pensé à oublié. ça. Mais c'est parce que je pensais Le parleur. On pouvait demander à Draximus de faire ça aussi. Bah. Sauf que Draximus, il va en tuer un avant la fin. Non Avant mais d'avoir. Draximus, on te met une cape qui couvre tes trucs. Tu leur parles en orque pour leur dire juste des phrases très simples. Venez voir, il y a un truc bizarre où j'ai trouvé de l'alcool. Et J'ai trouvé de l'alcool de confiance. champignons ou un truc comme ça. L'alcool de champignons, c'est pas Pourquoi pas? J'ai trouvé de l'éthanol pur, mal. venez! Une fontaine d'éthanol. De l'état quoi? Et de la bouse! Y a... Mais sinon, je peux le faire en fait aussi. Je pense. Comment? J'aurais plus l'air d'un gobelin que d'un orque. Tu parles gobelin? Non, je parle les deux. Parle orque aussi? Ouais. Ok. Et je suis assez bonne en déguisement et en trucs comme ça, mais à ce moment-là, ça voudrait dire que On n'avait pas déjà fait ça. je pourrais pas forcément avoir le. Comment on appelle Un ça? kit de déguisement? J'ai pas de kit de déguisement, donc. Il y a ça aussi. Est-ce qu'on pourrait te faire peut-être ressembler à un petit mongrelmen? Oh! Après, est-ce que le mongrelmen Dravi, Dravi, est-ce qu'il parle orc? Dravi, non, Dravi, il vous dit non. Il Par sert à contre, il rien. vous dit mongrelmen existait différentes tailles, pouvoir marcher, oui. Moi connaître mongrelmen, On peut même se faire taille passer toi. pour un enfant, oui. Après, aussi, il faut. Égal Enfin, ils Drax. comprennent très probablement le commun, les orques, parce que. Enfin, Oui. moi j'ai compris Twig. Vous en avez compris certains? Vous en avez croisé certains qui parlent définitivement le commun. Pas tous, mais il y en a certains qui parlent le commun. Et Twig, oui, Twig parlait en commun, a priori. Oui, Donc, bah, Twig, il a bon. parlé et t'as tous les orques qui ont gueulé après, donc ils ont dû comprendre ce qu'il disait quand même, sinon ils gueulent pour rien. Rage. Qu'est-ce qu'il a Non, dit? mais Ouais! ils ont compris l'intention.
Rage au maximum 10 minutes de déguisement en tant qu'orc. Sierra, bah, comment est-ce qu'on peut te faire ressembler un peu à un mongrelman? Est-ce que juste de la boue ou un truc comme ça sur un bras, ça passe ou... Il y a Dravi j'ai qui... deux cafards dans mon bras. Mais les illusions de rage, elle peut pas les faire sur quelqu'un d'autre? C'est une très bonne idée, Sierra. Dravi, il approuve, il fait... Mon Grelman, tous différents, être possible, oui. Juste besoin, carapace et chose, et peut marcher, oui. Pas mauvaise idée. Ou sinon, on trouve un cadavre de Mongrelman et on fait comme dans Rick et Morty. J'aime pas des masques utiliser ça sur... Enfin, j'aime pas des masques que ce soit toi, Sierra, qui les attire, parce que l'idée que ce soit toi qui leur fasse le premier coup d'ombre... Ouais, je pourrais pas, ouais. Et pour répondre à Draximus, non. Le alter self de rage, c'est que sur elle-même. On peut pas le faire sur quelqu'un. Ouais. Mais par contre, comment, par exemple, si... Si c'est moi qui rentre en premier et... Enfin, si je rentre en premier dans la fog et la brume et qui me suivent, j'ai toujours le... Je suis assez bonne l'élément en... L'élément de surprise, oui. Ouais, j'ai toujours l'élément de surprise et j'ai toujours le flanking... ouais. Comment ça s'appelle? Trap leader? Non, c'est pas ça. C'est quelque chose leader, j'ai oublié. Assault leader. Après... J'avais recommandé Rage aussi, juste parce que c'est clairement la meilleure. Bien sûr. Le meilleur, pardon, acteur dans notre groupe. De loin, mais. Pardon, c'est le meilleur acteur. Actor. Non, c'est Crimson, il dit ça un peu avec dédain. De notre groupe. Quelle est la réaction de Rage? Rage est clairement un peu hésitant. Il a pas l'air à l'aise à l'idée d'être en première ligne et que tout le plan repose sur lui. Impossible. Mais c'est de jamais t'approcher suffisamment des patrouilles. C'est de leur faire signe à de loin, 15 mètres de distance, et rester juste assez devant pour qu'ils te suivent. Enfin, rester juste assez loin pour qu'ils t'attrapent pas, mais suffisamment loin pour que. Alors, j'ai une idée. Ils veulent continuer. Rage se déguise en orque. Elle porte Sierra sur son dos et c'est Sierra qui parle à la place de Rage. Incroyable. Le but c'est que ce soit Rage qui parle. Ça la ferait bien ressembler à un Mongrelman avec une déformité. J'avoue. Mais Sierra aussi, un des trucs que je pensais, c'est que on pourrait prendre quelques-uns de tes caltrops, les attacher dans un sac et les mettre. Ici, accrocher le sac sur le mur ici par exemple, et si jamais les orques décident, un orc ou deux décident de ne pas entrer dans le brouillard, Draximus pourrait tirer sur le sac pour l'ouvrir, faire tomber les caltrops et tirer les orques suffisamment pour qu'on les rattrape et leur fasse la peau. Après, des caltrops, pour qu'ils soient vraiment utilisés, il faut qu'ils soient un peu jetés. Si tu laisses juste tomber, ça va tomber dans un coin, ça va pas être aussi efficace. Mais oui, c'est possible. Si on met le sac en l'air, ça va s'éparpiller un petit peu, ouais. Ce sera pas aussi efficace que les jeter quand Sierra le fait. Mais bon, au moins on aura Ou alors, on peut utiliser la bête. C'est pas dire. Genre... C'est-à-dire, tu veux mal mettre... Mettre la bête à 30 mètres en haut et elle saute sur... Non, pour les attirer en fait. Utiliser la bête pour les attirer. Ça va demander pas mal de... Là, comme j'expliquais pour les tricks... Dans deux niveaux quand elle aura 3 d'intelligence. Ouais, là, si tu peux pas communiquer, si tu peux pas lui parler et que t'as besoin de les tricks, ça va être... Elle connaît Fetch, donc je peux lancer un truc, elle va me le ramener. Ouais, ça oui. Ça va leur attirer l'attention à une patrouille. Ils vont suivre la bête. Ça... Ouais, je suis pas sûr que ce soit un truc sur lequel on puisse se reposer. Bah. Mais genre, elle attire la bête attire l'attention. Est-ce qu'elle joue, elle fait fetch qu'avec toi? Je pense oui. Pas forcément. Si tu lui as appris le tour, elle sait faire le tour. Si il y a sûrement un mot à dire pour qu'elle le fasse, mais. Non, mais on a des options pour les empêcher de sortir les orques. C'est pas un souci.
Non, c'est pour les attirer, là. C'est... Oui, mais pour les attirer, on peut déguiser Sierra, on peut déguiser Rage, on peut me déguiser moi. Pas la meilleure idée. Par-dessus ou en dessous de ta de ton armure? Mais est-ce que vous êtes ok avec le plan? Ça vous semble donc, raisonnable de les attirer et de leur attirer par trappe patrouille et faire essayer de s'en débarrasser de se débarrasser au moins dont on va dire deux ou trois patrouilles comme ça si possible. Ouais. Au maximum, attirer le maximum de patrouilles qu'on peut et bah le truc c'est que si on essaye de le maximum, il faut penser aussi qu'il risque de se rendre compte qu'il en manque au bout d'un moment. Donc Et dans ce cas, on peut changer notre appel. Au lieu, j'ai trouvé de l'alcool de champignon, c'est hey, j'ai trouvé. Je sais où ils sont. Carglux ou Krups ou Brick. Lequel, celui du nord ou celui du sud? L'autre Brick. Bref. Okay. Et donc Sierra, voilà, on va juste Game Master prendre quelques minutes pour mettre en place tous les éléments dont on a parlé. Okay, pendant que vous discutez, que vous faites le plan, vous voyez toujours en bas des patrouilles qui passent. Vous en voyez assez peu qui s'approchent vraiment de là où vous êtes. En général, ils circulent plutôt entre les bâtiments. Il y en a quand même quelques-uns qui passent par là, à une ou deux reprises. Et quand ça arrive, vous baissez la voix et vous faites bien attention. Mais ouais, vous voyez pas mal de patrouilles. C'est des patrouilles de combien? Ça dépend. Il y a des patrouilles qui vont de 2 et il y en a, c'est 4. Au passage, vous remarquez aussi une fois, il y a une des patrouilles où il y a un ogre avec. C'est pas Twig, c'est un autre ogre. Ok. Après, je suis à peu près sûr que une fois qu'ils sont dans le brouillard, dans notre kill zone, on va juste les massacrer. S'ils n'ont pas d'autres explosifs boom boom, parce que si on en a vu devant l'entrée, c'est qu'il y en a d'autres. Ça, je pense qu'on peut s'occuper d'eux aussi. Mm-hmm. Ok. D'accord, donc je commence déjà à préparer le truc de rappel. La corde pour descendre et remonter. J'essaye de la placer de manière à ce qu'elle soit pas trop visible non plus. Genre, plutôt que comment là où... Comment est-ce que tu veux accrocher la corde? Est-ce que tu l'accroches seulement tout en haut? Et tu la laisses tomber? Est-ce que tu veux essayer de mettre des... Je vais mettre des pitons. Des pitons et accrocher la corde à ces pitons? Ouais. Ou est-ce que tu veux juste... Ok, dans ce cas-là, Crimson, il avait dit de faire un truc pour que tu puisses faire tomber la corde très facilement. Ouais. Ce ne sera pas forcément le cas si ça accroche à des pitons. Ah, fuck. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait besoin de l'accrocher avec des pitons... En tout cas, pas sur les 20 premiers mètres. Ok. Ce sera un peu plus compliqué pour monter, mais au final, ça vaudra le coup pour se débarrasser plus facilement des grimpeurs derrière nous. Ok, donc juste attaché avec un nœud de marin en haut et je vais descendre en rappel avec, juste pour m'assurer qu'elle soit dans un coin qui soit à peu près invisible. Super, on teste avec le plus de poids possible. Bonne idée. Mais surtout que ce serait pas toi qui a le plus de poids de tout le groupe là. Non, c'est Amadeus. Regarde cette musculature, cette définition. Ah, c'est... N'est-ce pas? C'est ça fait rêver. T'es toujours en forme de loup d'ailleurs, Amadeus. Ça fait là, depuis le moment où vous l'avez activé, ça fait probablement au moins 20-30 minutes. Ah, quand même. Vous avez grimpé, vous avez entendu, vous avez regardé la ville de loin, vous avez entendu Twig, vous avez fait votre plan. Ça fait un bon 20-30 minutes. Ouais. Ok. Ok. Donc, ouais.
Bon, la corde est placée par ici, et est-ce que vous descendez pour essayer de monter sur un des champignons dans le... Bah, moi je vais descendre de toute façon, oui. Mm-hmm. Du coup, est-ce que tu places des pitons, Sierra? Non. Ou est-ce que pas du tout? Ok. Tu t'attaches juste la corde. Fais-moi un jet d'escalade, s'il te plaît. Kyriod a laissé une blague. Est-ce que certaines patrouilles mettent des PV aux charrettes mal garées? C'est nul. Oui, les PV, ça s'appelle le sang de tes enfants. Oh! Waouh! Wow. Oh fuck! Oh! 6, ok. C'est pas beaucoup, 6. Bon, en fait, au lieu de descendre en rappel, je tombe. Alors. Et je me prends au moins 2 cailloux sur le chemin. Je vais essayer de le faire sinon. Ouais, un truc comme ça, ça va être au moins une difficulté de 10, je pense. Ouais. Ouais. Je compare. Après, je peux le faire aussi, hein. J'ai un kit d'escalade, je peux faire des trucs aussi. Carrément, tu peux passer la corde. Il y en a qui est en train de le faire, donc. Je peux l'aider. Je peux l'aider à descendre. Là, pour le coup, elle est descendue toute seule. Là, pour l'instant. Fais-moi un jeu d'acrobatie, s'il te plaît, Sierra. Bon, bah, t'es dans la merde. Okay. Oh fuck! Acrobatie, ça devrait aller pour Sierra. Ça devrait aller. C'est juste qu'en fait, c'est climb, c'est comme swim, en fait. C'est des trucs que j'ai pas. Ok, tu essaies de descendre doucement, et à un moment, ton pied rate une marche, et tu dégringoles, et tu te retrouves presque en chute libre dans la descente. Tu te rattrapes un peu au bord, et tu limites ta chute, tu tombes quand même. Je vais te faire prendre un des 6 points de dégâts. Mais tu parviens à marche. Oh là là, un point de dégâts, n'importe quoi. Tu parviens à retomber sans faire vraiment de bruit. Tu t'es fait mal, tu t'es un peu atterri d'une manière un peu awkward, et tu t'es fait un peu mal, un point de vie, pas grand chose. Mais surtout, t'as réussi à tomber silencieusement. My funny bone. Je n'appelle pas ça voler, mais planer avec panache. Donc c'est pas tomber avec panache, je sais plus. Mais surtout, t'as réussi à tomber discrètement et sans faire de gros bruit. Et a priori, tu n'as pas attiré plus d'attention que ça. Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, nous tous, on va descendre aussi, je pense. Mm. Ok. Du coup... Est-ce que vous voulez que j'essaye de m'approcher un peu de l'entrée pour essayer de garder un œil dehors pendant que vous descendez et que vous vous placez ? Ça fait pas de mal. Amadeus, est-ce que tu peux porter la bête pendant que tu descends ? Oui. Mode kangourou. Okay. Dans ce cas-là, je vais demander à tout le monde de faire un jet de climb avec du coup un plus 2. Donc en gros, la difficulté ne sera plus de 8 mais de 10 vu que Sierra est descendue d'abord et a un peu sécurisé la corde. Pardon, tu veux dire le contraire ? Non, ça va être plus facile. Du coup, 8, ça passe tout juste. Avec un 1, ça passe. N'importe quoi, mais ça passe. Non, mais parce que t'avais dit que la difficulté passait de 8 à 10. Ah, de 10 à 8, oui, pardon, en effet. Mm. Ok, est-ce que tu peux le faire pour Ajo aussi, s'il te plaît ? Bien sûr. Est-ce qu'elle peut faire un jeu d'acrobatique ? Oui, elle peut. Alors, bon, Raj, on va pas pouvoir. Raj va boiter. Alors attends, est-ce que ça va faire très authentique orc. Est-ce que nous, on peut essayer de la rattraper ? Ah bah oui, on va tomber. D'amortir sa chute. Elle peut retomber sur mon dos de loup. Se mettre en coussin humain. C'est qui a la plus grande initiative entre vous ? Ça va être moi. Dans ce cas-là, je vais te demander un jet de réflexe. Ça peut être Sierra. T'as combien d'initiatives là ? Parce que moi j'ai 6. J'ai 7. Moi j'ai 7. Ok. Donc Crimson et Sierra, l'un de deux, je vais dire que ça va être un jet de... L'un de vous deux peut avoir un jet de réflexe pour réagir à temps et essayer de rattraper Raj. Un jet de réflexe, ouf. 20, ça passe. Ok. Alors qu'il descend, Raj loupe également une marche et parvient pas à se rattraper à la corde et se met à tomber. Crimson, tu réagis immédiatement et tu tends le bras pour
pour l'attraper, pour lui éviter des dégâts, surtout lui éviter de faire un grand bruit en tombant. Je vais considérer du coup que les 8 points de dégâts qu'elle prend, vous les partagez à deux, mais qu'elle tombe silencieusement également. Vous perdez tous les deux 4 points de vie. Est-ce que tu peux les retirer de vos fiches, s'il te plaît ? Bien sûr. Vous restez immobile et silencieux par moment. D'ailleurs, je vais faire le jet pour Dravi aussi. Combien Dravi ? Là. Oh, ça va. Il a un plus 7, donc il peut pas échouer. Nice. Enfin, 26. Dravi descend sans aucune difficulté. Vous voyez qu'il a, c'est pas la première fois qu'il monte et qu'il descend ce passage. Et il est très 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 à l'aise. Vous restez silencieux un moment alors que Rage tombe en espérant que personne ne vous a entendu. Mais a priori, vous ne distinguez pas de, vous n'entendez pas de bruit, vous n'entendez pas de pas qui se rapproche, etc. Et après une petite dizaine de secondes, vous vous remettez à respirer normalement. Vous êtes maintenant dans la ville, dans Gakenbone, qui est la ville des démons Grelmen, en bas, qui a été a priori prise d'assaut par les orques. Il y a des orques en patrouille un peu partout, mais vous êtes dedans et vous êtes a priori pas été repéré. Vous n'avez pas été repéré. Que faites-vous ? On se cache dans les champignons, non ? Eh ben, ouais. Draximus, trouve la place que tu préfères dans les champignons. Amadeus. On va déterminer un. Est-ce que t'as une carte un peu plus proche, enfin un zoom? Non, de ça, j'ai ou... pas de. Je peux faire. Je peux en bidouiller une. Oui, j'en ai pas. Une grille simple au final. Ouais. Je sais pas. Mais parce qu'on. Il va juste falloir déterminer un endroit où je vais me placer moi pour mettre le brouillard. Amadeus, tu seras juste à côté de moi et. Dès qu'ils seront entrés suffisamment dans le brouillard, nous on leur saute dessus et voilà. Sierra, tu te mettras vers l'entrée du brouillard, contre un mur par exemple caché pour surgir et faire stab stab stab. Stab stab stab. Draximus, toi tu te mets à la distance que tu préfères et tu fais. J'ai posé la tourelle. Pic 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 pic. Pose la tourelle, hein. C'est ça. Rage nous les attire. Se placera derrière Amadeus et pourra ensuite faire comme il a envie. Et moi je ferai pic-pic avec ma lance. Hein. Ok. Conservation des ressources au maximum. Good job. On commence ? Non. Attendez deux secondes, faut juste que je fasse vite fait la map. Merci Ed. Pas de soucis. J'ai fait plein de maps de plein de rôles dans la ville, pas celui-là. Oh. Ouais, mais en même temps, tu vois, l'idée always de combattre dans la ville et de me faire encercler ensuite, j'ai pas envie. Non, mais expect the unexpected. C'est pour ça que j'ai pas tout fait et que je suis content d'improviser. C'est pour ça que j'ai pas envie de passer des heures à planifier, parce que je sais que vous allez faire un truc que j'avais pas prévu. Welcome to roleplay. Ouais. En même temps, je trouve que c'est un plutôt bon plan. Mmh. Alors, je vais vous mettre. On a des chances de survie, c'est déjà ça. Ah, oui. Est-ce que vous avez la nouvelle map du coup ? Yes. Ok, alors juste, faut que je dessine des arbres maintenant, des champignons. Alors. Voilà, tous les gros carrés là. Oh là là. Tiens, c'est qu'en même temps, si je dessine la tête des champignons. T'as pas des tokens de dispo ? Si, c'est vrai que je peux peut-être mettre des espèces. Non, mais t'embêtes pas. Non, mais des troncs d'arbres, ça va être aller vite en fait. Non, mais même champignons de haut, ça se trouve. Hein. Sur le. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que si je mets des champignons, ça va pas. Ça va cacher tout ce qu'il y a en dessous en fait. C'est ces champignons qui ont. Qui ont une tête qui est en fait plus petite que le tronc. Ah. What ? Jamais vu. Ça existe ? Je sais que ça existe, mais non. Si. Si. C'est des death cap. Comment dire tronc en anglais? Trunk. Trunk. Bah ouais, mais je trouve pas. Tu veux parler de quoi en fait? Bah du tronc. Ah si, voilà. Là, c'est... Au pire, tu mets mushroom, tu vas avoir vraiment des mushrooms. Hein. Bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est... Ouais, mais alors, je peux en mettre des mushrooms, mais.
Regarde, si je mets des mushrooms, ça reste de cacher vraiment parce que c'est des. Mushrooms. Mettre des champignons comme ça, mais. Cosmic snake. Da. C'est dégueulasse. Snake. On dirait des méduses. Mais du coup, tu vois, en fait, c'est pas forcément évident de savoir à quel endroit vous pouvez être en dessous et à quel endroit vous pouvez. Ouais, ouais, je peux. Après, en soi, je peux. Ah bah non. Moi, t'es carré rouge, ça me va. Hein. Ouais, franchement, il y a pas de soucis. Non, mais oui, je t'embêtais, hein, t'inquiète, hein, les carrés rouges, c'est très bien. Non, mais voilà. Hop. Ah, j'ai juste l'impression de jouer à E.T. sur Atari, mais. Oh là là. Ah si, ok, je viens de comprendre ce que tu veux dire. Ok. Voilà. Moi, ça marche comme ça. Enfin. Ouais, c'est pas mal. Ah non. Ah le sol est mouvant. Il y a toute la grotte qui se barre. Merde. C'est quand même relou à faire. Lava. Hein. Oh non. Non mais pas la tête. Du coup, c'est quoi votre plan au final, pour résumer? C'est d'envoyer. Commencer par envoyer. Rage, ouais. Déguiser peut-être Rage en Mongrelmen alors, plutôt que lui faire utiliser ses sorts. Parce que, ouais, elle a raison quand même, si on doit combattre. Il a raison, bordel, j'ai du mal. Si on doit combattre Twig et d'autres ogres, etc., c'est bien de garder un peu de oomph en réserve. J'aime ce mot. Dans ce cas-là, ouais, j'ai encore deux cafards dans mon havresac, donc je te les sors et je te les passe. Bah, on va avoir besoin de tes dagues pour les. Carves, comme on dit ça. Les décapsulés. les dépecés. Les dépecés, oui. Ouais, voilà. Ok, bon, est-ce que ça vous va comme ça? Yes, merci. Mmh. Très bien, oui. C'est très organique comme version d'une ferme. Hein. J'aime beaucoup. C'est une ferme de champignons en même temps. True. Oui, donc je fais quoi avec le, je les ouvre, je les nettoie et je te passe la carapace pour que vous en fait hein, ou tu veux que j'aide Rage à se déguiser. Et tu peux aider Rage à se déguiser parce que tu t'y connais beaucoup mieux que moi. Oh, y a pas de souci. Après Rage en soi, je crois qu'il a un très bon jet de déguisement. Il me semble que Rage. Ouais. Rage a un très bon jet de déguisement. Ah. Bah écoute, si tu veux lui faire se déguiser, elle peut tenter. Tu peux lui faire un jeu de déguisement avec ce qu'elle va trouver, enfin ce qu'il va trouver. Pardon, j'ai du mal aussi maintenant. Sierra, donc toi t'as un kit de déguisement et on a les morceaux des scarabées. J'ai pas de kit de déguisement. Ok, donc on a juste les morceaux d'escarabée et. Mm-hmm. Et ils ont du jus, les champignons. Ils ont une espèce de. Il y en a certains qui sont un peu. Comment dire? Qui ont un peu de liquide et de mousse, ce genre de choses. Il y a pas mal de. Il y a des petits morceaux d'écorce aussi, des espèces d'écorce de champignons qui pourraient être utilisées pour simuler ce genre de truc. Est-ce qu'on a de la colle? Ça m'étonnerait. Il me semble que j'ai pas de colle. T'avais pas de Tanglefoot bag? Si. Il y a de la colle là-dedans, non? Ah bon? Attends. Shock Belt Pouch? Non, attends, ça c'est mon. Non. J'ai du thread, mais j'ai pas de colle. On peut passer quelques minutes avec le thread et needle pour. On va prendre. Je vais sortir une vieille tenue de Crimson pour que on défonce pas les vêtements de Rage parce que sinon il va m'en vouloir. Je vous mets, tout ça en bas. Et on va courir ça. Enfin, bon, elle va être ruinée cette tenue, mais on va coudre et faire tenir avec du fil, etc. Des morceaux de carapace, genre sur un bras ou sur une jambe, etc. Couvrir ça de boue et de liquide de champignons, histoire que ça change de couleur. Est-ce que tu as des. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Pourquoi on ne demande pas juste à Dravi d'aller. Des scrupules, non. Pourquoi on ne demande pas juste à Dravi de s'approcher d'une patrouille, enfin à une bonne distance, lancer des cailloux pour faire genre signe de protestation, comme ça la patrouille va le chercher pour le dégommer. Et parce lui, que si la patrouille vient
Parce que le but, c'est de faire venir les patrouilles une par une. S'il attaque une patrouille ou si une patrouille pense qu'il y a un danger... Ouais, mais si c'est un pauvre connard avec des cailloux... Il y a le risque qu'ils appellent d'autres patrouilles. Si c'est juste un pauvre type avec des cailloux, ça devrait pas le faire... Enfin, je sais pas. Je préfère... ne pas encourager. Certes. Je préfère ne pas risquer, en tout cas. Okay. Est-ce que tu peux faire un jet de disguise pour... Ouais. Est-ce qu'on a un bonus avec les préparations qu'on a fait? De toute façon, il a fait un 26. Faites-moi un jet... La personne qui veut l'aider peut faire un jet d'artisanat. Moi, j'ai pas artisanat... Je crois que tu peux faire un jet quand même, ça va juste te prendre ton wisdom, je crois, ou ton intelligence, c'est plus l'un des deux. C'est quoi déjà, Susanna? Craft. C'est un des skills. Craft. C'est craft, ouais. Yeah, don't have. C'est dans les premiers, c'est dans les. Moi j'ai craft alchimie, okay. Donc c'est pas exactement ouais. Ça. Voilà. 14. Wouhou! Je considère que ça va pas être assez pour lui donner un bonus. Elle a fait un 26 à son score. C'est un très bon score en soi. C'est à peu près convaincant. Le résultat, c'est que du coup, elle a un peu de boue un peu partout sur le visage pour lui donner une couleur et un aspect qui ressemble plus à celui des Mongrelmen. Comme j'ai expliqué, les Mongrelmen, ils ont une espèce de cuir. Donc ils ont la peau un peu orange-marron, mais aussi une texture un peu différente de celle des humains. Pour le reste du corps, elle a des morceaux donc de... des morceaux des carapaces d'escarabées, d'écorce d'arbres, etc. sur une partie du visage, sur un de ses bras, qui de près c'est assez évident que c'est pas le cas, mais de loin dans l'obscurité ça peut assez facilement berner quelqu'un. Et comme Dravi vous l'expliquait, tous les Mongrelmen sont un peu différents et ont des apparences très très différentes et très variées. Du coup c'est pas forcément très difficile de se déguiser en mongrel même en soi. Et puis de toute façon, ils se ressemblent tous. En voyant ça, vous dites que si vous le vouliez, vous pourriez sûrement potentiellement tous passer pour des mongrel men. Ce sera pas des déguisements très efficaces, mais c'est définitivement pas quelque chose qui est impossible à faire. Vous avez réussi avec Rage sans trop de difficultés. Le reste du groupe peut sûrement suivre. Encore une fois, ce sera pas un déguisement qui va berner qui que ce soit de près, mais de loin, quelqu'un qui vous voit pas bien, s'il y a un peu d'obscurité ou un peu de distance, ça vous paraît faisable. Mm-hmm. Ouais. Je peux le faire et me déguiser et me cacher dans un coin pour m'assurer que tout le groupe de la patrouille rentre dans la ferme, dans le champ, whatever. Non ? Ça me dit pardon ? Je dis je peux me déguiser également et comment ? Me cacher dans un coin pour que juste à l'extérieur de l'entrée en fait. Pour m'assurer que tout le groupe soit rentré en fait. Si jamais. Ou alors sinon, juste oui. Je reste dans un coin de la caverne en elle-même. Mon idée c'est que je te mettais ou là, par exemple, et moi je ferais le brouillard dans la zone autour de là. Ah, ok. Je fais du brouillard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu peux quasiment bloquer complètement l'entrée du truc, mais ce serait peut-être mieux de faire au milieu des champignons. Genre là, le brouillard. Comme ça, toi, tu planques là. C'est 10 mètres de... Non, c'est combien? C'est environ... 12 mètres de diamètre. 12 mètres, donc ça fait quoi? 20 pieds? 30 pieds? Oui. 20 pieds. 20 pieds. Juste enfin, pour vous indiquer, ça ici, là, c'est le passage d'où vous venez. Okay. Où ça? Pardon? Là, juste ici, juste à côté de vous. Ah, ok. Ouais. Mais une petite flèche pour dessiner. Si tu te planques là, Sierra, moi, on se met là avec Amadeus pour faire le nuage de... Okay. De brouillard. Mm-hmm. Et comme ça, quand eux,
Rage vient. Hop. Attends. Hop. Comme ça. Et comme ça, il se retrouve en face avec. Je peux pas accéder. Je peux pas bouger mes tokens. Game Master. Pas bouger tes tokens. Ah. Ouais, ah. Je crois que je sais pourquoi je les ai mis sur la map. Donne-moi deux secondes, je vais changer ça. Merci. Pas de soucis. Je vais mettre Dravi aussi. Layer token. Essayez là si vous voulez, s'il vous plaît. Oui. C'est bon, je peux les voir. Je peux agir avec. Donc, tu vois. Amadeus, mets-toi par exemple. Juste à la case, sur la case en dessous de moi. Okay. Une case plus haut. Un plus haut, tu m'as dit, pardon. Sierra, pareil, mets-toi une case plus haut. Et j'ai pas le contrôle de rage. Ouais, je le remets. Voilà, c'est vrai. Donc, rage, on le fait venir. Rage fait venir les orques comme ça. Hop. On fait que la zone de brouillard. Hop, je vais la dessiner à l'avance. Va faire quelque chose comme. 2, 3, 4. C'est quoi le rayon de la zone de brouillard? 40 feet. Diamètre. Pas, c'est pas ce que je voulais faire. Ou beaucoup moins. 40 feet, c'est ça. Ah, oui, mais de diamètre. Pardon, de diamètre. Oui, autant pour moi. Ok. Donc, ah, tu peux faire, de... C'est une aura. Je t'ai mis une aura sur toi, sur Crimson. Oh, c'est beau. Est-ce que je peux faire ça, moi? Tu peux, ouais, si tu vas sur ton token, tu double-cliques sur ton token, tout en bas, t'as aura. Après, en soi, je peux vous mettre un token bidon et mettre une aura dessus. Comme ça, c'est un peu plus... Non, je sais pas comment je peux mettre... Double-clic sur double le token. Double-clic et tu descends, il y a marqué token aura. Token aura. Oh, je t'aime. Bah, il est où mon perso? Je le vois plus. Il t'es est... mort. Bah, je l'avais mis sur le champignon là, mais il est plus là. Il a mangé par le champignon. Je ne sais pas, j'ai peut-être supprimé par erreur. Je vais le remettre, je sais pas pourquoi. Mais... Il a été mangé par le champignon. Du coup, tu veux essayer de grimper sur le champignon, Maximus ? Oui. Comment on va différencier ceux qui sont en dessous et au-dessus, simplement parce qu'on le sait, on le sait ? Bah parce qu'il y en aura un qui sera sur la case rouge. Fais-moi un jet d'escalade, Maximus. Escalade. Je précise que le sort n'est pas encore actif, hein. On a juste délimité. Oui. Après, je demande à Genka s'il peut m'aider à monter sur le champignon, évidemment. C'est pas juste, c'est pas juste pour ça, c'est aussi pour. Amadeus, lance Draximus là-dessus. Tu peux t'aider, hein. YOLO! Non, le brouillard. C'est ce qu'on a pas fait mettre... tout à l'heure quand il y avait la flash flood. Maintenant, Amadeus, il y a quelqu'un qui a besoin d'aller en haut. Tu fais genre. Mais là, je suis en loup, donc du coup, faut que je le fasse avec la gueule. Tiens, je t'ai mis. Est-ce que je peux te donner le contrôle de ce token? Control by Crimson. Si tu veux t'amuser avec le token pour voir un peu, tu peux. C'est ce token? C'est le brouillard. Si tu veux mettre le brouillard. Dire. Ah, c'est parfait, oui, parce que il faut pas que je. Parce qu'il est pas sur toi, le brouillard. Il est pas sur moi. Je le crée sur moi, mais ensuite il reste en place. Du coup, tu peux le contrôler comme ça. Du coup, tu as fait un 11. Noir, tu es tellement bon. Mais oui, je sais. Tu essayes de grimper sur le champignon de Draximus, tu te rends compte assez vite qu'il est assez souple. C'est pas un arbre, c'est une matière qui est plus spongique et plus souple qu'un arbre. Et c'est un champignon. 2 mètres de haut, à peine 3 mètres, il n'a pas un tronc très très épais. C'est pas tellement que c'est dur de grimper dessus, c'est aussi que dès que tu essayes, il se plie et il se tord un peu. Grimper dessus, si tu as de l'aide, ça va peut-être être possible, mais se tenir dessus, ça va définitivement être difficile. Si tu fais un pas de côté, tu risques de tomber ou le champignon va se plier. Mon micro fait des allers-retours, Eva. Mais oui, c'est prévu, c'est fait. Ah, okay. Après, Drax, honnêtement, t'as pas besoin d'être en hauteur. Ah, et comme j'avais dit qu'il y avait une espèce de grange, j'ai oublié de la mettre, celle-là. Tu peux te cacher dans la grange. Euh...
Est-ce que... Voilà, j'ai retrouvé des tokens de bâtiment. Ah, c'est pas mal ça. Petit, mais c'est pas mal. Oula. Ouais, quelque chose comme ça. Un truc qui ressemble à peu près à ça. Okay. Nice. Donc à la place, tu pourrais monter sur le toit de la grange. Pas aussi violet. Drax. Mm-hmm. Au loin au niveau des distances. Ah fuck. Après, si tu restes dans le nuage de fumée, même un peu en arrière. Non, ça va, c'est 30 mètres. C'est à 30 mètres de là. Oui. Donc mais après, tu as... qui, le problème d'être sur le toit, c'est qu'il sera visible dans le nuage de fumée. Il peut pas te repérer à moins qu'il ait des sens qui permettent de passer à travers la fumée. Oui, non, mais je vais rester sous le champignon là, derrière le tronc là. Et... Ouais, voilà. Je pense que c'est le mieux, honnêtement. C'est là que tu seras le plus efficace. Ok. Où est-ce que tu vas mettre Bébête? Ouais, il nous faut la bête. Ah oui, la bête aussi. D'ailleurs, à chaque fois, je vous mets les tokens, mais en soi, vous pouvez, je crois que vous pouvez faire un click and drag sur les maps et les sortir directement vos tokens. Pour ça, il faudrait qu'on ait accès à l'autre map. On a accès que à la map actuelle. Hein. Est-ce que l'un de vous peut essayer dans vos journaux là où il y a vos personnages, juste faire un clic et glisser de votre personnage sur la map? Je suis sûr qu'on l'a déjà fait avant et que ça marchait. Ah voilà. Ouais. Ok. De quoi? De où? Bon à savoir. Là où tu là où t'as ta fiche de personnage, tu fais juste un petit glisser de ta fiche vers le truc, tu peux sortir les tokens. Ah, du coup, si t'as envie, tu peux mettre 3 Sierra sur la map. Yes. Dravi s'approche de vous et fait ça comme ça. Qu'est-ce que moi faire? Toi caché. Je garde un œil sur l'entrée quand on sera en train de dégommer la patrouille. Je dirais... Ouais, non, c'est... Il a quoi comme arc, lui? Il a, si je ne m'abuse, c'est un arc court, j'ai un doute. Ouais, c'est un arc court, ouais. Ok. Bah, de toute façon, je vais pouvoir me lancer mon sort que sur 6 personnes, donc ça va pas inclure Dravi. Parce qu'on est déjà 6 en comptant la bête. Ouais, vous êtes 7. Pour la première fois, la bête, elle verra à travers la fumée, Drax. Oui. Comment ça se passe? Donc, Dravi, on va juste lui dire cache-toi et si tu vois une opportunité, tu pourras tirer. Mais n'engage pas, à moins que ce soit sûr pour toi. Yeah. On aura besoin de toi pour explorer le reste du village. Je vais faire mon mieux. Moi aider si besoin. Gold Star Boyo. Tu veux qu'il se mette quelque part en particulier, s'il prend quelque part. De préférence, je sais pas, il peut se planquer derrière le rocher là et rester juste planqué. Tu si ça lui va. Lequel? Celui-là. Ok, ça marche. Il va se planquer là-bas et comme je l'ai dit, il est assez sneaky et quand il est immobile, il n'a pas vraiment de difficulté à se fondre dans le paysage. Ok. Okay. Eh ben, Rage, tu te sens? J'espère. Rage, il est hésitant et c'est ok. Lève les mains devant lui et fait « Tu vais ?» Et c'est mardi. Eh ben... Je peux rester à l'entrée... Non, je peux pas, j'ai rien dit, c'est bon, pardon. Alors attends, avant que Rage parte, il va falloir que je commence à faire les buffs et les machins comme ça, tout simplement. Du coup, le plan, c'est de déguiser Rage en Mongolman. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille dire, du coup? Rien qu'il va pas parler... bien. Un truc bizarre. Ouais, qui disent à l'aide par exemple, et ensuite qui s'enfuit.
Ça me semble le plus simple et le plus à même d'encourager les... Ou... Bah, patrouille, elle s'en bat les couilles. Ouais, qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait dire pour encourager une patrouille à le suivre? Il y a quelqu'un s'il ressemble à Mongrelman. J'ai trouvé de la bière. J'ai pas entendu ce qu'Amadeus a dit. Qu'il y a quelqu'un qui a essayé de s'enfuir? Non. De quoi les orques raffolent? Les orques, de ce qu'on sait de Draximus, ils aiment tuer, c'est le truc principal. À part ça, ils sont assez friands de... Ils ont des espèces de bières locales qu'ils aiment beaucoup. Ils aiment la viande, mais il n'y a pas... Il n'y a pas un truc bien particulier qui te vient en tête, quoi. C'est des... En général, ce qu'ils aiment avant tout, c'est tuer et être violent, ou alors manger et boire. On peut leur, comment Raj peut leur dire que qu'il a trouvé qu'il a trouvé de la bière en fait. De la bière. Ou quelqu'un qui essaie de s'enfuir, non? Est-ce qu'ils Ah oui, il pourrait pas... dire j'ai trouvé un tunnel là-bas, venez voir. Ouais, un tunnel. Ouais, mais il faut qu'il pense à parler comme un Mongrelman aussi, donc probablement un truc tunnel. Mongrelman. Comment caché, tunnel. Après ça c'est pas forcément comme les Mongrelmen parlent, c'est les Dravi qui parlent comme ça parce qu'ils parlent pas le commun. C'est pas vous savez pas forcément si tous les Mongrelmen parlent de la même façon, mais oui. Si Dravi est un personnage important dans son village, vu que c'est un scout, etc., c'est probablement un de ceux qui parlent le mieux le commun. Oui. Juste en... Enfin... Pure spéculation de Crimson, ça. Mais bon. Fais-moi un jet d'intelligence, Crimson, s'il te plaît. Ouf, ça va pas bien se passer, ça. Il peut pas faire une connaissance. Il était pas... une connaissance locale plutôt ou un truc comme ça. Ouais. Parce que... Ouais. En fait, il était justement pas de très. Comment? Bon. Il va refaire son jet. Il n'était pas important pour le village, il me semblait. Avec son non bonus. Oh mais c'est pas possible. On s'est fait un 13. C'est un 13 quand même. Ok. T'es pas certain qu'il soit si important pour le village. Il y a quelque chose chez lui qui te donne l'impression que c'est pas vraiment un personnage central. Il a plus l'air... tu sais pas vraiment mettre le doigt sur quoi précisément. Il a plus l'air d'être un paria, pardon. Ok. Eh ben... Écoute... Et je connais les parias, moi. On va le... Enfin, Sierra, je le joue... Comme étant quelqu'un de pas très intelligent, il y a moins de chances qu'il le prenne comme pour un risque ou un danger. Oh. Le but aussi, c'est que Raj ne se mette pas en danger. Ok. Il pourrait juste crier à l'aide intrus et s'enfuir. À l'aide intrus. En parlant des orques ou aller voir les orques pour les appeler à l'aide ou appeler à l'aide parce qu'il a vu les orques. Les deux. Non, indiquer aux ordres qu'il y a des intrus, il va toujours y avoir des babous quand il y a des trucs comme ça. Mmh. Mmh. Ok. Raj soupire, il est un peu nerveux, il fait ok, je vais faire ça, ouais. Qu'est-ce qu'il a comme escape, Raj? Pas grand chose. Non, mais attends. Il vous dit sinon je. J'ai aussi un sort d'hallucination auditive. Oui, c'est ce que je viens de servir. On peut essayer d'attirer un groupe avec ça. Après, gâcher un sort à chaque fois pour ça, ça va. C'est chaud quoi. Quel type d'hallucination auditive ça donne en fait? Il peut faire à peu près ce qu'il veut. Il peut faire. Ce qui est assez fort, c'est qu'il peut faire un son que la personne qui entend va interpréter. Du coup, même s'il parle pas la langue des orques. Il peut faire un son que les orques vont interpréter comme un ordre ou comme un appel à l'aide, etc. Même si Raj ne parle pas la langue. Après, le moment problème, que son intention à lui, c'est que eux le. Ok. Le problème, c'est qu'il faut qu'il les amène vers nous, donc il faut qu'ils le suivent, de toute façon. Mm. Bah, donc, si. Non, il peut dire si regarde là-bas. Ouais, voilà, si ce sort-là, ça lui donne. Comment? C'est basé sur l'intention, juste le fait qu'il veuille qu'il le suive. Ça va pas permettre à ce qu'ils le suivent juste à ce son-là.
Alors, hallucination auditive. C'est quoi la définition, le texte exact? Alors, hallucination auditive. You cause the target to believe that they hear any sound you imagine. The sound can include intelligible speech. Instead of precisely imagining the sound, you can identify a sound the subject know and they imagine it doing what you describe as you cast the spell. For example, you could cast the spell an orc warriors and have them imagine the sound as a chieftain calling for help, even if you never heard the chieftain and even if their chieftain speak a language that you don't understand. Okay, all target hears the same hallucination. C'est pas tellement un peu, mais c'est un peu, ouais, c'est un petit peu ambigu quand même. Beaucoup plus ciblé que de l'intention en fait. Oui, bah, elle pourrait, enfin, Rinch pourrait leur faire entendre à chaque patrouille un ordre, aller à la ferme aux champignons, il y a un truc bizarre là-bas, comme si ça veut des twigs, par exemple. Ça va peut-être pas être aussi poussé, mais aller à la chaleur de champignons, c'est possible. Ça pourrait être un ordre de ce genre-là. Mais et qui vient de Twig, oui, si elle a entendu Twig, en plus, oui, elle peut le faire sans problème. Si elle doit le faire par si elle doit lancer un sort, si il doit lancer un sort par patrouille, il va très rapidement être à court. Mmh. Il en a 6. En soi, c'est pas mal. C'est pour ça qu'utiliser son bluff et son... Son bluff et son disguise, c'est un moyen qui conserve ses sorts. Comme ça, quand on affrontera un Twig, il aura du ouf. J'aime ce mot. Moi aussi. Magicien. Mais les magiciens, ils sont pas bons sur la durée. C'est des sprinters. Mm-hmm. Comme les nains. Okay. That's what she said. Are you sure about that? Ok, est-ce que vous alliez du coup? Rage est prêt à partir, il attend l'ordre. À partir, ça me fait chier que Marion soit pas là parce que. Je sais. C'est le... Rage est le meilleur pour faire ce plan quoi. Ouais. Allez! Nous! À l'aventure, compagnon, je suis parti vers le. Évidemment, je te préviens, Ed. Je te préviens à l'avance que ça me tombe pas dans les tours d'initiative, après l'initiative. Dès que je vois quelqu'un s'approcher au bout du tunnel, je mets mon Gravity Bow en. J'actionne le Gravity Bow. Moi, je conseillerais de le conserver pour. Ah oui, pour l'autre connard, oui, c'est vrai. Oui. Ouais, Gravity Bow, t'en as combien? Deux minutes. J'ai toujours pas il va littéralement être actif 2 minutes, vaut mieux le garder quand on fera le combat contre Twig. Si votre but c'est vraiment d'attirer plusieurs patrouilles, vous allez. Ouais, ça va être. Ouais, il va être si on attire une patrouille avec un. Si on attire une patrouille avec un ogre, par contre, vu que t'en as deux, c'est pas une mauvaise idée d'en activer un à ce moment-là. Ok. Après, on a oublié. Je préviens maintenant, c'est juste. J'ai aussi mon brassard qui fait des éclairs électriques, enfin des flèches électriques qui peuvent attirer l'attention. Tu peux faire des espèces juste de flares avec. C'est des beacons. C'est vrai. Ouais. Bref. Alors ça peut-être une fois qu'on aura vidé un petit peu les patrouilles, parce que si on a 5 patrouilles qui arrivent en même temps, on va morfler. Ouais. Ah, du coup, vous voyez Rage qui disparaît. Du coup, juste pour me rappeler, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Est-ce que donc il n'utilise pas de sort et vous voulez qu'il dise quelque chose du genre? Il y a un tunnel où il y a des intrus, où il y a quelque chose comme ça, c'est ça? Il y a un intrus, un seul comme ça au moins, il n'y a pas trop de gens qui vont arriver. Ou il y a un mon Grelmen s'enfuit, par exemple. Ok. Et moi pendant ce temps-là, après le. Alors attends. Yeah. Parce que attends, juste, je vais juste prévoir ça. Je joue justement avec la bête, je fais fetch pour qu'elle sorte du brouillard et qu'elle revienne à chaque fois. Comme ça pourra les attirer encore plus quand ils se rapprochent. Non. Non si on fait. Pas trop obvious si tu fais ça en fait. Oui, c'est ça. C'est un trap. C'est des orques. Y'a pas que des orques, y'a explodi boum boum. C'est le retour de la vengeance. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Rage, à quelques distances d'une patrouille, leur dit mon Grelmen s'enfuit dans fumée. Oui. Et ensuite. Et suivre. Et ensuite courbe. Recours vers nous. Et qu'elles les préviennent aussi. Enfin, si les orques commencent à douter, oh, je vais demander à blablabla. Non, il faut faire maintenant, sinon ils vont disparaître ou je sais pas quoi. Parti.
Oui, mais le but, justement, le but, c'est de pas pas argumenter. Si la patrouille ne la suit pas, si la patrouille ne te suit pas, Rage, tu reviens et tu réessayes plus tard avec une autre patrouille. On va pas. Voilà. Ok. Vous voyez Rage qui disparaît, qui s'éloigne et qui arrive. Non, mais. Rage acquiesce et s'éloigne. Et après quelques secondes, vous le perdez de vue et il disparaît dans la ville. Je compte une minute et. Alors attends. Non, avant qu'il parte, bien sûr, je vais lancer HN Path sur tout le monde. Ok. Donc ça va durer 10 minutes. La brume n'a pas encore lieu, c'est ça? Elle n'est pas encore été lancée? Pas encore, je vais attendre une minute après Crash sa partie pour lancer la brume. Ça fait une minute qu'il est parti. Elle dure combien de temps ta brume? HN Path? Elle va durer 6 minutes et HN Path va durer 10 minutes. Okay. D'ailleurs, j'ai oublié de demander, mais tu as bien, bien mis le truc que Rage va pouvoir voir à travers la fumée également? Oui, c'est HN Path. C'est HN Path. Mais tu l'as lancé. Tout. Ah, tu l'as lancé avant que Rage parte? Oui. Ok, ça marche. Ça fait donc à peu près une minute maintenant. Je considère que tu lances ta brume. Et à ce moment-là, il y a Rage qui revient. Après à peine une minute, ça fait peut-être une minute et 20 secondes maximum, à peine. Il revient et il a deux orques derrière lui qui ont une épée en main et qui avancent d'un air pas commode. Et Rage leur fait signe de les suivre. Draximus, il parle en orque. Et tu les entends discuter, donc ceux qui comprennent l'orque les entendent, et ils discutent l'un avec l'autre et ils disent bah putain, heureusement qu'on a trouvé la sortie tout de suite. Ça va plaire à Twig, ça, si on peut boucher une sortie dès le deuxième jour, c'est pas mal, quelqu'un qui va être content. Et l'autre il ricane. Oh. Mon petit père. Il parle à. Il y en a un qui s'adresse à Rage en commun et qui lui dit. C'est là, en pointant la brume. Et Rage, il court juste dans la brume, hein. C'est les instructions qu'on lui a données. Il court dans la brume, il les guide pas? Bah, il s'assure qu'ils sont derrière en train de suivre, mais le but c'est de courir et que la patrouille n'ait pas le temps de réfléchir. Juste qu'il. Okay. Il acquiesce, il leur fait signe et il se met à courir. Et vous entendez en commun quelque chose qui ressemble à dépêcher, et vous voyez que les orques le suivent sans aucune hésitation. Les orques foncent et s'engouffrent dans la brume. Je vais les ajouter sur la map. Donc il y a deux orques avec Rage. Je vais remettre Rage sur la map. Ils vont normal durer... que j'arrive pas à. Mais il y a déjà Rage sur la map. Il était là. Déjà... Ah oui, déjà... okay. Ok, je pensais que vous l'aviez sorti, je le voyais plus. C'est normal que j'arrive pas à rotate mon personnage, en fait. À chaque fois, je te le réexplique. Normalement, t'as la petite. Si tu zoomes trop, mais... tu le verras peut-être pas. Mais faut peut-être dézoomer un peu, mais tu vas avoir la petite langue quelque part. À chaque fois, mais. Si tu zoomes trop, ça va être caché derrière les options, je crois. Et surtout de sélectionner la flèche en haut à gauche. Aussi. Et du coup. Non, mais... Bordel. Okay. Je veux tirer ma flèche. Dépêche. Deux secondes. D'ailleurs, va. Tu peux mettre l'aura de brouillard, s'il te plaît, Crimson. Elle y est. On la voit pas. Au pire, tu peux pas agrandir le brouillard et le rendre opaque. Attends, moins opaque, transparent. Si, mais attends, je sais peut-être pourquoi. Je crois que... Tu la voyais pas? Non. Je sais peut-être pourquoi, attends. C'est peut-être parce qu'il n'y a que toi qui as la permission là, de voilà. Le voir. Ah, voilà. Vous la voyez? Ah oui. C'est, oui, en effet, il y avait que ceux qui pouvaient éditer qui la voyaient. Okay. Et les orques, du coup, s'engouffrent dans la brume, directement à la suite, qui vont arriver là. Attends, non, j'ai fait passer Rage par le bas. Hein. Ok, ça marche. Il y en a un qui arrive là, il y en a un qui arrive juste ici. Non, ils vont marcher à côté, a priori. Arrive juste là, les deux. Ok. Je tire! Sierra, tu nous fais les honneurs? Bien sûr. Alors, juste pour rappel, vous prenez les orques par surprise, c'est-à-dire que. Il y a un.
Il y a un... Oui, flat footed déjà, mais il y a un round de surprise. Pendant un round de surprise, vous avez tous le droit à une action standard. Vous n'avez pas le droit à une action de déplacement, juste une action standard. Est-ce qu'on a droit à une case de déplacement ? Oui, t'as le droit au 5 footstep, mais t'as pas le droit de... T'as pas le droit de déplacer puis d'attaquer. Donc t'as une action standard que tu peux remplacer par une action de mouvement. Une fois que ce tour de surprise est fini, on va lancer l'initiative. Donc vous aurez peut-être l'occasion de jouer avec les orques, avant les orques, peut-être pas. Mais en gros, la seule garantie que vous avez là tout de suite, c'est que vous avez une action standard chacun. Qu'est-ce que vous faites ? Mais il y a pas de difficulté a priori. Je lui mets un coup de dague dans les... Je lui mets un coup de dague dans, comment, dans les côtes, de préférence dans le poumon. Ok, dans alors tu n'as pas le droit de, tu n'as pas le droit de faire toutes tes attaques, tu peux en faire qu'une seule, mais vas-y. Dans ce cas-là, fais-moi ton jet d'attaque. Il est considéré comme flat-footed parce qu'il ne t'a pas vu. Tu peux, du coup, tu as, il va avoir un malus à son, sa défense. J'ai pas d'attaque armure, modifier, j'ai pas de damage. Et est-ce que c'est considéré comme une attaque qui vient de quelqu'un d'invisible ? Ah non ! Oui, techniquement il le voit pas, donc oui. Donc elle a plus 2 en plus en l'attaque. Ok, ça fait un 17. 17, oui, ça va toucher sans problème un 17. 19. Oui, 19, pardon. Du coup, tu fais 7 points de dégâts et tu fais en plus de ça, tu fais ta sneak attack. C'est combien ta sneak attack ? C'est 3d6 ? Ouais. Ok, tu fais moi en plus de ça 3d6 s'il te plaît. On pourrait te faire un truc. 5 points de dégâts, on pourrait faire un truc en plus pour te calculer tes sneak attacks directement en soi. Ok, du coup tu lui fais 13 points de dégâts, est-ce que tu veux faire ton debilitating strike en plus ? Yes. Du coup tu réduis sa classe d'armure j'imagine ? Oui, il me semble... Réduis de moins 2 et de moins 4 pour toi. Ok, du coup l'orque a moins de... cet orque là a moins de classe d'armure, je vais mettre un petit symbole. Il a moins 2 de classe d'armure contre les attaques de tout le monde et moins 4 contre les attaques de Sierra. Ok. Du coup, c'est, il prend. C'est vicieux, hein. Debilitating Strike. C'est très vicieux. On a dit il prend 13 points de dégâts. Ok. Vous lui avez mis un coup assez sérieux. Il y a du sang qui. Il y a beaucoup de sang qui perle et il n'a pas encore le temps de réagir. C'est qui joue ensuite ? Je tire mes flèches ! Ok. Activus. Avec les bonus et compagnie, je fais rapid shot. Par contre, on a qu'une flèche. Non, on a qu'une flèche. C'est une attaque standard. Ah, du coup, tu ne peux faire qu'une seule flèche. Donc ça va être. Mais ça compte many shot par contre, non ? Non, many shot, tu peux le faire que en. C'est que des full rounds que tu peux utiliser rapid shot et many shot. Ça, c'est une attaque standard. Lequel tu vises du coup ? J'aurais dû le demander avant. Celui-là. Ok. Et du coup, donc c'est l'attaque 1. 29, ça touche, ça fait 6 points de dégâts plus 10. Ah non, Gravity Bow. Plus... Non, t'as pas lancé Gravity Bow, du coup ça fait 6. Ça fait 9 au total 3. Avec l'acide. Ouais, ok. Tu fais 9 points de dégâts. Ah okay. non, plus 4, puisque c'est un orc. Ah. Bien vu. Voilà. Et plus 1 parce qu'il est à moins de 9 mètres, il me semble. Et plus 10 parce que j'ai envie. Oui. Ok, ça marche. Non, mais. Ok, donc les orques entrent dans la brume. Il y en a un qui se fait poignarder dans le flanc, il y en a un qui se prend une flèche au niveau de la carotide. Gorge presque. Ouais, voilà. Et qui se met à saigner abondamment. Il peut même plus crier. Il reste Crimson, Amadeus et Rage en soi. Bah, Amadeus, fais-nous l'honneur. Bah, j'attaque celui qui est plus proche de moi, je lui fais une morsure normale. Ok. Te déplace, tu es en forme de loup-garou encore, donc tu fais un pas, tu peux te mettre ici ou au-dessus, y a pas de problème. Okay. Fais-moi du coup. Maintenant, Amadeus, j'imagine en King Shark dans Suicide Squad. Nom nom. Amadeus, tu devrais juste comme ça, tu devrais le faire avec la power attack maintenant, parce qu'ils sont ils sont flat-footed, donc ils ont moins de classe d'armure. Okay, Donc, même si t'as moins de bonus, t'as plus de chances de toucher. Okay. Et que tu... un dernier truc, vu que t'es en mode loup-garou, pense à rajouter le bonus temporaire de force sur ta fiche. Ah oui, alors attends, je peux te montrer ça. Si tu vas sur... Ah merde, je vais fermer. Si tu vas sur ta fiche, Amadeus, en haut à gauche, tu as tes statistiques. Tu as strength, dextérité, constitution, etc. Ouais. En temporaire, tu peux mettre un 2. Tant que tu es en forme de loup, tu peux mettre un 2 là.
Et d'ailleurs, tu en as un en AC aussi. En dessous, tu peux mettre en temporaire à côté de AC. Tu peux en mettre un aussi. C'est ton armure naturelle en temps. Ok. Du coup, je refais ma. Pardon. C'est que. Ah, l'armure naturelle en tant que loup. Ok. Je crois. Du coup, je refais ma. Regardez le gif que j'ai envoyé sur. C'est ça. C'est ça. Tu peux faire un. Tu peux faire un shifter requin en plus. Lui. Tu le refais. Ouais, je refais le. Tu refais le gif. Ok. Plus 2 d'armure naturelle. Juste comme ça. Ok, oui, bah donc c'est ça, bah, ok, du coup c'est un critique en plus, donc c'est un 20 naturel, donc ça compte bien comme un critique. Oh non, mais non donc... Ah par contre non, le critique, donc quand tu fais un 20 naturel, tu relances une deuxième attaque, et si cette deuxième attaque touche, ça confirme le critique. Ta deuxième attaque, tu as fait un 1, t'as fait un 20 sur ton premier jet et un 1 sur ton deuxième jet. Donc le 1 ne va pas toucher malheureusement. Donc c'est une attaque normale, c'est pas un critique. Tu fais 18 points de dégâts. Ouais, tu fais 18 points de dégâts avec ça. Ouais. Et bah, Amadeus, décris-moi ton action. Lui arrache la tête. Ah oui, du coup, les deux orques ont dû entendre Pupus dans la fumée. Oui. L'orque vient de se prendre une flash dans la gorge et avant même d'avoir eu le temps de comprendre qu'il l'a frappé, il se retrouve avec sa tête au fond de la gorge d'un loup géant. Désolé, il y aura des arêtes, Amadeus. Et alors technique. Bon, ok, c'est moi qui les. Faut que je fasse gaffe à ça parce faut que je me souvienne que les orques, quand ils passent en dessous de 0 points de vie, ils sont pas morts immédiatement. Et là, c'est my bad. Techniquement, il était pas encore mort. Il est considéré comme hors combat, mais il était pas encore mort. Et ça aide, il est trip. Hein. Et il est trip aussi. Ouais, mais de toute façon, vu que j'ai déjà demandé à Madouz comment elle le faisait, je vais considérer qu'il est mort. C'est my bad. J'aurais dû faire plus attention. Donc, il est mort. Tu lui as mangé la tête. Oh. Ok. Crimson, il va faire un pas. Et il va mettre un coup de lance à l'orque. Hein. Ouais. Il va faire simple et espérons efficace. Même si j'ai 13 en flat-footed. Nice. Je suis pas sûr que ça passe. Flat-footed, ça ne va pas. Attends, mais tu peux faire un mouvement ou... Tu peux faire un pas. Ah. Et vu qu'il a une lance, il peut attaquer assez loin. Tu tentes de lui mettre un coup de lance. L'orque ne réagit pas, mais ta lance rebondit sur son armure. Attends, j'ai plus 2 parce qu'il me voit pas. Ça ferait 15 en fait. Ah ! T'as plus 2. Quand il voit pas, t'as plus 2 ? Bah, je suis considéré comme un attaqueur invisible là tout de oui, suite. Ok, d'accord, c'est vrai. Dans ce cas-là, ça touche. Tu lui fais donc. Rule lawyering. 13 points de dégâts. Non, t'as raison. Ok. Tu lui mets ta lance, trouve une faiblesse dans l'armure et le transperce, et à ce moment-là tu as une gerbe de glace qui sort, qui se dégage, et tu dégages ta lance et il y a le sang qui coule abondamment. Il est pas mort, il reste debout, mais il est en très mauvais état. Il reste Rage et la bête. Rage, il va juste faire un acid splash ou un truc comme ça, je suppose. C'est le plus simple. Ok. Mais un point de dégâts. Non, ça fait pas de jet en fait. Attends. Laisse-moi. Fire at the machin. Range touch. Alors ça fait. Un touch. 10. Moi ça fait 10. Non, ça fait 12, pardon. Parce qu'il y a moins 4 parce qu'il a pas pris sa shot range. Ah, ok. C'est parce qu'il est trop près, c'est ça? Parce qu'il tire en combat. Ah, ok. Ok. Dans tous les cas, un 12 en touch. Touch, flat-footed. Ouais, d'ailleurs, ça marche comment quand t'es en touch et flat-footed en même temps? C'est... Il a les malus des deux? Seul bonus qu'il peut avoir, c'est un bonus de déflexion, grosso modo. Je savais même pas que c'était possible. Ok, dans tous les cas, ça touche. Par contre, un point de dégâts. Il y a une petite brume acide qui dégage sur le visage. Il reste la bête. Est-ce que la bête fait quelque chose? L'attaque. Tu peux se déplacer. Tu peux pas. Elle est trop loin pour attaquer. Ah, elle s'approche pour l'attaquer après.
Ok, ça marche. Et dans ce cas-là, je vais demander à tout le monde de faire un jeu d'initiative. Parce que le round de surprise est fini. Ouais, enfin bon... si l'orque fait mieux que tout le monde, ce qui est très improbable... Ouais, non, c'est vraiment très improbable. Il y a la bête... Ouais, ok, d'accord. C'est qui agit en premier? Ouais, tout le monde agit, tout le monde agit. C'est moi! Ah non! Non, c'est Fixon. Je vais pas vous faire léger dans ce cas-là parce qu'il lui reste vraiment pas beaucoup de points de vie. Vous êtes... Une attaque, ce serait peut-être pas suffisant. Deux attaques, c'est effectivement suffisant. Et il y en a quatre avant qu'il joue là, donc ouais, pas de soucis. Ok. Non, j'ai le mauvais. Non. Décrivez-moi ce qui se passe du coup pour ce pauvre orc. Il meurt. Ok. Il voit son pote qui est en train de disparaître dans la gueule d'un... Il fait « What the f... » Ok, alors, on les tue. Il a à peine le temps de réagir, il comprend... Enfin, il a à peine le temps de comprendre ce qui se passe, il s'apprête à crier, à attaquer, et il a pas le temps de faire quoi que ce soit, qu'il y a des lances et des flèches qui lui transpercent, et il tombe à terre, mort avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Ça fait deux orques de moins. Rage, repars immédiatement si tu peux. Et nous, pendant ce temps, on attrape les corps des orques et on va les mettre dans l'entrepôt. Exactement. Amadeus, okay. Tu nous aides ? Je peux les manger sinon. Hein. Je collecte toujours les dents. Oui, à la fin. Alors, juste pour information, j'ai fait un jet de bluff à rage. Il a fait un naturel 20 plus 11. Waouh. Quel homme. Et donc une fois qu'on a replacé, qu'on a mis les corps, bah on se remet en position. Exactement. Yeah. Ok, bah moi j'ai pas bougé. Du coup, attends, les corps, on les a mis où exactement? Dans l'entrepôt là-bas. Dans la grange, d'accord. Est-ce que tu veux bien nous les déplacer, Ed? Ouais, bien sûr. Attendez deux secondes. Ouais, fait tout noir. Ah, vous allez, ouais, fait pardon. Tout noir. La gueule. Tout noir. Oh là là, insupportable. Juste mettre un petit brouillard de guerre. Ça me permet de gérer mes tokens dans l'ombre. Ok. Les tokens des orques. Ok, je les mets dans la grotte. Dans la grange. Ok, ça marche. Rage disparaît à nouveau immédiatement. Et il va. Drax, je te conseille de mettre la bête à côté d'Amadeus. Oui. Là. Voilà. Et on va continuer, hein. On change pas une équipe qui gagne. Ouais, on continue. Hein. Du moment que les patrouilles ne deviennent pas exponentielles, tout va on bien. On est en train de pexer là. Vous êtes en train d'exploit, merde. Bah, moi, ce que ça me fait penser, c'est tu sais, c'est des trucs cartoonish où t'as les mecs qui rentrent dans la salle et t'entends. Ouais. Et ensuite t'as la seconde patrouille qui rentre et je crois en ce moment je rejoue à Skyrim, du coup forcément tu joues à un stealth et ouais c'est un peu ça, il y a trois bandits dans une salle, t'en isoles un, tu le butes, les autres ils font ah ça te passe bien, reviens. J'adore quand tu vois le mec avec une flèche dans la tête et qui fait most of it the wind. Ouais, c'est un peu ça. Vous attendez, ça me rappelle le... Donc le combat là, il a duré 10 secondes, hein, même pas. Vous voyez Rage qui disparaît et vous attendez à nouveau une minute, une deuxième minute, et il y a à nouveau Rage qui réapparaît et qui est suivi cette fois de 3 orques. Okay. Au moins c'est pas exponentiel. Alors Rage va faire pareil que tout à l'heure, il va passer par le bas. Il va rentrer dans le brouillard là et ensuite venir se mettre vers le haut, plus proche de Drax. Ok, vous voyez les orques. Ceux-ci sont accompagnés par... Donc il y a à nouveau deux qui semblent être des guerriers. Et il y en a un troisième qui... Oui, c'est ça, Drax. Il y en a un troisième qui... qui a pas le même équipement, qui encore une fois a l'air plus gradé. Vous en avez affronté des comme ça la veille, ou non, il y a quelques heures. Ouais, ce matin. Ils étaient en effet un peu plus costauds. Les trois entrent dans la brume. De toute façon, ils peuvent pas s'avancer plus que ça, parce que dès qu'ils s'avancent là, en fait, ils voient Syrah. Donc je considère que si vous voulez agir, il faut agir maintenant, parce que si
une seconde après, ils détectent Sierra. Ils peuvent voir quelqu'un qui est à une case de. Sierra, si elle fait un son jet de stealth suffisant, non. C'est vrai, ouais. Même stratégie à chaque fois, de toute façon. Un pas de plus, dans tous les cas, ils voient Crimson, Amadeus, etc. Là, par contre, ils vont les voir. On fait la même stratégie à chaque fois. Ok. Okay. Et ben. Qui commence du coup? Je vais lancer ma flèche. D'habitude. Yes. Ok, Sierra, go, moi ton jet. Je vais faire un coup de dague. Bon, cette fois-ci directement dans la gorge. La gorge. Ça paraît. Je croyais que tu disais le groin. Le groin aussi, ça marche. Ah merde. Un 12, donc tu 14. As un plus 2, 14. Mmh. Ça ne va pas suffire. Tu tentes de planter ta dague et tu parviens pas dans la précipitation, tu parviens pas à percer son armure. Après toi, c'est à qui? Flèche. Ok, fais-moi une attaque du coup. 31, exactement. Ça passe sans aucun problème. Tu vises lequel? J'aurais dû demander avant. Celui en bas à droite là. Ok, 31, donc tu fais 6 et 8 points de dégâts, c'est ça? Ouais, 8 12. Non, 12 avec le bonus. Et t'as dit plus 1 parce que c'est dans le range, je sais pas quoi. T'as pas dit 1 tout à l'heure. Oui, oui. Donc il prend 13 points de dégâts. Une blanche 13. Ok, donc il prend 13 points de dégâts, ça marche. Après toi, c'est comme vous voulez, hein. Vous êtes en ronde de surprise, je vous laisse agir comme vous voulez. Surprise, la bête, tant que tu es Drax. La bête. La bête, ok, pareil, elle attaque le même. Et. Tu m'as dit, je peux faire une full range attaque ou non? C'est pas ça. Non, qu'une seule. Non. D'accord. Au round de surprise, tu peux faire qu'une seule attaque. Ok, tu as qu'une standard action. Donc une standard action, c'est une attaque ou un sort ou ce genre de choses. Donc il va juste faire un talon ou un truc comme ça? Ouais. Voilà. Du coup 23, donc plus que ça, mais 23, 3 points de dégâts, ok. Ça marche. La bête se précipite et l'attaque au moment où il entre dans la brume. Ok. Est-ce que je pourrais apprendre dans le futur à ma bête à détester les orques autant que moi? Je suis sûr qu'il y a un trick pour ça. Et à devenir ennemi juré. Trick. Je suis sûr qu'il y a un trick racisme. Chien de redneck. Oh, c'est le truc. Après ça, Amadeus, Crimson, Rage. Amadeus. Ouais. Je m'avance d'un pas, du coup, je pense que je vais qui est en face. Et ça sera autre chose. Alors un 20, ça touche. 21 points de dégâts. Mais quoi? Atomisé. Et le trip, c'est un 16. Est-ce qu'un 16 ça passe? Dans les stats. Un 13, ça ne passe pas, ça va pas suffire à le faire tomber. Un 16. Ok, pourquoi? Ah oui, le triple en dessous, oui, pardon, je regardais l'attaque 2. 16, ça va pas suffire non plus. Non, 16, ça ne suffit pas. Ok, donc tu lui mets 21 points de dégâts. Alors que l'orque s'avance, tu le mords violemment au niveau du bras et tu le mets en très mauvais état. Ça ne suffit pas à le mettre hors combat. Après ça, il reste Crimson et Rage. Ouais. Bah, Crimson, il va rester là où il est et taper celui que Amadeus a tapé aussi. Hop. Et ça va faire 16 points de dommage. Pas dégueu. Et Rage. Hop. Tu tapes le même qu'Amadeus? Ouais. Ok, 16 points de dégâts, ok. Bon, je lance un D3. Voilà. Bah, Rage va faire 3 points de dommage avec un orbe d'acide sur le même. Ok. Il est toujours debout. Sérieux? Il vient pas de se prendre. Je peux te dire qu'il s'est pris. 37, 40 dommages? Putain. Il s'est pris moins de 40 dommages, mais pas loin. Comment ça, moins de. Ok. Il a pris un peu moins de 40 dégâts. Moi, de ce que j'en ai calculé, il a pris. 21 plus 16 plus 3. Ça fait 40. Ah. T'es sûr que. Ok. Moi, j'ai calculé qu'il a pris.
35. Donc j'en ai... Il m'en manque 5 quelque part. 21 plus 5 16, des... ça fait 31. Mais les 5 de glace, t'as compté? 41. J'ai peut-être oublié ça. Si t'es sûr de toi, ok, ça marche. En 21 plus 16. T'as littéralement les chiffres devant toi. Hein, donc... Ouais, c'est vrai. La bête, 3 plus 21. 39. En effet. Non, pas la bête, c'est... le 6 que tu vois, c'est parce que les dommages de Acid Splash, c'est un D3, mais il n'y a pas de D3 que je peux lancer, donc j'ai lancé un D6 et je divise par 2. Ok, dans tous les cas, il est toujours debout. Il est en très mauvais état, mais il est toujours debout. Saleté. Ok, tout le monde a joué? Ouais. Mmh. Et bah dans ce cas-là, j'ai une initiative. Mmh. Oh no! Wigan. Ok, oulala. Mais pourquoi je fais que des jets de merde? Tu peux faire un D3, mais faut le taper dans les commandes. Ah oui, j'ai pas pensé. attends, j'ai mon initiative, attends. I don't understand what that means. Ouh, 26, un critique sur l'initiative. Ouais. Donc là j'ai fait un 16 au lieu d'un au lieu d'un 14, non, parce que j'ai toujours le bon de les survivors. T'as toujours quoi? C'est Drax qui voit rouge, il a vu des orques. Survivalist headband. Alors, okay. Ça donne un bonus en initiative, ça? Plus de... Non, c'est juste ouais. La chance. Est-ce que comme d'habitude tu peux noter sur Discord? Est-ce que je suis en train de faire? Merci. Du coup moi j'ai fait un 17 et un 4. Alors comment je les désigne? Elle, yes, s'il vous plaît. Elle a fait 4, body bag 7. 1, body bag 2, body bag 3. Elle a fait 17. Elle a fait 17, elle ça fait 4. Et où est le troisième? Et c'est Amadeus... les deux ont la même. Ils ont Amadeus à 8. Et est-ce que je prends Dravi aussi? 1 2 3 4 5 6. OK. Et Dravi? Dravi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Il a un plus 1, il fait un 10. Ok. Voilà. Du coup, ma salve de flèches. Yeah. Du coup, c'est toi qui commences, Draximus, à 26? Bah, je pense, oui. Ouais, ok, ça marche. Bah vas-y. Bon, bah, même que il tout va pas rester un orc debout à la fin du tout. Bah non, je peux en attaquer que deux au final. Ah si, non, bah non en fait, non. Donc many shot, rapid shot et compagnie. Est-ce que t'as rentré ça sur ta fiche ou... Oui, bah pas dans les jeux comme ça. Donc, du coup, Le many shot va pas être pris en compte, il va falloir le refaire c'est un jeu duplicat... Non, le many shot c'est un duplicat du premier tir. Du coup, l'attaque est la même, mais les dégâts il faut que tu les represses. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'attaque de rapid shot non plus? Bah si, rapid shot c'est dedans là. Si, c'est attaque 1, attaque 2. Non, il est pas dedans. Oui, mais... Non, en effet. Attaque 1, attaque 2, c'est... C'est censé être... attaque 1, mini shot qui fait les dommages deux fois, plus l'attaque de rapid shot qui a le même bonus, plus ton... Et ensuite après... ton attaque itérative. En gros, il faut que tu changes ta fiche pour cette attaque. Il me semblait l'avoir mis... Ah non, peut-être pas. Non, je l'ai pas mis. Est-ce, que, ouais, est-ce qu'on peut au moins le rentrer, ça, en fait, c'est ça le truc, c'est que... Oui, après, alors à mon avis, les gants corrosifs, il va falloir les compter à part, parce que ça va être chiant si on ne les comptait par D. Est-ce qu'on peut faire... Attends, je réfléchis... Drax, ça t'ennuie si sur ta fiche de perso, j'entre l'attaque, full attaque à l'arc? Vas-y, fais ça. On va faire le calcul de la main. Du coup, en soi, tu as ton attaque 1 plus ton attaque 2 à moins 2. Au pire, 2. On peut faire une deuxième arme dans mes weapons où tu fais une attaque normale et une attaque... Je sais pas ce que tu veux faire, en fait. Pas normal ? Il veut juste te mettre tous tes trucs dessus pour que ce soit fait. Dans tous les cas, si je ne m'abuse, du coup, en fait... En gros, tu vas avoir les mêmes jets que là, mais avec un moins 2 à chaque fois, et t'as une attaque en plus avec encore un... On fout l'attaque, moins 2. Donc est-ce que tu peux faire une deuxième? Comment ça une deuxième? Encore? Ouais, parce que juste pour la première attaque, parce que tu vas avoir une deuxième attaque comme ça. Mais vas-y, fais reclic sur le bouton.
Et bah, il est en train de modifier là, donc je sais pas si ça change. Le sel tout en haut. Non, non, il je suis en train d'en modifier une autre. Ne touche pas à celle-là pour l'instant, t'en fais pas, ça va. Ok. Ce sera prêt à un moment. Du coup, tu vas faire en fait attaque 1 et attaque 1. Donc celle-là, tu l'as fait deux fois, celle-là, c'est ton rapid shot. D'accord. Et tu vas faire attaque 2 une fois. En sachant que toutes ces attaques-là vont avoir un moins 2. Donc en gros, c'est 19 moins 2, 27 moins 2 et 16 moins 2. Okay. Et plus 5 en dégâts à chaque fois. Plus 5. Gants corrosif. Point blanc. Pour les gants corrosifs. Et alors, ah oui, t'as... Corrosif, faudrait les relancer à chaque fois en fait. Ouais. Donc, il y a, non, mais il y a les gants corrosifs, mais il y a aussi le bonus orc et distance. Ok, le bonus orc, c'est combien? Plus 4. Dégâts, c'est... Plus... Ah oui, d'accord, donc le plus 5, c'est ça. Ok, plus 5, c'est de base. Oh là là, mais quel salope. Ah, ils ont joué mal. Okay. Du coup, qui tu attaques? Le premier en bas, là. Le premier en bas, tu l'attaques. Ok, donc c'est un 19-2, ça touche. Donc ça, ta première flèche lui fait... 7. D'ailleurs, ta première attaque va tirer deux flèches. Du coup, ça, tu peux pas choisir de faire sur deux cibles différentes, je pense pas. Mmh. Tes deux premières flèches... Tu m'avais dit dans le passé que je pouvais... Pas sur ton... Ah, many shot, je pense pas. Many shot, je pense que tu fais une seule attaque et deux flèches. Je pense que c'est les deux dans la même cible, a priori. Ouais. Je pense pas que tu puisses tirer deux flèches. Ok, du coup, 19, est-ce que... Bah, 19, ouais. Est-ce que tu peux me refaire 2d6, s'il te plaît? Pour le l'acide? Pour ta deuxième flèche. Donc ta flèche, tes deux flèches touchent, pour sûr, mais les dégâts de tes deux flèches... Et il a pas mis Gravity Bow pour l'instant, c'est que 1d8. Ah oui, c'est vrai, donc c'est 1d8, oui, pardon. Ok, donc ta première flèche fait... Ah bon, 1d8 Non, non, là c'est fait 2d6, donc j'ai fait 1d8. Oui, pardon, c'est 1d8, my bad. Je suis désolé, on aurait dû faire ça, j'ai fait des bêtises. Ok, du coup, ta première flèche... Elle le tue. Ta première flèche fait 7 points de dégâts, plus 5, plus ton acide. Ta deuxième flèche fait 8 points de dégâts, plus ton acide. Donc dans tous les cas, ouais, je te fais pas faire les jeux là-dessus, il est mort. Juste après s'être fait... C'est qui l'avait tapé, l'orc? C'était Amadeus? Il y a un peu tout le monde. Amadeus, Crimson, etc. Juste après ça... Je crois, ouais, si. Donc, juste après ça, tu lui mets deux flashs dans le buste. Et la première flash, il tombe au sol et il se retient. Et la deuxième flash, tu l'achèves. Concrètement, la première flash, tu l'avais mis en dessous de 0 points de vie, mais encore qu'il n'était pas encore hors combat. Ta deuxième flash l'a tué pour de bon. Là, il est mort et hors combat. Ok, ça c'est bon. Ta deuxième attaque, ta deuxième. Donc, ça c'est ta première attaque avec deux flashs. Ta deuxième attaque, elle part sur qui? Sur celui juste au-dessus, là. Ok. Quoique, non, lui était bien endommagé. Non, sur celui en face de toi. Il avait pris. Ok, la deuxième attaque c'est un 16, ça touche, tu fais donc 9 points de dégâts, plus les 4 d'acide, plus les 5 parce que c'est un orc à courte portée, c'est ça? Ouais. Donc tu fais 18 points de dégâts, c'est ça? 9 plus 4 plus 5. 9 plus 4, 13 plus... Yeah. Ouais. Ok. Ta deuxième flèche part sur l'orc, lui transperce au niveau de son armure. Encore une fois, tu as une gerbe d'acide et il est sévèrement blessé. Il n'est pas encore mort, mais il est sévèrement blessé. Mais vous avez tué le premier. Tu n'avais pas dit que j'allais faire de jet d'acide plusieurs fois? Si, mais désolé. On s'occupera de ça quand on aura fait. Là, de toute façon, tu avais fait un 4, c'est pas mal du tout. J'ai pris ce jet-là du coup. Ah oui. Mais ouais, du coup, est-ce que tu peux juste, Guillaume, faire un truc jet d'acide avec une attaque bidon qu'on n'utilisera pas et un des 6 points de dégâts? Il faudra juste faire ça manuellement à chaque fois, je pense. Oui, une seconde. Il n'y a pas de souci, je peux faire ça. Merci. Après ça, c'est à la bête de jouer. Que fait la bête? Elle se déplace d'une case pour aller sur le cadavre de l'autre et attaquer celui en face de Sierra, encore une fois. Ok, ça marche. Elle est sur le cadavre de l'autre, ouais. Ouais. Et elle attaque celui à côté de Sierra. Ok, du coup elle a un plus 2 parce qu'elle est en flanking, en plus d'être invisible. Donc elle a un plus 4, c'est ça? Et elle fait un full plus range attaque vu qu'elle a fait qu'un seul pas de déplacement. Oui, bien sûr. Donc ouais. Donc 27 ça touche. 22 ça touche aussi. Ok, du coup 6 points de dégâts plus... Ah, le deuxième talon va pas toucher par contre. Donc 6 points de dégâts plus 4, 10 points de dégâts au total. Ok. Je vais juste tester un truc. Vas-y. Ouais, je pense que vas-y. Je donne le truc.
Attaque 1. Donc, attaque 1, attaque 2, rapid shot. Ouais. Et du coup, il n'y a pas les acid damage. Donc, attaque par 2 contre, ça, correspond à quoi? Attaque 2, c'est. Attaque 2, c'est ta deuxième flèche avec un moins 5. La flèche. C'est en rapid shot, c'est ça? Donc, tu vois, l'attaque 1. Non, ça, c'est ton. Ça, c'est tes attaques de base. L'attaque c'était... 1 a deux fois des dommages parce que ça y a le mini shot. L'attaque 2, c'est l'attaque itérative. L'attaque rapid shot, c'est la deuxième, c'est ta flèche de rapid shot. Ta qu'est-ce que t'appelles par attaque itérative, attends. C'est parce que comme tu as plus 6 en bonus de base à l'attaque, tu gagnes une deuxième attaque avec un moins 5. Donc ta première attaque. Mais l'attaque 2 prend en compte des dommages qu'il faudrait que j'enlève en fait. Ah, ça fait chier ça. Mais je peux pas les enlever. Mais c'est comme j'expliquais à Madeus en arrivant au niveau 6, tu es tellement expérimenté qu'en fait en un seul tour tu peux faire une attaque de plus. Donc tu fais une attaque, tu fais ta première attaque avec ta pleine puissance et tu fais une deuxième attaque qui est un peu moins puissante. Et à chaque fois que vous allez arriver à 6 d'attaque bonus, vous allez avoir une nouvelle attaque avec un moins 5. Du coup, quand vous arriverez à plus 18 d'attaque, vous aurez une attaque à plus 18, une attaque à plus 12 et une attaque à plus 6. Un truc du genre, mais en gros, à chaque fois vous allez avoir des attaques en plus, à chaque fois que vous arrivez, vous atteignez un certain palier. Et ça peut être appliqué que en cas de full round attaque. Mais. Ok. Ça fait sens? J'ai l'impression de t'avoir perdu, je me suis perdu moi-même. J'ai rien suivi. En gros, au niveau 6, en plus de ton many shot et de ton rapid shot, tu as une attaque en plus. Oui, ça je m'en souviens, mais je sais pas comment ça marche. C'était vraiment une. C'est un dédoublement de mon attaque, c'est pas un... Non, c'est à chaque fois que ton bonus de base à l'attaque passe au-dessus de 5, en gros, t'as une attaque supplémentaire par full attaque à chaque fois que ton bonus est à 5. Donc quand t'avais plus 5 de bonus de base à l'attaque, t'avais une attaque à 5 et une attaque à 0, donc pas d'attaque. Maintenant que ton bonus est à 6, t'as une attaque à 6 et une attaque à plus 1, parce que t'as le moins 5. Quand tu seras niveau 11, t'auras une attaque à 11, une attaque à 6, une attaque à 1. C'est pour ça que si tu regardes, c'est regarde dans toujours. Ouais, bon. On nous fait confiance. En gros, dès que t'arrives niveau 6, dès que les guerriers, les rangers, les shifters, etc. arrivent niveau 6, ils ont une attaque en plus. Et en plus de ça, t'as rapid shot, many shot qui te donne encore des attaques en plus. Ok, donc ça c'est pour Draximus et la bête. Après ça, c'est à l'orc L qui est mort. Ensuite, c'est à Sierra. Pourquoi est-ce que ça fait un jet d'attaque? Donc devant toi tu as un orc qui est très endommagé, à côté de toi t'as un orc qui est pas mal endommagé. Je vais juste faire un pas et mettre un coup de dague à celui-là. Juste okay. Game Master très rapidement, c'est le mieux que j'ai réussi à faire là pour Draximus. Donc t'as l'attaque 1, l'attaque 2 qui est l'itérative. L'attaque de rapid shot et many shot, faut ignorer le jet d'attaque et juste prendre le dégât si l'attaque 1 a touché. Ok, ça marche. Ça te convient, Drax? Tu comprends le truc? Est-ce que tu pourrais mettre un many shot limite à moins 10 ou à moins 20 juste pour qu'on se souvienne que c'est pas. Non, mais on peut mettre une note, je crois, normalement. On peut mettre une note. C'est oui, possible. Mais. Alors, du coup, Sierra, tu as fait un 25, ça touche, tu fais 9 points de dégâts plus 3d6, s'il te plaît. Sorry. Où est-ce que j'ai foutu? Tiens. Mais pourquoi t'as bougé, Sierra? Hein? Tu flanques plus si t'es là. Bah si, c'est celui-là, c'est pas l'autre. Ah, mais il est pas flanqué. Ouais, mais lui, il avait un peu plus de points de vie, c'est pour ça qu'elle. Si t'étais resté là où t'étais avant, tu flanquais. Mais. Ah, c'est pas. Oui, j'avais oublié que. Tu peux rester si tu veux, ça change pas grand chose dans tous les cas. Et Guillaume, juste, est-ce qu'il y a une full attack arc, rapid mini shot, Gravity Bow? Oui. Non, okay. Non j'ai Gravity Bow? J'ai mis full attack Gravity Bow. Oui, mais ça compte pas le rapid shot, ça. Si. En fait, mon. D'accord. Si tu regardes, il y a une attaque qui est désignée rapid shot. Oui, je sais, mais je lance pour voir ce que ça donne. Le lancer de dé du dagger, en fait, j'ai fait un critical. Okay. Je suis pas rendu compte. Ça C'est 19. Apparemment. Non, chez moi je vois un 15. Non, c'est un 15. 15 plus 10. Ah merde, non, je suis en train de lire la mauvaise ligne. J'adore. En dessous, c'est les dégâts, ouais. Les dégâts, t'as fait un critique, mais t'as fait que 3.
Ok. Et d'ailleurs, tu as aussi. Techniquement, tu peux faire toutes tes attaques, donc tu as aussi tes bites. Dans tous les cas, là, tes attaques vont largement suffire. Tu te mets sur l'orque et tu lui enchaînes de coups. Et il tombe, encore une fois, il tombe d'abord au sol, pas encore mort, puis après un deuxième coup, il tombe mort pour de bon. Ok. Stabby, stab, stab. Voilà. Stabby, stabby. Ok. C'est triste. Il reste un orc encore en vie. Et c'est là. Il va bouger là. Il fait. Hop. 9 dommages. Si le 18, 18 ça passe. Ça touche. Ouais, 9 dommages. Il a combien? Dommage. Ok, tu parviens à. Bon. Tu lui plantes ta lance et il tombe au sol et il a un point au sol. Il est un individu normal serait inconscient, mais en tant qu'orc qui parvient à garder conscience. Il est quasiment mort. Il a plus grand chose, mais il est pas encore mort. Après toi, c'est à Dravi. Dravi du coup va faire quelques pas et va essayer de tirer une flèche. Il a un plus 4. D'ailleurs, il y a ses alliés à côté de lui. Dravi peut pas tirer de flèche. L'orque est dans la fumée. Ah, il est dans la fumée, en effet. Il peut pas. Il peut pas le voir. Ouais. Du coup, s'il peut pas le voir, a priori, il a pas vraiment d'idée de ce qui se passe. Il va s'approcher, mais il va pas faire grand chose de plus. Hein. Il entend des bruits de combat, il se rapproche et il est curieux, mais. Il peut pas faire grand chose de plus. Est-ce qu'il peut. Attends, je regarde sur sa fiche. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut faire? Non, mais de toute façon, aide, on le dit de pas prendre vraiment de risques. Amadeus va pouvoir agir maintenant. Ouais. Ça marche. Et faire le nettoyage. Ah oui, en effet, les orques sont vraiment loin derrière. Ok, Amadeus. On avance d'un pas. Ouais. Et zim, zoom, zam. On va pas changer une équipe qui gagne. Non. Ouais, ok, c'est bon. 42 dommages. Même pas mal. Vraiment. Donc 23. Première ah non, attaque 23, mais des fois, deuxième y a attaque des... 19. Ok, ça marche. Bah écoute, tu le one shot. Hein, il lui restait, je crois qu'il restait 3 points de vie. Tu le bouffes, tout simplement. Je suis très fin. Bah oui, je me doute. Tu mâches un peu et tu recraches. Les trois orques sont au sol, inconscients. Vous avez une énorme flaque de sang devant vous maintenant. J'espère qu'ils sont morts plutôt qu'inconscients. Ça commence à devenir suspect. Pardon, oui. Il y a vraiment une grosse flaque de sang là où vous êtes. Vous avez tué 5 orques à cet endroit précis. Ouais. Bon, on s'avance un petit peu la prochaine fois pour bouger la fumée. Bon. je peux... La fumée, elle reste là où elle est à moins que je la relance. En examinant un petit peu le cadavre des orques, vous remarquez que l'orque, qui est là, ainsi que celui qui est derrière, ont tous les deux à leur ceinture une espèce de petit corps, une espèce de... Vous identifiez assez vite, c'est un corps qui a priori sert à signaler un danger, appeler à l'aide, ce genre de choses. Bah super, on va aller un peu plus vite. Bah, le truc, c'est que si on fait ça, on risque d'en amener plusieurs la fois, non? Oui, oui, oui. Mais. Rage, repart. Il dure combien de temps? Il dure 5 minutes son truc? 6 minutes. 6 minutes, ok, là ça fait. Ça fait 3 minutes à peu près qu'il est en. Ça fait un bon 3 minutes, ouais. Ça marche. Il dure aussi longtemps que t'as fumé, en fait. T'as dit 1 minute ouais, plus 2 minutes. La première fois, c'était 1 minute, et la deuxième fois, c'était à peu près 2 minutes. Voilà. Les combats, on dirait. Donc, on en a encore une utilisation. On rattrape les cadavres et on les met dans le shed. On se remet en position. Et voilà. On va attendre le retour de Rage. Fair enough. Est-ce qu'on bouge un peu ou pas du tout, non? Pour l'instant, je dirais que c'est bon. Attends. On derrière le caillou, non? On bouge les cadavres. Ouais. On rebouge les cadavres dans le. La balle derrière. Voilà. Au fait, est-ce qu'il est olfactif la brume aussi? Non. Donc l'odeur de sang à l'extérieur de la brume, elle se sent.
Elle, oui, elle peut se sentir, oui. Okay. Raj revient une troisième fois avec cette fois-ci encore deux orques derrière lui. Je vais pas vous faire de jet, vous avez tué trois orques sans problème, vous avez tué deux orques sans problème. Je refais pas le combat, le troisième combat se passe à peu près pareil. C'est ça. C'est la troisième patrouille que Raj amène et que vous tuez. À ce moment-là, son effet est sur le point de s'estomper. Et devant vous. L'effet de quoi ? L'effet de son sort. L'effet de quel sort ? Ah, mais non, c'est pas un sort en plus, je suis con. Je pensais qu'elle était en. Non, elle est toujours en déguisement. C'est pour ça que je demandais que c'était 5 minutes, mais non, c'est pas. Il y a le brouillard qui est 6 minutes. Ouais. Le brouillard, du coup, est sur le point de se terminer. Et devant vous, ici, il y a en effet. Je vais commencer à la salle dessiner. Il y a plusieurs orques qui ont été tués vraiment de manière brutale. La tache de sang commence à définitivement se faire voir. Il y a quelque chose de suspect qui se passe là. Même sans entrer dans la brume, ça commence à se voir. Pour le prochain coup, on peut s'avancer, hein, c'est pas un souci. Bah, on n'aura plus de couvert. Je peux relancer le sort de brouillard. Mushroom. Ouais. Ah, bah, y a un autre mushroom là ? Oui aussi. Pendant que vous ramenez les cadavres à nouveau dans la grange, je vais. Qui c'est qui ramène les cadavres dans la grange ? Amadeus et Drax. Ok, est-ce que je peux vous demander à tous les deux un jet de perception s'il vous plaît ? Bien sûr. Est-ce que tu peux me le faire ? Bien sûr. Bon, ça va, je pense. Ça suffit, je vais le faire pour le principe, mais ouais, ça suffit largement. Allez, fais un 1, juste que... 32, oh là là, quelle horreur. Alors que vous mettez les cadavres dans la grange, vous entendez tous les deux des sanglots étouffés. Qui ont l'air de provenir d'en dessous de vous. Il y a le chat qui a pris la place de Dractive. C'est lui qui va jouer. On est obligé là. Il dit on brûle la baraque. Depuis quand est-ce que Maximus est devenu un animagus ? Il a dit on brûle la baraque, le chat. Il a toujours été wild shaped, t'avais jamais remarqué. Il est incroyable ce screen quand même. Qu'est-ce que vous faites du coup ouais, tu me l'envoies parce que je le vois pas. Je l'ai envoyé. Un moyen de descendre ? Tu examines un peu autour de toi et il y a une espèce de. À moitié caché et couvert. Vous avez mis un cadavre dessus sans vous rendre compte. Il y a une espèce de trapdoor. Il y a une espèce de trappe qui descend. Vous êtes passé, comme je vous l'ai dit, vous êtes passé deux ou trois fois devant sans même y prêter attention. Et c'est vraiment juste le bruit qui vous a alerté. C'est plein de débris, c'est en ruine, mais il y a une trappe d'or qui descend. Je l'ouvre et je descends. On demande à Dravid de nous suivre. Donc je considère que Raj est encore avec vous à ce moment-là, il y a la brume qui vient de s'estomper, vous avez une petite minute pour respirer. Ok. Du coup, tu descends Amadeus et il y a Draximus et Dravi qui suivent ? T'es pas dans la grange. Pardon ? Dravi, il était pas dans la grange. Non, mais j'ai demandé de non, me suivre. Il lui demande de suivre. Okay. Oui, attends, je suis un peu paumé. Donc, là, on est tous. Il y a Amadeus, Draximus. Il y a Amadeus, Draximus et Dravi qui descendent. Il y a une espèce de petite échelle en bois, un peu moisie, un peu défoncée, qui descend. Mais tu parviens à descendre sans problème. Tu descends dans le. Donc, c'est une espèce de petite cave. C'est une cave qui fait peut-être 15 mètres carrés maximum. C'est pas très grand. Attends, mais non, mais s'il y a quelqu'un qui pleure là-dedans et qu'elle voit un loup rentrer. Il y a devant vous, accroupi au sol, il y a ce qui semble être une mongrelle maine,
femelle. Elle a une apparence très différente de Dravi. Elle a le haut du visage qui est quasiment humain, mais avec une espèce de pelage sur le haut du crâne à l'arrière qui lui sert un peu de cheveux. Et le bas du visage est remplacé par des mandibules. Les yeux, elle a des yeux et un nez quasiment humain. That's et sa bouche, c'est juste, c'est juste des mandibules. C'est elle qui sanglote. Et elle a dans ses bras ce qui semble être un bébé. Un cafard. Miam miam. Oh, come on. quand elle voit Amadeus, elle se met à pleurer de plus belle et elle a l'air. Et Draximus, elle te regarde, elle sait pas trop quoi penser et elle dit pitié, pitié. Je lui fais. Calme-toi. Moi je saute sur place, mais j'ai la queue qui bouge, je fais genre que c'est un fou. Faites pas tous les deux un jeu de diplomatie, s'il vous plaît. Diplomatie. De toute façon, il y a Dravi derrière, donc ça va. diplomatie. Ah non, j'ai pas monté de niveau. Toujours pas. C'est plus la même quand c'est pas poursuivre des orques. 14 et un 12, ça va pas vraiment suffire. Amadeus a un bonus de plus 15 à cause du puppy play. Du puppy play. Le puppy play de 3 mètres, quand même, personnellement, je me méfierais. Je sens qu'il dégouline de la bouche. Ah, c'est pas du tout son style, elle. Elle a mal mangé elle-même. Ah, bah mince alors. Est-ce que t'as encore un bras dans la bouche ou un truc que tu grignotes? Un morceau de doigt d'or que porte Clara? Je recrache mon bouddhose. Probablement que je sens partout par contre. Il y a Dravi qui vous suit, elle a l'air paniquée, elle continue de. Du coup, je prends Dravi, je fais. Ouais, c'est tiens. Dravi, il la regarde et il commence à lui parler dans une langue que vous comprenez pas. Et la femme devant lui, petit à petit, se calme et elle vous regarde et elle dit quelque chose à Dravi et elle prend son bébé, elle le met devant vous. Et Dravi... Oh mon Dieu. Oh. Le bébé est enfin, très étrange. Il a des yeux quasiment tout noirs et il a... C'est comme dans Men in Black quand il fait quand il accouche le pépé. Il est de la meuf à accoucher. La meuf poule. Ses jambes sont à peu près normales mais très poilues et ses bras c'est vraiment des bras d'insectes. C'est des bras de limite menthe religieuse ou ce genre de truc. Dravi vous regarde et vous dit elle supplie de sauver son fils. Elle dit de mettre en sécurité. T'es en sécurité là. Et tu vas rester là pour l'instant. Bah elle est pas vraiment en sécurité tant qu'il y a encore les corps au-dessus d'elle. Il continue de discuter pendant une petite minute. Et Dravi se tourne vers vous et vous explique. Elle dit orc arrivé 2 jours et combat duré quelques heures à peine. Orc gagné et orc... prendre contrôle ville. Tout le monde caché et beaucoup travaillé pour Orc. Eux prendre enfant et elle cacher enfant. Combien d'orques? Non, t'es pardon, pas là. Je suis pas là. Attends, combien d'orques? Et il lui discute encore une fois et il se retourne vers vous, il dit... Elle cachait, elle pas avoir vu combat, mais... Il sert à rien, c'est mon gré. elle pensait... 30, 40... Oh. Peut-être plus. On va en prendre un petit moment. Peut-être moins. 40 moins 5... Non, c'est moins compté. 7. Déjà à la base. Et il rediscute un petit peu et il dit... pas tous orques, aussi ogres et hommes effrayants. Peut-être 30, peut-être 40, pas sûr. On en a tué que 7, on a encore du chemin à faire. Ouais. Elle est agenouillée par terre et elle vous tend vraiment son bébé.
on peut le donner aux orques en échange de... Alors, non. On a toujours la clé qui peut ouvrir des portes. Pour la mettre en sûreté dans l'auberge de... je sais plus quoi, Sœur Lumière. Bah ouais, mais la porte resterait là. Si ouais. On ouvre une porte là, Sœur Bougie va pas être content. Mais justement, est-ce qu'on pourrait pas justement aller à Valmonta et recruter des gens pour aller bougier tous ces orques? Pourquoi? On peut pas faire passer beaucoup de gens à travers la porte. Bah il aimerait pas ça, mais il peut le faire. Il y a possibilité, vous pouvez, il vous avait dit, vous pouvez faire quelques allers-retours. Donc en soi, faire passer une petite dizaine de personnes, c'est... De ce qu'il avait l'air de dire, ce serait pas un problème. Quant à ouvrir la porte ici, il vous avait dit, ce qu'il vous avait dit, c'est d'éviter d'ouvrir la porte là où elle peut être en danger direct. Il vous a dit de pas l'utiliser, par exemple, pour fuir un ennemi. Parce que si quelqu'un vous voit fuir par cette porte, il va essayer de défoncer cette porte et c'est ça qui va lui provoquer des douleurs et qui va ressentir directement. C'est surtout ça qui le dérange, de ce qu'il avait dit. Est-ce qu'on peut pas, ouvrir la porte? Déposer le bébé et la nana, demander à Sœur Bougie de recruter des mercenaires peut-être pour nous aider, leur dire que tout le loot, la moitié du loot sera à eux par exemple, et on referme la porte. L'XP et le loot. Bah, ils sont 40, ils sont 40. C'est une proposition, hein, mais ils sont 40. Drax, t'es un tueur d'orc ou pas? Je suis. Tu me déçois là. Mais je veux bien tuer les 40, hein, je veux bien tuer les 40. Si je dis qu'on peut tuer les 40, je tue les 40. Il me semble que. Je sais pas, mais peut-être que si on tue le boss, le reste va s'enfuir. Oui. Enfin, probablement, mais. Il va pas se battre tout seul. Est-ce que Raj peut faire une illusion où il en a l'impression qu'on a une armée entière? Dans 5 niveaux peut-être. D'ici là, il peut faire des bruits. Il peut faire des bruits qui vont ressembler à une petite armée, mais il peut faire une illusion d'une armée qui viennent de plein d'endroits et tout. Et ouais, l'inquisition espagnole qui arrive. Il peut pas faire ça. Il y a un moment où les magiciens deviennent des demi-dieux, mais c'est encore quelques niveaux d'ici. C'est pas niveau genre 12, 13. Si, à partir de là, oui. Oui, plus ou moins. Bah, si tu me dis qu'on peut se faire les 40 personnes ou la moitié de ces 40 personnes à nous tout seul, moi je suis ok pour y aller. Mais après, si tu penses qu'on a besoin d'aide, ça serait une solution. Voilà. I understand. Moi je peux tous les défoncer. Non mais toi t'es Amadeus. Mais en tout cas, est-ce qu'on est ok pour au moins mettre la nana et son bébé à l'auberge? Est-ce et on referme la porte derrière. Je rigole. Si on a un emplacement pour ouvrir la porte, oui. Après, est-ce que... Alors là, il y a Crimson qui est en train de d'interagir avec vous. Est-ce que je considère que vous êtes remonté, vous en discutez, ou est-ce que vous êtes toujours... Crimson, au bout d'un moment, il se demande qu'est-ce qui leur prend autant de temps à mettre les cordes de côté. Bon, moi, je suis remonté, j'ai laissé... Bon, Amadeus, je sais pas ce que tu fais, mais j'ai laissé Dravid dedans. Et je suis remonté, je suis parti voir le groupe pour expliquer ce qui se passe en bas. Ok. Tu les surveilles, les gens. Tu fais le chien. Il m'envoie un bidos. Tu fais plus le beau devant le bébé? Non. Du coup, le reste du groupe sait ce qui se passe en bas de la maison. Ok, donc on a été prévenu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut ouvrir une porte ici? Est-ce qu'on voit, je regarde à travers la clé, je regarde est-ce qu'il y a un... Tu regardes autour de toi, tu vois pas d'ouverture immédiatement, tu passes une petite minute ou deux, et tu vois une entrée sur un des champignons. Sur ce champignon ici, il y a une petite lueur, et tu vois un trou qui pourrait servir de serrure. D'accord. Ok. C'est la seule entrée que tu as trouvée dans toute cette partie de la grange. Ok. C'est vraiment le champignon à côté de la grange en plus. Si Sœur Bougie accepte de les prendre, oui. Après, je sais pas comment ils se sentiront à la surface, hein, les Mongrelman. Bah, ça sera temporaire, évidemment. Hein. Ça sera les cages dans une pièce. Un refuge.
un refuge littéralement, genre on les met là le temps qu'on arrive à résoudre la situation, ensuite ils rentrent chez eux. Non, mais bon. On peut les mettre en appât. Qu'est-ce qui te prend, toi, ce soir? Même moi, je n'y pense pas. Elle a mangé trop d'orques. Il a mangé trop d'orques, Amadeus, ce soir. Ouais, elle devient comme fatiguée. Elle passe chaotique mauvais. Chaotique mauvais, carrément. Oh god. C'est une indigestion à l'orque. C'est un effet secondaire. Je sens que ça a une mauvaise influence. Ça doit être ça. Crimson, ouais, t'en penses quoi? Rien. Crimson? Crimson? Oui. Tu en penses quoi? Après, c'est pas que Crimson qui décide, hein. Il y a Sierra, non, mais on a demandé à tout le monde. On a demandé un peu tout le monde. On n'aime pas mon idée. On va la mettre de côté pour l'instant. Ton idée, ça va être le plan Z. Ok? Suicide Squad. Non, Omega. Je suis pour l'idée de comment de les laisser prendre refuge dans la taverne. Dans la taverne. Le seul problème, c'est ouais, je sais pas si c'est pas risqué de mettre la quoique de mettre la porte de la taverne dans la salle cachée en dessous de la grange. Je crois que ça passe. Non, on peut pas choisir où vous la mettez. Non, mais de toute façon, on la dépose, on retire, et du coup après il n'y a plus de porte. Ouais, si tu fais ça, ouais, la porte. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Oui, non, ça va te faire ça. Ok, ouais. Tu insères la serrure? Du coup, on fait ça ou on passe vite fait, on sort le bougie de s'en occuper, il les cache un peu. Ouais. De toute façon, on rentre pas directement dans l'auberge, on rentre dans la salle d'armes, c'est ça? Quand on ouvre. Ouais, vous avez une salle un petit peu à part. Ouais, du coup, elle peut rester dans cette salle au pire. Ok. On le demande juste à Sir Bougie de lui donner un plat à manger, quoi. On l'en prévient, on lui dit, tu peux les garder. Qui y va, du coup? J'y vais 2 minutes, histoire d'expliquer. Tu vas seul? Ok. Donc, il n'y a que toi qui y va pour l'instant. Bah, est-ce qu'on a besoin d'être plusieurs? Non. Non, il n'y a pas de souci. On a... Tu refais quelques provisions? J'y vais, je ferme la porte. Des bières, des pains, des trucs. Non, est-ce qu'on a besoin de quelque chose, les amis? J'aurais essayé de prendre des flèches, mais à part ça. Ouais. À part des flèches. Ouais, c'est vrai. Je sais même pas comment j'en ai, en fait. T'en as récupéré une dizaine sur l'or en soi, donc tu devrais être. La plupart de tes flèches, tu les récupères, tu perds à peu près une flèche sur deux et t'en as récupéré une dizaine. Tu dois pas être trop mal là après. Puis j'imagine, il y a des archers aussi qu'on va buter. Et là, là, celui que vous avez tué, c'était encore un archer, donc t'as récupéré une dizaine de flèches. Ouais, là niveau flèche, t'es bien. Ok, tu mets la clé dans la serrure, tu ouvres la porte et d'un seul coup, tu te retrouves dans la taverne au chaud. Très confortable. Je m'installe, je me prends une petite bière. J'avoue. D'un seul coup, il y a Twig derrière la porte. Merde. Oh non. Tu t'entends de la musique jouer au loin, t'entends des rires, t'entends deux trois ivrognes qui chantent, et tu entends la voix de Sir Bougie qui dit non, pas sur les tables, s'il vous plaît. Et t'en as deux trois autres qui rigolent, etc. D'un seul coup, tu es dans une ambiance complètement différente. Deux salles, deux ambiances. T'as un sentiment très étrange de quitter une ambiance aussi sombre et suffocante, et pleine de sang et pouilleuse, etc., et d'arriver là-dedans. Tu débarques dans la taverne, tu es donc en équipement complet, t'as sûrement pas mal de sang sur les bottes, sur les bras, etc. J'arrive pas dans la taverne directe. Ah si, j'arrive pour la salle d'armes. Si tu veux, ouais. Après, si tu veux aller parler à Sir Bougie, Sir Bougie va être dans la taverne. Sir Bougie te regarde et puis... Ah! Ça fait un moment, tout se passe bien, j'espère. Du coup, j'ai fait, est-ce qu'on peut parler en privé dans la salle d'armes? Enfin, dans la salle de... dans l'arrière-salle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il tenait des bières dans la main, il les pose sur une table, et il fait signe au gamin qui est derrière le bar le stagiaire. De gérer ça. Et le stagiaire pas payé. Et il vient de voir, il fait, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, j'espère. Tout est relatif. On est en mission en ce moment, on est dans les souterrains de Placeholder.
on est arrivé. Enfin, on a quelques soucis. En tout cas, on doit mettre deux personnes. On a deux réfugiés. Est-ce que tu pourrais les garder sous ton toit et cachés? Ce sont des mongrelman, une femme et un enfant. On compte les laisser là, chez toi, pour une courte période de temps, jusqu'à ce qu'on revienne et qu'on les remette en sécurité. Si je lui explique aussi que t'inquiète pas, la porte sera fermée quoi qu'il arrive, et les ennemis n'ont pas accès à cette porte-là pour accéder chez toi, ou alors frapper sur la porte. Dans tous les cas, si on ne revient pas, pourrais-tu aider cette famille à trouver un souterrain ou quoi que ce soit pour vivre, une tanière, une grotte, j'en sais rien. Il a rien dit du tout pendant que tu expliquais ça, il était complètement silencieux, il écoutait. Et il prend une voix un peu grave, il fait je crois qu'il y a eu un malentendu, Braximus. Il y a quelques jours, j'étais esclave, j'étais utilisé et j'étais sans aucun espoir. Je vous dois la vie et je vous ai dit que je serai à votre disposition pour tout ce que vous voulez. C'est le cas. Quoi que vous me demandiez, je vais le faire. C'est pas... Vous n'avez pas besoin de me supplier, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Bien sûr, s'il faut que je suis ravi de pouvoir utiliser mon domaine pour la taverne, mais c'est un hobby, c'est quelque chose qui me plaît. Si vous avez besoin de cet endroit, il est à votre disposition. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, l'ami. Nous dédommagerons les boissons et la nourriture. D'un seul coup, il prend un ton beaucoup plus jovial et il fait c'est sur la maison, ça, pas de souci. Est-ce que j'ai besoin de fermer la taverne ou est-ce que... Non, en tant qu'ils seront en sécurité, tu peux leur dire de rester dans cette pièce-là. Je pense pas qu'ils te causeront beaucoup de problèmes. Juste s'assurer que personne ne les voit. On a demandé à Dravi de leur dire qu'on les amenait d'abord parce que. Ah oui, ils c'est sont vrai pas encore que... là, enfin, ça va. Ouais. Il fait ok, je vais leur laisser une chambre. Ils seront nourris et protégés. Ils seront en sécurité ici, y a pas de souci. Encore une fois, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Comme vous l'avez dit, je suis pas un combattant. C'est pas là-dessus que je vais pouvoir vous aider, mais si mes services peuvent vous être utiles d'une quelconque autre manière, ce sera un honneur de vous aider. Connaîtrais-tu quelques guerriers qui seraient capables de nous aider, au pire? Ce n'est pas sûr pour l'instant, mais c'est une option qu'on peut envisager. Les guerriers, il y a quelques habitués de la taverne qui sont un peu qui ont le point facile, disons, mais peut-être pas au niveau des dangers que vous affrontez habituellement. Je peux essayer de voir en ville s'il n'y a pas des aventuriers novices qui seraient à la recherche de quelque chose, mais je connais personne là tout de suite. D'accord. Bah écoute, si tu trouves quelques mercenaires, garde les au chaud, mais garde leurs détails, leurs informations. Si besoin, on reviendra vers toi si on en a besoin. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. C'est mes lettres de motivation. Faire du recrutement. Ok. Je sors un truc du four. Mais j'ai le casque toujours. Ok. Il acquiesce, il fait je vais faire ce que je peux. Est-ce qu'ils sont juste là? De quoi? Ah, je vais les chercher tout de suite. D'accord, ok. Je leur prépare une chambre et je vais faire en sorte qu'on les voit pas. Très bien. Ça serait mieux, ouais. Nous, de notre côté, on est en train de faire quoi là? Attends. Vous tournez les petites moi, c'est à de me dire. On est en train de découper les orques en morceaux. Récupérer les dents! Récupérer les dents! On peut commencer à fouiller les corps et les trucs comme ça, oui. Ouais, c'est oui. Sûr. Ouais. Okay. Ouais, on les dépouille et puis. Amadeus, t'as une indigestion ou pas? Encore, je peux encore en manger. Alors, comme je disais, vous avez trouvé du coup deux corps. Vous pouvez essayer de souffler dedans si vous avez envie, ça c'est sûrement une bonne idée. Vous tombez sur. Alors.
tomber sur deux potions de soins modérés. Je suis censé vous faire des jets de perception pour ça, mais c'est très très facile. On tombe encore une fois sur des Masterwork Hide Armor. On avait. Okay, ouais. Vera, tu prends. Il y en a combien? Est-ce que tu marques tout deux. Ça? Ouais. Ok, super, merci. Il y en a combien des Masterwork Hide Armor? Deux. Donc ça fait 3 en tout qu'on a récupéré là. 5 javelots et vous tombez sur. Ok. Du coup, vous tombez, vous avez donc 2 corps, 2 potions de cure moderate light, moderate wound, 2 Masterwork Hide Armor et 5 javelots. Je considère que, en gros, les orques que vous tuez, soit leurs armures sont trop abîmées, soit leurs armes sont de mauvaise qualité, etc. Je vous note que ce qui est vraiment, ce qui a de la valeur. Si vous voulez vraiment récupérer absolument tout, vous pouvez, mais le reste, je vais considérer que c'est des. Soit vous les avez abîmés en les tuant, soit c'est des objets qui n'ont pas forcément beaucoup. 2 corps, 2 light, 2 leather armor, 5 javelots et c'est tout. Et des pièces d'or. C'est ce qui a de la valeur en gros. 213 pièces d'or par personne. Pardon ? 42 pièces d'or par personne. Ah ok. Ok, hors roleplay, il est minuit. Comment ça va tout le monde ? Pour l'instant, ça va. Good, I'm good. But okay. I think Gwen, ça va? Comment? Ok. je préviens, donc du coup, je préviens aussi, Sœur Bougie, qu'il risque peut-être d'avoir d'autres réfugiés qui risquent de venir. On ne sait pas encore ce qui va se passer bien sûr. Au fur et à mesure du temps, mais il y aura peut-être d'autres réfugiés qui auront besoin d'aide. J'ai pas beaucoup de chambres disponibles, mais la si, salle d'armes si... suffira juste pour un court moment. Okay. C'est... Si de quoi fois, manger s'il la faut... salle d'armes. S'il faut, je peux fermer la taverne pour la journée. Pour tu vois que ça le peine beaucoup de dire ça, mais il dit pour la semaine. Pour la nuit. C'est pas un problème. Et tu sens que quand il dit c'est pas un problème, tu sens que c'est un gros problème. Il dit pas besoin de fermer la taverne pour l'instant. On te tiendra, on te mettra à jour de ce qu'on aurait besoin, mais on essaiera au minimum de. Ok. De te faire chier. Si t'as pas de Noël, on est mort. You know. Vous êtes plein de ressources. Vous pourrez quelque chose. Ok, je vais préparer des soupes, Sarah. Est-ce qu'ils boivent des bières? Est-ce de l'eau? Est-ce que un vin peut-être? Est-ce qu'ils mangent de la viande? Je sais pas trop. Je vais revenir. On a un interprète. D'accord, vous avez raison. Un peu de tout, c'est une bonne idée. Je vais faire. Et il se retourne, il fait garçon, 2 soupes, 1 gigot, 2 bières. Oh, et il énumère. Il va faire une bière pour un bébé. Non, mais j'ai envie dans le futur. Alors ça, c'est dans le futur. Hein. Je sais pas s'ils ont dit que c'était un bébé, ils ont dit un enfant, je sais plus. Peut-être qu'on pourrait avoir une alliance entre sur Bougie et ces personnes-là pour qu'ils travaillent ensemble. Genre un truc underground où ils font de la distillerie de bière ou j'en sais rien. Draximus il va laisser la porte là juste pour avoir une géante, une bière de cafard et de. Non mais pour les arranger, tu sais, peut-être derrière ils pourraient travailler ensemble, non, je sais pas, c'est le futur, on verra. De toute façon, on n'a pas fini cette quête. Draximus il a pas sauvé la ville, il veut déjà chercher à l'utiliser. on a viré maximum quoi, un sixième des soldats de la ville, ouais. Donc. On a encore du boulot. Ça va le faire, okay. Ça va le faire. Du coup, tu repars, tu ressors, et Sueur Bougie se met à la tâche, etc. Tu reviens dans la grotte. Je remets la musique qui fait peur. Ok, du coup, tu sors de la grotte. J'imagine que tu expliques au groupe ce qui se passe, ce qui s'est dit. Bien sûr. Ok. J'explique à tout le monde. Je demande à Dravi de rassurer la mère et l'enfant. Et demander à Dravi d'expliquer à la mère et l'enfant comment ça va se passer pour eux. Pour qu'ils soient rassurés. Okay. Mais qu'ils restent cachés, qu'ils fassent bien attention. Ok.
Est-ce que tu lui expliques explicitement qu'ils vont se retrouver téléportés à la surface, dans un endroit inconnu, oui. etc. Oui. Ok. Et ça sera plus sûr que. Et même s'ils ont peur, ça sera plus sûr que là où ils sont. Ok. Tu vois Dravi qui parle dans sa langue que tu ne parles pas, et malgré tout, tu vois quand même l'incompréhension et la confusion dans les yeux de Dravi, de la mère, du bébé. Le bébé actuellement, le bébé pige plus que la mère. Et tu entends Dravi qui répète la même chose, et qui réexplique, et qui se tourne vers toi, l'air un peu sûr. Et... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. La Vous allez être dans un autre endroit, qui n'est pas là, mais qui est loin. Qui te dit, je lui dis... Magie. Elle prendre porte magique, elle arriver sous le ciel, elle être en sécurité. Elle pas sûre de comprendre, mais elle est d'accord. Donc j'imagine que la porte est restée ouverte, tu les accompagnes tous les deux. Ouais. Sire Bougie vous attend de l'autre côté avec une grande cape. Et il a l'air un peu surpris par l'apparence de la mère, mais il fait pas de commentaires. Il lui donne la cape et il les accompagne. Il passe devant la taverne, enfin, un endroit de la taverne, mais assez rapidement, sans attirer l'attention. Et il les amène dans une petite chambre. Et quelques instants après, il sort et il revient avec des soupes, du pain, avec des lardons dedans, et différentes boissons, etc. Et il essaye de communiquer avec la mère, qui comprend pas tout, mais qui a l'air très très confuse, mais qui en même temps a l'air rassurée en un sens, de plus être cachée dans un souterrain avec 5 cadavres d'or au-dessus de sa tête, etc. Ouais. Et tu les laisses comme ça, j'imagine. Mm-hmm. Ok. J'ai fait un clin d'œil en fermant la porte. Ok. Tu repasses dans la taverne et tu repasses par la porte. Tu te retrouves à nouveau dans la caverne. Tu refermes la porte derrière toi ? Je referme la porte, ouais. Ok, tu récupères la clé et la porte disparaît en quelques secondes. Ça fait probablement au moins 20 minutes, une demi-heure, que vous êtes parti, que vous avez arrêté de... que le dernier orc est mort. Qu'est-ce que vous voulez faire ? En fait, j'aurais dû y penser avant, mais je sais pas si c'est... Juste avec les lambeaux de des vêtements complètement qu'on peut pas utiliser ou quoi que ce soit des orques, d'essayer de tamp down la plaque de sang géante au milieu. Ah, je pensais que t'allais dire on va se déguiser en orque et faire des fausses patrouilles. Ah oh. Pas mal, j'aime bien ton idée. Est-ce qu'il y a des vêtements qui ressemblent pas à des orques, quoi, c'est ça le problème. J'avoue. Oui, mais Merry et Pipin non plus. Non, c'était Frodon et Sam connaissons ouais. dans les encas. Ah, c'est vrai que ça c'est toujours improbable ça. En même temps, Pipin ressemblait pas à un Erlingas non plus. Hein. À quoi ? Erlingas. Non, mais il faut pas rime. Commencer. D'accord, ok. Je vais faire semblant d'avoir compris, on va passer à la suite, d'accord. Un cavalier du Rohan. Cavalier du Rohan. Ah, ok, d'accord. Bon, après, il se déguisait pas en cavalier du Rohan, il est. C'est un titre honorifique. Si. Ah, oui, si, c'est vrai, oui. Non, c'est oui, Merry qui était. C'est Merry qui a le titre honorifique, oui. Et il avait le titre honorifique du Gondor. Ok, c'est... Pardon, excusez mon inculture. Est-ce qu'on peut reprendre hein. Pardon. Pas si on doit excuser ton inculture au passage, quoi. C'est là. Nerd. Okay, je vais vous laisser 10 secondes pour excuser mon inculture et après on peut reprendre. Ok, d'accord. Du coup, vous vous retrouvez à nouveau dans la taverne. Ça fait, je dis, 20-30 minutes que le dernier orc est mort. Et. Donc ça. Vous en avez appris un, vous en avez un, bah, le temps de discuter avec eux, de revenir, d'ouvrir, de trouver un endroit pour ouvrir la porte, de discuter avec Sire Bougie, de revenir les chercher, etc. Au moins 20 minutes, ouais. Le temps de la rassurer, de lui expliquer tout ça, ouais. Et en loup, du coup. Ta forme de loup, c'est terminé. Tu peux la maintenir, mais ça va te consommer une charge de plus, si tu veux. Ah, ouais, je vais rester en loup, non ? Tu pourras te retransformer plus tard. Ok. Amadou se reprend. T'as encore 4 heures
un truc comme ça. T'as un peu froid maintenant que t'as plus d'empelage. Mais ça ah va. Bon, c'est étonnant. Tu veux une lever masterwork de dans des orques. C'est pas, ça va pas vraiment bien... dire chose, c'est des armures. J'ai bien mangé. Oui d'ailleurs, quid de son armure quand elle se transforme? Elle la garde, c'est le principe. Alors quand elle se transforme en loup, quand elle se transforme en loup, ses armes et son armure deviennent partie intégrante de l'ours, donc du loup pardon, donc ça disparaît. Quand elle est en forme loup-garou, elle garde son armure et c'est pour ça qu'elle peut toujours avoir son arme, etc. C'est dit explicitement qu'elle a. Du coup, ça se déchire pas comme dans Hulk, quoi. C'est... Non. D'accord. Quand elle se transforme en loup, ouais. Quand elle se transforme en loup, par contre, l'armure disparaît et devient une partie intégrante du loup. La magie. Magie. Que faites-vous? Bon, on continue ce plan-là, hein. C'était pas mal. Ça va être un peu long. Est-ce que j'essayerais pas de quadriller quand même, je sais pas, peut-être genre au moins les 4 ou 5 blocs les plus proches de là où on est. On se rend compte au bout d'un moment là, si tu dis que ça fait 30 minutes, qu'il y a des patrouilles manquantes, je pense. Ouais, Sierra, oui, si tu peux... Ou quadriller au moins le sud de la fente, quoi. Et est-ce que... est-ce qu'on a fermé la porte déjà de la taverne? Oui. Tu peux la rouvrir, Draximus, et tester une des cornes, quelque part, voir à quel point c'est bruyant. Tu vas dans la taverne, ça va... Non, tu vas dans la rue à Valmonta. Valmonta, et tu fais ça. Pourquoi pas? On va dire que tu m'as demandé de le faire pendant que j'étais là-bas, ok? Oui, si tu veux, tu peux faire ça en passant dehors. Pour faire aussi des cordes magiques ou... Tu sors dans la rue et t'es un peu awkward. S'entendre de la taverne, tu... Encore un ivrogne. Donc tu le fais? Ouais. Donc t'es dans un quartier... Peut-être pas chic, mais t'es dans le quartier commerçant, il y a beaucoup de gens, des gens bien habillés, etc. Et tu sors ta corne, tu sais pas trop à quoi t'attends. Corne dégueulasse d'orque. Tu as un corps, mais vraiment un bruit barbare, un bruit qui va vraiment évoquer une invasion barbare ou ce genre de choses. Et tu as absolument tout le monde dans la rue autour de toi qui d'un seul coup se tourne vers toi et cherche à voir d'où ça veut dire et qui t'en as deux trois qui te regardent et, comme si ils avaient été victimes d'une mauvaise blague et t'as des gens littéralement paniqués qui se mettent à courir à appeler la garde etc. Vous inquiétez pas, je m'appelle Boromir. En termes de son, c'est pas, tu penses, ça a pas l'air magique, ça a l'air d'être un corps assez classique, mais c'est définitivement un corps qui est fait pour être entendu de loin et qui va peut-être résonner dans toute la caverne, t'es pas sûr, mais c'est définitivement pas impossible. Ok, donc c'est dernier ressort. Voilà. De toute façon, c'est notre dernier ressort. Hell no. Oh, hell no. Nobody got time for that. Hell no. Alors, les questions grand. Ou de retour dans la caverne. Pendant ce temps-là... Au Parti communiste. Il y a Raj qui est toujours déguisé en Mongolman qui remet un peu les morceaux de carapace qu'il a sur la tête qui est en train de glisser, etc. Et, qui se tourne vers lui, qui fait que... Est-ce que j'y retourne? C'est... Bah, il va falloir, hein. Bah oui, affaiblir ses forces le plus possible jusqu'à ce qu'il y a... Inévitablement, on va lancer l'alerte. C'est oui, pas... mais est-ce que ce serait pas une... Enfin, avant qu'on l'envoie, peut-être que je pourrais faire un... Essayer de quadriller au moins le sud, le village, enfin, la partie sud du village, simplement pour vérifier s'il y a comme... Combien de patrouilles restent. Voilà, combien de patrouilles restent. Ok. Voilà. Tu vas faire ça, Sierra? Yep. Ok. Est-ce que tu veux sneak ou est-ce que tu veux te déguiser? Est-ce que je peux faire les deux? Sûr. Je vais me déguiser. Enfin, j'ai pas de kit de déguisement sur moi, mais juste, parce que j'avais deux cafards. On les a utilisés tous les deux pour le costume
Oui, après, il peut te prêter des morceaux, etc. Ouais, Tu je as vais aussi, récupérer. entre-temps, tu as récupéré les morceaux d'armure des Des orques, orques, ouais. des morceaux de métaux et des morceaux de cuir, ce genre de choses. Fais-moi un jet de disguise, s'il te plaît. Yo. Pourquoi ça va marcher? Ah. Si, ça a 27. marché! Tu passes 5-10 minutes, mais t'as un déguisement qui est pas. Peut-être pas 10 minutes, un bon 5 minutes. T'as un déguisement qui est pas moins convaincant que celui de Rage. Tu passes pour un mongolien petit, et il y a Dravi qui approuve, qui dit certains mongolien petits peuvent marcher. Ok. Et Il te est-ce regarde et fait: que. How Mais ah d'ailleurs j'ai oublié de demander par rapport à la caverne, étant donné qu'on est. Il y a de... t'avais mentionné qu'il y avait des. Comment? Des lanternes un peu partout? Il y a des torches, alors il n'y en a pas beaucoup par rapport à une ville humaine, il y en a beaucoup moins parce que les habitants ici sont habitués à la pénombre. C'est quand même beaucoup plus confortable, même pour les individus qui voient dans le noir, d'avoir un petit peu de lumière pour se repérer quand ils sont en ville, quand ils ne sont pas en danger. Donc il y a quand même des sources de lumière, mais en soi ils n'en ont pas vraiment besoin. Donc c'est pas du tout aussi présent dans une ville, etc. C'est vraiment, tu as peut-être une torche tous les 10 mètres maximum, ça va pas éclairer grand chose, c'est juste, il y a un petit peu de lumière, plus que dans les couloirs que vous étiez avant, auparavant. D'accord. Dans ce cas-là, je vais essayer de longer les, enfin, je vais sortir et je vais longer les murs et essayer de rester le plus possible dans l'ombre et en faisant le moins de bruit possible Fais-moi un jet et de ah, discrétion, s'il te plaît. ouais, tu vas faire le rogue, quoi. Bien sûr. Stealth. Ok. Attends, t'as qu'un plus 8 en stealth? C'est quoi ça? Ah non. Ah Non, non. elle a fait un 12... non, elle fait 12 plus Oui, 16. non, non, c'est bon, j'avais pas mon. J'avais mon truc qui Regardez. couvrait le mauvais truc. Regarde des disguises, ouais. Ok. Tu t'éloignes un petit peu, tu t'éloignes du reste du groupe et tu essaies de longer les murs, de faire le plus discrète possible et tu t'avances dans la ville. La ville, comme je l'ai décrite, elle est pleine de bâtiments qui ont l'air d'être faits à partir des champignons que vous avez vus ou d'autres Brax, matériaux t'as un peu une queue devant similaires. toi. Ouais, oui. C'est des. Les bâtiments de loin ressemblent à des. T'as l'impression qu'ils utilisent les têtes des champignons, les chapeaux des champignons pour faire des toits et qui posent sur des espèces de murs de briques et de bois et ce genre de choses. Ça a des formes un peu étranges, un peu particulières, mais c'est plein de petites maisons, de petites habitations, de petits bâtiments, etc. Pour l'instant, c'est très calme et tu vois personne. Et y a pas, il semble pas y avoir de bruit ou quoi que ce soit qui puisse être indicatif. Tu tends l'oreille un instant et tu entends des bruits de pas au nord de toi, une rue ou deux plus loin. Et ils sont nombreux. Tu entends des bruits de cliquetis d'armure et tu entends des voix orques. Est-ce que tu parles l'orque? Ok. Au début, tu entends pas vraiment les voix, mais les voix s'approchent un petit peu et tu parviens à comprendre certaines voix qui disent est-ce que vous avez cherché par là? Ok. Est-ce que vous avez vérifié dans les bâtiments? Et il y a d'autres qui répondent ouais, on a regardé, on les trouve pas. Ils sont 5 ou 6 au moins à être manquants, 2 patrouilles, 3 peut-être. Et est-ce que vous avez interrogé les Mongrelmen autour? Et ils jurent qu'ils les ont pas vus. On en a tué un et il a rien dit du tout. Il avait l'air honnête. Je sais pas où ils sont. Et tu entends les bruits de pas qui continuent de traverser. Au bout d'un moment, tu les aperçois du coin de l'œil et il y a au moins 6 orques qui marchent ensemble, et il y a un Explodimoum-Boum parmi eux qui lance des regards un peu partout. Je vais te demander de faire un nouveau jet de stealth, s'il te plaît. C'est pas notre soirée pour les jets, hein. Ouais, surtout que ouais. Alors, Jesus, j'ai fait un 6 ou un 16? Un 6.
God. 6 avec un plus 16. Ouais, voilà. Je vais quand même faire léger pour les orques. Pas grand chose. Ouais, ils ont rien du tout. Donc ils vont avoir. Ok, ouais, ils peuvent m'avoir faire le jeu. Je vais pas le faire. Ok. Il a le regard, il a un regard perçant, il regarde un peu partout autour de lui, mais à aucun moment il s'arrête sur toi et il continue le route. Qu'est-ce que tu fais? D'après ce que je peux voir, il n'y a que cela, il n'y a que les 6 et le explodit boum boum. De ce que tu en as vu, ouais. Et est-ce que. Enfin, je veux dire, vu qu'ils sont, ils sont à peu près en. Groupe machin, est-ce que je peux voir que le groupe est que ce que je vois, ou est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y en ait encore d'autres qui arrivent derrière, par exemple? La ville est très très calme, tu n'as vu aucun mongrelmen, t'en as pas cherché non plus, mais t'en as vu aucun. T'as vraiment juste vu ces orques là, ils sont 6 et ils sont très bruyants. S'il y a une autre patrouille similaire, tu devrais les entendre de loin. Ils cherchent pas particulièrement à être discrets, ils sont en armure, ils sont nombreux, ils parlent, tu devrais les entendre. Pour l'instant, t'en entends pas. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais pour l'instant, s'il y en a une autre, elle est plus loin que la première patrouille et le bruit de la première patrouille la cour. Ok. Dans ce cas-là, je vais essayer de me fondre à nouveau dans l'ombre, et enfin, j'y suis toujours, j'imagine. Mais je veux dire, je vais essayer de les contourner autant que possible. Et est-ce qu'ils se dirigent vers le sud? A priori, là, ils se dirigent, ils passent de là à vers là-bas. Ils se dirigent l'ouest. De là vers là. Est-ce que je vous ai pas mis? Si. On n'avait pas un truc, là, un objet qu'on avait récupéré qui servait un peu comme un Tokiwalki, où j'ai complètement rêvé. De F à H. Ça existe, mais ça ne me dit rien. On n'en avait pas, nous. Je te vois pas. Alors, j'ai complètement rêvé, pas, du coup. Si tu es sur quelle carte, là? La carte du village. La carte du village. Dans la partie sud, le F, là. Oui, oui, mais je vois pas de... Je vois pas de ping. Ah, ça y est. Okay. Moi, je vois des pings. Non, c'était bizarre, il y a un bug, ou alors sinon j'ai mal vu. Je peux mettre des tokens sur la map. Est-ce que si je fais ça, vous le voyez? Yes. Ok. Il y a une patrouille. Là, attends, tu ne rentreras plus. Salut, qui est ici, et toi, tu es juste au sud de cet endroit-là. On va dire par là. Par là-bas. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Oh shit. Dans ce cas-là, j'essaye de les contourner. De les contourner pour essayer de ressortir du champ de vision de Explody Boom Boom en particulier. Et par exemple, je sais pas comment. Je sais pas si ce serait passé par derrière et pour revenir par là et rentrer par ici, mais en tout cas essayer de les éviter de manière à pouvoir revenir dans la grotte et prévenir le reste du groupe. Tu voudrais pas les tirer plutôt, en fait. Ils sont 7. Je vais quand même vous prévenir avant de les attirer, quoi. Hypo. Ils sont 7 dont un Explody Boom Boom. Dont un Explody Boom Boom, tu vois. Ouais, après, je pense qu'on peut s'en occuper. Il a repéré la caméra, il est en train. Je sais pas si vous allez. Non. Il est en train de renifler la caméra. Il marche sur mon clavier d'ailleurs. Oh! Hi, Po! Débile. Super cute. Donc. Empty inside. So cute. Oui, so empty. Donc, tu essayes de les éviter, c'est ça? Là, a priori, ils passent par la rue au nord de toi. Ils ne sont pas passés juste à proximité de toi. T'es pas en danger tant que tu restes là et que tu laisses passer, tu n'es pas vraiment en danger. Parce que ton... D'accord, bah, je les laisse passer dans ce cas-là. Et une fois qu'ils sont, bah, on va dire, une fois qu'ils sont à peu près ici, je redescends et je viens. Tu retournes vers la grotte? Ok. Je retourne vers la grotte pour prévenir le reste. Ok.
Il y a pas de souci, tu fais pas de nouvelles rencontres sur là. Okay. Moi j'aurais été toi, je me serais caché dans un coin en leur criant en orque venez par là, j'ai trouvé quelque chose, en continuant d'avancer, toujours en se cachant, jusqu'à les amener là où on est. On n'est pas dans les Looney Tunes. Ça peut marcher, c'est des orques. Hein. Faisons revenir, nous laisser refaire nos préparations, et puis attirer le truc une fois que nos préparations sont faites, c'est une très bonne idée. Bah ouais, c'était ça surtout. Enfin, j'avais pas envie de prendre par surprise alors qu'ils sont 7 orques plus un explodit boum boum. Toi, ça te laisse le temps de mettre Gravity Ball, Draximus. Moi, ça me laisse le temps de mettre. C'est juste que là, nos préparations, c'est moins bien marché parce qu'ils sont aux aguets, hein, les orques. Oui, ils sont au courant, mais si justement, quelqu'un. Est-ce que là, on peut faire passer pour un orque? Non. Est-ce que Raj peut utiliser audio hallucination pour faire croire les faire que venir, ouais. Pour les faire venir en faisant croire qu'ils sont en train de faire la fête. Ah oui. Oui, très bonne idée ça. On a trouvé de la bière. Oh, c'est trop bien. Non mais genre en mode les orques vont venir potentiellement parce qu'ils ont envie de boire, mais leur boss explodit boum boum ou quoi que ce soit, il va venir pour les engueuler quoi, ou pour les tuer, et en fait c'est pas con, je sais pas, c'est pas con, et ça déclencherait pas d'alarme quoi. Elle pourra pas affecter tout le groupe. Oui, mais elle affecte une personne. Rash ne pourra pas affecter tout le groupe, elle peut affecter que 6 personnes avec ce sort. Ah merde, donc ils sont 7. Elle est obligée de les voir en plus. Oh, comme c'est dommage. C'est comme si c'était prévu. Non. Ouais, j'ai pas pensé, on va dire, c'était pas prévu dans ce sens-là, mais non. C'est ça, Rage ne peut affecter que 6 personnes avec ce sort pour l'instant. Au prochain niveau, elle pourra faire 7. Il pourra faire 7. Goddammit! À chaque fois! À chaque fois. Ça dit, je fais pareil. Après, s'il y en a un qui entend pas, c'est pas trop grave. Hein. Ouais, voilà. Moi, je parle de bière. Le truc aussi, c'est que, enfin, Rage est certainement pas aussi stealthy que Sierra, et donc, il pourrait se faire repérer, et ça pourrait donner l'alarme. Après, je m'absente deux secondes, je vais me servir un verre d'eau, je reviens dessus. Ce que Rage peut toujours faire, c'est se déguiser en orque. Il peut faire ça, ou alors, parce que, à l'heure actuelle. En leur chef, l'ogre et. Non, elle peut pas. Il peut pas. Trop gros. Mais par contre, je suis en train de penser, ils sont à peu près par ici, là, à l'heure actuelle. On peut essayer de les amener. Ouais, si on les amène dans notre kill zone, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc. Sierra, t'es revenu vers nous pour nous indiquer la situation, on est d'accord? Oui, mais maintenant c'est comment on les amène vers nous en fait? Bah, comme d'habitude. Avec Rage ou avec. Là, ils vont être beaucoup plus suspicieux. Rage peut se transformer en orque cette fois. Oui, mais elle peut pas leur parler. Ah merde. C'est toujours pas le problème. Bah, elle peut toujours utiliser le truc auditif, hein. Le plan foireux, quoi. Il y a l'orque qui arrive vers toi, qui lance un sort pour faire une voix d'orque quelque part qui apparaît au-dessus de sa tête. Ah non, mais elle peut faire son pouvoir pour faire croire qu'elle leur parle, en fait. Je crois que c'est Mais faut quand même qu'elle lance un sort, donc elle va quand même devoir faire une incantation et des gestes. Risque de voir qu'elle lance un sort, mais... Ouais, bon, clairement voir. Si Rage fait semblant d'être un orque et fait juste des grognements ou un truc comme ça, ça passera. Et du coup, t'as dit que elle peut pas, Rage peut pas se transformer, enfin se transformer et en Draximus, Twig, je sais pas quoi. Comment est-ce qu'on dit ils sont par là en orc. Dasperanuk. Naïf. Dasperanuk, ouais, c'est ça. Parfaite prononciation. Ok, Rage, est-ce que tu peux faire. Je vomis un peu en parlant l'orc. Hein, ouais. Drasferanouk Look, c'est ça? Drasferanouk. Non, c'est Drasferanouk. Non, trop élégant. Ça vient plus de la gorge. Drasferanouk. Voilà. Oh,
race, Voravuk. Bref. C'est beau la langue. Je peux essayer, je sais pas à quel point sera convaincant, et si... Qu'est-ce que je dis s'il me pose une question, s'il répond de quelque chose? Ou alors sinon... Tu dis venez. On peut essayer le plan... On peut essayer le plan... C'était quoi, G? Ou... Le plan G. Dans le multiverse 72 Mais le plan Z, on l'a mis de côté, Amadeus. Les enfants, les sacrifie pas. T'imagines retourner dans la taverne et les chercher. On a besoin de toi. Alors ça va, c'était bon la soupe? On peut y retourner, c'est bon. Non, le plan G, tu sais, celui où je monte sur le dos de rage pour parler en arme. Voilà. Eh, il était pas con, hein. Tu mourrais. Le pire, c'est que ça pourrait marcher. Dans le doute. Ça pourrait être un orc avec un... Une bosse, c'est ça. Bon, après, ça voudrait dire que ce serait un peu... Vu qu'ils sont une quarantaine, je suis presque sûr que tous sauraient s'il y avait un orc comme aussi dans leur... Le bossu de la Moria. Je vous hais. Oui, mais tu sais qu'on a raison. Donc, Alors, essaye rage. Vas-y. Au pire, s'ils répondent pas, tu leur lances des cailloux, ils vont te suivre. Je lance du caillou de l'autre côté de la rivière pour qu'ils croient qu'ils sont en train de traverser. C'est ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Cri de la haze. C'est ça. Rage a l'air très confus. On va mélanger tous les plans ensemble. Du coup, on va mettre la bête sur le dos de Rage qui lancera des cailloux, qui ira chercher après, qui les ramènera, et on aura un bébé devant la fumée. Et tu t'assures que l'unijambiste tire la charrette avec sa femme dessus qui efface les traces au fur et à mesure. Exactement. Elle efface les traces que qu'un seul des pieds. Voilà, exactement. Comme ça, ça va encore plus les confondre. Incroyable. Voilà. On parle là-dessus. Vous perdez tous un niveau sans Amadeus parce qu'elle a rien. Non, elle a dit qu'on tuait un bébé, elle. Elle a dit plan Z. Rage, tu regardes Raximus et tu fais comment est-ce qu'on dit vite en orc? Zarout. Donc, Drasferalouk. On n'avait pas décidé Zarout. Que l'orque c'était l'allemand tout simplement et voilà. Schnell. Achtung. Alarme. Alarme. Papier de bite. 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 Ville danke. Ok, bref. J'en peux plus. Alors, on est où là? Vous êtes toujours dans la caverne, toujours à faire des plans, nul, mais toujours. Pendant ce temps-là, les orques, ils sont où? Rage va lancer Alter Self et faire Drasferalouk, Schnell. Et... C'est quoi Plouk? Ok, j'ai oublié. Plouk, c'est... C'est bien, non? Oui. Je crois que c'est bien, oui. Non. Venez, venez, c'était ça, c'est venez. Je crois que c'est venez, ouais. Ok. Ouais. Okay. Drasferalouk, Plouk, Zarout. Ou voilà. Schnell. Donc, c'est en dépendant de si c'est un orque du sud ou un orque du nord. Exactement. C'est voilà. Zarout ou Schnell. Ouais, la différence c'est dialectique s'il mange de la choucroute entre ou pas, en fait, certaines terres est assez prononcée. Il y a eu un vowel shift assez important entre les deux. Ça fait... donc, Rage a lancé Alter Self, Crimson... Okay. Rage, concentre ton énergie, il prend aussi incantation et à nouveau vous voyez des crocs qui poussent, qui sortent de sa bouche, sa peau qui devient verte, Draximus qui vomit. Et ouais, elle est devant vous, elle est un peu plus, il est un peu plus musclé, moi aussi je me trompe, un peu plus grand, mais vous reconnaissez toujours les traits du visage de Rage. Et avant qu'il parte. Il a toujours
Il a toujours sa tenue, par contre, avec son turban et ses bijoux, etc. J'imagine. Oui, non, mais évidemment, il va enlever ça avant de lancer le sort. Non, mais les bijoux, ils sont dans mon havre sac. Tu les avais mis dans le havre sac, les bijoux? Oui, c'était avant qu'on rentre dans, dans les terres sombres. Mais non, c'est un orque bling-bling. Et il récupère une des armures un peu abîmées des orques et il la porte. Il n'y a pas de souci, il ressemble. Il a l'air un peu plus aimable, un peu moins brutal que les orques que vous avez vus jusque-là, mais il y ressemble. Il répète une dernière fois. Donc, Dras Feraluk, Plouk Zarout. Ok, je retiens. Et j'y vais. Alors, je lance à Shunpaf et on se met en position. Tu peux nous remettre sur la carte Bien sûr. C'était celle-là. Ça va être mon moment à moi de. Ouais. On va peut-être s'arrêter là. Ok. Je propose qu'on s'arrête là. De toute façon, j'imagine qu'on va pas continuer beaucoup plus longtemps dans tous les cas. Il est presque une heure. Mm-hmm. Vous voulez continuer encore un peu après qu'Amadou soit parti? Moi, ça me dérange. Si Amadou se part, non. Ouais, ok. Ça marche. Ok. Est-ce qu'on considère que Raj part et continue la suite la fois prochaine? Ou est-ce que vous voulez garder la suite la fois prochaine pour réfléchir à si vous voulez changer de plan? Alors attends, dans ce cas, il faut que je n'utilise pas les sorts que j'ai utilisés. Après, ce qui est chiant, c'est que si vous préparez des plans d'ici la fois prochaine, ça veut dire que moi, je vais devoir planifier. Je vais pas pouvoir planifier autant parce que. Non, on part là-dessus, c'est bien. C'était pas mal ce plan-là. On part dans le. Je considère que. Du coup, ok, on fait ça en temps réel, on va pas prendre 3 mois à faire un plan. Ouais. Je considère du coup que Raj se transforme en orque, s'éloigne. On va s'arrêter là-dessus. Attendons de voir si Marion sera là pour la prochaine partie et qu'on pourra lui soumettre ce plan et lui dire « Ouais, tu l'as déjà fait 3 fois, on t'a envoyé aller crever toute seule. » On va être ravis. Ça a marché. Ok, ça marche. Ok, du coup, je propose Tu es un excellent, comment on appelle ça, bait. Bait, un appât. C'est plus, franchement, utiliser en bait les joueurs qui sont pas là, je sais pas si c'est mieux ou pire que les bébés des PNJ, mais... Mais c'est cool, enfin. C'est... Non, c'est parce que les PNJ, on les met dans les tavernes. Ouais, franchement, c'était pas le plan d'utiliser le personnage le plus squishy et qui est pas là. C'est juste que c'est le personnage le plus approprié. C'est le personnage le plus approprié, en effet. C'est celui qui peut se déguiser magiquement, celui qui a le meilleur charisme. Non, c'est sûr que ça passe. Ok, du coup, on s'arrête là, à moins que vous vouliez faire une dernière chose, dernière question, etc. Not ok, right, dans ce cas-là, c'est tout. Est-ce qu'on a récupéré de l'or sur les orques? Je vous les ai donnés si vous voulez ajouter à votre d'accord. Fiche. Si vous avez... je les ai dit en tout cas, si vous ne les avez pas ajoutés à votre fiche de personnage. Il y en a 42. C'est perdu. Et avant ça, il y avait à peu près 42 par personne. Au total, avec toute la session ou juste les derniers qu'on a tués? 42 et 24, donc 68 par personne. C'était 27. Au tout début, 66. C'était 27, hein, le premier qu'on a tué, enfin le premier loot qu'on a fait quand on a commencé. Non, c'était 24 c'était plus 3 qui se promenaient. Non, c'était 27 plus 3 qui se promenaient, non? C'était 27 par personne plus 3 qui se promenaient, il y avait 135. C'est... Je l'ai écrit quelque part. Je l'ai écrit... 138 138 pour le premier. Oui, 138, c'est ça. Ouais, 138 pièces d'or. Ok, après, tu les avais pas ajoutés du coup, Draximus? Le deuxième truc, donc c'est 42 par personne, c'est ça? Ouais, oui. C'est ça. D'accord, je vais rajouter tout. Ok. Pensez à vraiment les ajouter au moment où on le dit, sinon on va oublier, il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont dupliquer, ça va être un petit peu chiant. C'est fatigué, alors okay. Niveau calcul, j'ai sûrement fait n'importe quoi. Ah bah bravo. Il fallait pas ajouter 4000 pièces d'or. Hein, 42 000, putain. Non, il avait dit, je suis sûr, il a dit 42 000 par personne, je suis sûr et certain. 42 plus 73, ça fait 4273, c'est ça, c'est logique. Non, ça fait 7342, je vois pas ce que tu racontes. Ah bah oui, pardon. Si je m'achète une épée en or, vous poserez pas de questions. Non, c'était écrit sur ma fiche, c'est bon. Ou un dentier en or.
Une épée en or, c'est genre une des pires épées que tu peux ouais, imaginer. L'or, oui, l'or c'est un métal building. Très lourd et mou. Un plaquage or. Voilà. Ok. Et bah, fin de session. Que... Et bien, bon, merci pour cette session encore une fois. On aura fait du bon Tex Avery pour le combat. C'était pas. C'était une session pas ce que bien j'avais marrante. En tête, mais ça marchait. Ok. Bah du coup, la bonne nouvelle, c'est que moi, je suis à peu près prêt pour la fois prochaine. Du coup, il y aura pas. On pourra lancer la suite sans trop attendre. Merci Cheyenne d'avoir pris des notes. Merci Guillaume d'avoir géré Rage. Merci les autres d'être là. Et du coup, on se retrouve. Du coup, moi, la semaine prochaine, je serai pas là, mais il y a peut-être moyen qu'on fasse une session d'ici septembre, fin septembre, je sais pas trop. On verra. Ouais. Quand tu veux, j'ai pas trop grand chose de prévu moi pour septembre. A priori, les dimanches soirs, c'est toujours à peu près bon pour vous? Ouais. Ok, bon. Cool. Bah, on essaiera de planifier peut-être. C'est quoi les dates? Alors moi je vais être absent du 4 au 11, donc le 12 ça va être un peu short, mais 19, 20, 23, ça peut être instant. Ouais, y'a pas de souci. Bye bye le stream. Salut le stream. Est-ce que Marion a